Alerte rouge, les amis, c'est l'heure de l'Olympico. Nous sommes le dimanche 23 avril. Soyez les bienvenus, ici à Lyon, le Groupama Stadium, pour le 121e OLOM de l'histoire. Il ne reste plus que 7 journées pour ces deux équipes, avec un objectif clair, l'Europe. Les Lyonnais doivent aller chercher cet accessite. Ils étaient à 5 points au soir de la dernière journée. Et les stigmates de l'élimination en coupe face à Nantes sont encore là. Les Marseillais, eux, ont vu hier les Lensois leur passer devant. Ils veulent reprendre leur fauteuil de dauphin. Ils veulent la Ligue des Champions. Souvenez-vous, ils s'étaient imposés au match aller. Mais Marseille ne gagne plus ici depuis plus de 15 ans. J'espère que vous êtes prêts. 32e épisode de votre feuilleton Free Ligue 1. Lyon-Marseille, l'Olympico. C'est parti. 19h30, soyez les bienvenus ici à Lyon, messieurs Julien Palmieri et Rio Mavuba. Salut les garçons. Salut, ça va? Bonsoir. Ça sent la poudre, on vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux et vous l'entendez avec ce petit sommaire, ça sent la poudre. Ça sent la poudre européenne les garçons, c'est une quête lancée maintenant pour ces deux formations. C'est l'Olympico, c'est le 121e, toute compétition confondue entre ces deux formations. Normalement, c'est du bon spectacle annoncé ce soir. Normalement, on va se régaler. On va se régaler, c'est un Olympico. Franchement, deux équipes qui sont bien en ce moment, on peut que se régaler. Normalement, on va bien prendre du plaisir. Ils cherchent l'Europe, pas le même, malheureusement. Mais ça peut être un gros match. De toute façon, nous allons tout de suite retrouver le direct du Groupama Stadium avec Alexandre Ruiz, Rio Mavuba et Julien Palmieri. Nous sommes donc ensemble pour suivre cet avant-match, cet Olympico entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. N'oubliez pas que vous pouvez nous donner vos commentaires sur le chat. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 20h45 au bord terrain. Pour votre plaisir avec vous, après les garçons iront en tribune de presse pour commenter ce match et vous faire vivre ce choc. Alors on va commencer tout de suite par une petite question traditionnelle. À votre avis, qui va gagner? Quelles sont les forces en présence? L'Olympique Lyonnais qui est la meilleure équipe sur la phase retour de ce championnat. L'Olympique de Marseille qui a enfin réussi à gagner à la maison la semaine dernière. À votre avis, qui peut gagner ce duel? Qui peut continuer à grappiller des points? Parce qu'on est aussi dans la course à l'Europe, la course à la seconde place pour la Ligue des Champions du côté de l'Olympique de Marseille. Et on rappelle que l'Olympique Lyonnais peut tenter de grappiller une cinquième place européenne, ce qui, il y a encore quelques mois, semblait incongru. Eh bien oui, oui, nous sommes bien en direct sur Free. Nous allons rejoindre le terrain d'ici quelques secondes. Nous avons notre trio qui est actuellement avec Ludovic Giuli. Mais en attendant, alors histoire de planter un petit peu le décor, on va commencer par un petit extrait de conférence de presse. Alors, forcément, deux entraîneurs, deux styles différents. Et vous avez vu que Laurent Blanc, lui, s'est permis de qualifier l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor avec certains éloges. Alors, on va partir avec l'élément T74. Stéphane, s'il te plaît. Tout de suite, on va écouter la réaction de Laurent Blanc sur son confrère Igor Tudor. Alors Igor Tudor, si vous l'avez connu quand il était joueur, notamment à la Juve, c'était un petit peu la brute. Et bien la brute, visiblement, s'est assagie et s'est transformée en football champagne. Il entraîne son équipe différente de ceux qui jouaient lui. Il était un peu plus rugueux. Mais c'est beau, c'est bien, c'est bien. Comme quoi, il y a d'autres entraîneurs, je n'en citerai pas, mais des entraîneurs qui avaient du mal à jouer au football parce qu'ils étaient plutôt rugueux, pour être polis. Et dès qu'ils sont devenus entraîneurs, ils veulent que leur équipe joue au football, se déforme, se déplace, dépasse la fonction. Je trouve ça très bien, moi. Je trouve ça magnifique. Donc, voilà, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Très bon entraîneur, des mots sincères, on va dire, de la part de Laurent Blanc. Alors forcément, la conférence de presse de l'Olympique de Marseille avait lieu quelques minutes, quelques dizaines de minutes plus tard. Question a été posée cette fois à Igor Tudor pour savoir ce qu'il pensait des éloges de Laurent Blanc. On va écouter la réponse d'Igor Tudor avec l'élément T62. Stéphane, s'il te plaît, question en français et on vous fait la traduction simultanée. Il a dit que vous étiez un très bon entraîneur, que le jeu développé par votre équipe était magnifique, beau à voir. C'était un football total. Il a aussi eu un petit clin d'œil en disant que vous n'entraînez pas comme vous jouiez, que vous étiez un peu plus rugueux quand vous étiez un joueur.
Quel regard vous portez, vous, sur le joueur qu'il était lui et sur l'entraîneur qu'il est devenu? Non, le ringrazio per belle persone. È un uomo di calcio, un uomo. Alors d'abord, je le remercie pour ses mots. C'est un homme de football qui a des valeurs. Je l'ai connu durant la Coupe du Monde 1998 en France avec l'équipe de Croatie. Et après, j'ai suivi sa carrière en Italie, puis sa carrière d'entraîneur. C'est quelqu'un qui fait du bien au football, qui a des valeurs que j'apprécie. Il a raison sur le fait que jouer est un métier et entraîneur en est un autre. Quand on joue au foot, on a quelque chose d'instinctif en soi. Quand j'ai commencé à entraîner les équipes de jeunes, après ma carrière de joueur, au fur et à mesure, j'ai pu étudier ce que je voulais proposer comme football. J'ai pu voir ce que je pouvais transmettre aux joueurs et améliorer. Ce sont en effet deux choses différentes. Image d'OMTV. Donc vous avez vu la réponse d'Igor Tudor, qui lui reste inflexible sur son style de jeu, qui reste inflexible sur sa façon de mener une équipe et de mener une équipe au bout du championnat. Alors, Laurent Blanc lui a notamment délivré quelques éloges sur ce jeu, sur la prestation de son Olympique de Marseille cette saison. Alors, est-ce qu'on a nos compères qui sont de retour sur le bord terrain? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut les écouter? Ils vont bientôt revenir, rassurez-vous, ça n'est plus qu'une question de quelques dizaines de secondes, voire d'une petite minute. Alors en attendant, c'est bon, ils sont là. Voilà, à vous. Tu nous entends? Tu nous entends? Oui, on attend de vous voir et on vous voit. Magnifique. C'est M. Ludo qui a tout cassé, il est arrivé là. Ah bah voilà. Bon, excusez-nous hein, pour cette petite rupture, mais on est là ensemble sans aucun problème. Ludo, merci une nouvelle fois de nous accompagner, d'ouvrir avec nous cette antenne. On était sur ce grand schéma de bataille entre force en présence. Pendant que cet écran noir s'est présenté, grosso modo, pour vous dire que nos experts parlaient de ces forces, pour dire aujourd'hui que finalement, Marseille est devant au classement. Donc Marseille est le favori, logiquement, on peut l'annoncer comme tel, de ce match. J'ai vu ta tête. Sauf qu'on est chez toi. Non, mais ils sont favoris, forcément, ils sont devant nous. Mais après, voilà, Monaco a perdu, forcément, ils viennent ici pour faire un résultat. Mais nous, à nous de les contrer, pour aussi grappiller des places et revenir dans ce championnat. Est-ce que si Lyon venait à ne pas prendre l'Europe cette saison, ce serait un échec? Non, bah oui. Si à la fin de saison on n'est pas européen, forcément, ça sera une saison compliquée, difficile, la deuxième. Mais voilà, on a nos chances. On va essayer de grappiller le maximum de points. Ça commence ce soir face à un gros qui est devant nous, qui joue la Ligue des Champions. Donc à voir si on peut rivaliser, faire un gros match. Et après voilà, après c'est commencer le football. Hein. S'ils sont meilleurs que nous, ils vont gagner. Et si nous on est meilleurs, et ben on va les battre et on va essayer de continuer, enchaîner ces six derniers matchs qui restent. Taek qui est avec nous en régie. Taek, est-ce qu'on peut présenter la composition d'équipe probable, je le dis bien probable, annoncée ce matin par le quotidien national, l'équipe concernant l'Olympique lyonnais, sans donner toutes les clés tactiques, Ludo, de ce match. Juste le 11, parce que je sais que ça, on peut le dévoiler à l'heure qu'il est maintenant, du côté de l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui était ce matin annoncé? Est-ce qu'on va être dans ce schéma? Et est-ce que les hommes annoncés ce matin sont se présenter c'est aujourd'hui face à Marseille? C'est la même chose que je vois pas bien là-bas. C'est la même chose, voilà, que celle que je te non, présente c'est là. Pas, c'est l'âge. Le Penant, c'est Thiago qui joue à la place de Le Penant. Ok, Thiago Mendes sera donc titulaire au milieu de terrain, pas de Le Penant. Impact athlétique. Ouais, on sait que Marseille aime ça. Ils jouent les 1 contre 1, donc forcément on a besoin d'impact au milieu. Coco sera derrière. Il y aura Max et Thiago sur les côtés. On a besoin de gagner ce milieu de terrain. On sait que ça va être la clé de ce match ce soir. Et après, on a deux pistons sur les côtés qui sont Barcola et Tagliafico. Et Tagliafico. L'Argentin donc sur le côté gauche et Barcola sur le côté droit. On a compris par rapport à l'impact physique. Juste dis-moi, toi, quels sont les joueurs qui t'impressionne, en tout cas les joueurs que tu vois qualitatifs du côté de l'Olympique de Marseille si on est sur ce 11 au départ? Écoute, moi je crois que le plus important pour nous c'est de bien trouver, de contrer Veretout et Rongier, okay. Ceux qui font le jeu, ils décrochent beaucoup pour justement faire jouer l'Olympique Marseille, donc on le sait, on l'a préparé en espérant que ce soir ça marche, mais je pense que c'est vraiment ces deux milieux de terrain qui font la différence à Marseille, bien sûr, Alexis Sanchez devant qui est une grosse pointure et qui va lui chercher la profondeur, mais pour moi le plus important
temps, si on arrive à aller contre le milieu de terrain, on peut faire quelque chose de beau ce soir. Je vais te libérer parce qu'on a eu cette petite rupture et puis je sais que tu vas aller rejoindre ton groupe. Juste avant, on le disait également dans ce petit black qu'il y a eu, ça a été une grosse semaine, très intense. Hier, tes gars étaient fou furieux déjà, comme si le match avait commencé. Ouais, bah écoute, je les ai calmés, je suis peut-être que on fait une opposition et j'arbitre souvent. Et du coup, je leur dis, oh les gars, le match il est demain, l'impact, le physique, ils ont envie de jouer ce match. Ils ont envie, je leur ai dit, attention, c'est quand même demain, il y a le temps, préparez-vous bien, c'est sûr qu'ils se préparent bien. Ils ont fait une grosse semaine, on a fait une grosse semaine d'entraînement, maintenant voilà, maintenant la vérité elle est là. C'est eux qui vont sentir et vont faire les choses comme ils le ressentent et j'espère qu'on gagnera ce soir. 15 ans que l'Olympique de Marseille ne s'est plus imposé à Lyon. Bah, que ça continue ce soir. Ça passe 16 à la fin. Monsieur Ludo Giuli avec nous, responsable du secteur attaquant du côté du staff de Laurent Blanc. Merci mon Ludo. De rien. Bon match, à tout à l'heure. Bah, on est là, hein. Avec plaisir les gars. À tout à l'heure. Allez, ciao. Merci mon Ludo. À tout à l'heure. Bon les garçons, vous avez entendu le plan, on va se poser, on a été un peu coupé dans notre élan avec cette rupture de signal, mais on va se replonger dans ce match. Vous avez entendu le plan annoncé par Ludo, donc officiel, pas de le penant. Ouais. Ok, on va jouer sur de l'impact physique avec le choix Thiago Mendes au milieu de terrain du côté de l'OL. Votre réaction à cette annonce là, à ce 11? Non, ça peut être logique parce qu'on savait qu'il pouvait... Alors on va essayer de pas se faire allumer. Hop là, comme les œufs. Tchac tchac. Et j'en ai pris par contre. Putain. C'est pas grave sur ça. Le jean. Attends, ça peut revenir hein, les gars. Allez, vas-y. Et donc je disais que voilà, on s'attendait à un match costaud, très costaud. Donc bon, ça m'embête un peu parce que c'était mon. C'est ton chouchou. Mon petit chouchou du championnat. Mais après, Thiago, c'est vrai que voilà, c'est un mec qui va au carton. On sait qu'il aime ça. Et que devant lui, il va avoir des joueurs de qualité. Je pense, on pense tous à Rongier, Veretout. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu logique qu'il mette un peu d'impact face à des joueurs qui vont jouer au ballon. On a une petite surprise vas-y, juste pour viens, vous, viens. Les amis. Clément, on va prendre le micro. Si tu peux me passer le Clément. Merci beaucoup, monsieur Clément. Re-salut. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Ah, on a perdu le signal, ça y est, ça revient. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Rami. Ok, rappelez-moi le vôtre. Félia, re, parce qu'on s'était déjà vu ici dans le cadre de ces opérations. On le rappelle une nouvelle fois, l'OL qui a lancé... C'était quand la première déjà, Célia? C'était quand la première de l'OL Fondation avec les robots? Il me semble que c'était il y a 6 ans. 6 ans, je crois que c'est exactement ça, il y a 6 ans. On le rappelle, c'est permettre une nouvelle fois à tous ces enfants qui sont hospitalisés d'être en connexion avec ces matchs et avec l'OL. De pouvoir vivre une expérience unique à des personnes qui ne peuvent pas forcément dire au Groupama Stadium. Bon, tu vois comment ce match de ce soir, toi, face à Marseille? La vérité, je pense que ça va faire victoire de l'OL 2-0. Ah ouais, t'es sec, toi. OL 2-0. Ok, tu me donnes les buteurs ou pas? Tu vois Lacazette? Ouais. Lacazette et Tolisso. Et Tolisso? Oh. Tu vois un petit, tu vois pas un petit Cherki? Pas de Cherki? Peut-être. Peut-être. Ok. Dis-moi, tu es hospitalisé où exactement, toi? À Bron. Ok. Et de quoi souffres-tu, mon bonhomme? Une maladie neurologique. Neurologique, ok. Et ça va, tu profites ainsi avec ta famille de cette expérience pour pouvoir suivre l'intégralité du match. Tu vas suivre tout le match? Oui. Ouais. Si... Il est diffusé sur la combien? Alors écoute, je vais te dire, pour être très clair, il est diffusé chez les confrères de Prime Video ce soir et puisque je vais te dire, nous on est l'équipe Free Ligue 1. Tu sais, et si tu as autour de toi un membre de ta famille qui a un petit téléphone, bah, il télécharge l'application Free Ligue 1 et c'est gratuit. Tu as tous les buts gratuitement avec le résumé du match. Ah oui. C'est gratuit. Comme ça, c'est pour toi et tu fais ce que tu veux. D'accord? Oui. Bon, je te souhaite un bon match. Tu sais quoi? Je vais aller jouer un petit ticket 2-0 avec un but de Lacazette. Ok? Oui. Merci. On t'embrasse. Bon match à toi. Salut, Rami. Merci. Ciao, ciao. Ciao, Rami. Merci infiniment.
Voilà une bonne opération, une nouvelle fois qui était à souligner de la part de l'Olympique ça, c'est bien. Lyonnais. Pardon les garçons. Thiago, on disait. Thiago Mendes, donc sur c'est le plan logique. Physique et l'impact de l'Olympique Lyonnais. C'est logique, il n'y a pas mon chouchou, mais quelque part, on sait que Veretout et Rongier vont être les premiers relanceurs, donc il va falloir aller les chercher et mettre beaucoup d'impact. Il en met le penant. Je trouve qu'il a aussi ce côté un peu harceleur, mais voilà, ça va être un match très très chaud. Et Thiago, on sait que c'est des styles de match qu'il apprécie, donc c'est assez logique. Tu comprends ce choix également, Rio? Oui, ouais, et je rejoins Ludo dans ce qu'il disait. C'est que ça va être une grosse bataille. Marseille est souvent un contre un et il va falloir remporter les duels. Et je pense que mettre autant déjà de joueurs dans le cœur du jeu, c'est peut-être se créer une supériorité numérique qui va pouvoir permettre à l'OL de remporter cette bataille, d'étouffer les deux. En tout cas, les deux, ils vont pouvoir aller les chasser très haut. Et après, il faut gagner les duels de partout. C'est là où il va falloir que ce soit très, très fort. Et s'ils peuvent le faire déjà dans ce secteur-là, je pense qu'ils auront réglé une grosse partie de leur match. Ouais. On resalue toute l'équipe de Wall qui est avec nous, vous le savez, ici ce soir pour vous permettre de profiter de ce spectacle, que ce soit ici sur place ou du côté de Paris autour de la réalisation de Taek, Stéphane à ses côtés avec Mounia et mademoiselle Aurore Thibault qui vous a capté comme ça sur cette rupture. Rebonsoir Hermana, rebonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. On va demander à Taek de nous proposer également la composition d'équipe probable de l'Olympique de Marseille. Pour souligner ce que nous a avancé Ludo et cette position forte au milieu de terrain du côté de l'OM avec Veretout et Rongier, la clé sera donc là pour vous les garçons également. Il va falloir aller chercher peut-être de longs ballons pour faire que sur le renvoi, Lyon vienne chercher ce deuxième et puisse faire déjouer le plan marseillais. Ouais, ben c'est exactement ça. Je pense qu'ils vont aller les harceler d'entrée. On sait aussi que Rongier aime bien faire le troisième parce qu'il y a un des trois qui joue derrière, qui monte et Rongier vient prendre sa place pour être le premier relanceur. Donc si vraiment les Lyonnais vont faire en sorte d'harceler Marseille, ça veut dire que si Rongier descend, Thiago sûrement, que ce soit Thiago ou Kakere va aller sur lui et aller le chercher. Donc ça peut être aussi une solution et on va voir s'ils voient que l'OM galère à ressortir, ça va jouer long et il y a des mecs comme Alexis qui aiment aussi ce genre de combat, donc ils ont plusieurs solutions Marseille. Attention, on prend cette option, il faut être fort physiquement. Ah oui. Il faut être fort physiquement, il faut qu'ils soient prêts à répéter les courses. Marseille, on sait que là-dessus, ils tiennent la route et ils sont capables d'enchaîner les grandes courses. Et côté OL, ça va voir si ça va tenir sur la durée du match. Donc peut-être que dans un premier temps, ils vont aller les chasser. Mais il faut voir combien de temps ça a duré. Et quand tu vas les chercher, après, il faut gagner les duels. Et Marseille a l'habitude. Lyon n'a pas trop l'habitude de jouer ce style-là. Donc on va voir. C'était le préambule de ce choc très très attendu. Avant de rentrer en détail dans l'analyse de ces compositions d'équipe, même si vous l'aurez compris, le 11 de l'Olympique Lyonnais vient de nous être dévoilé par Ludovic Giuli. On attend le 11 de l'Olympique de Marseille, celui présenté à l'instant et le probable diffusé ce matin dans la presse nationale avec l'équipe. Matty Bolt, avant de lancer tout ça, il y a eu un échange de d'éloges entre deux défenseurs centraux monstrueux d'il y a quelques années, en l'occurrence les deux coachs, d'un côté Igor Tudor, de l'autre Laurent Blanc. Matty Bolt, je crois que Laurent Blanc a été très amical envers Igor Tudor. Oui, alors Alex, j'en ai profité pour le montrer pendant que tu étais, il y avait la petite rupture de faisceau, donc on a montré les échanges de bons procédés, donc effectivement il y a eu les petits mots sympas de la part surtout de Laurent Blanc. Alors puisque tu étais parti dans les clés de ce match, je te propose pourquoi pas d'écouter la réaction de Laurent Blanc qui, lui, se projette sur ce que vous venez d'aborder, sur comment va se dérouler ce match selon ses plans. On va partir avec l'élément T75. Et pour Laurent Blanc, en gros, ce qu'il faudra, c'est surtout avoir la possession du ballon. Même, nous le déclarons et puis nous l'assumons, surtout, on veut le ballon, on espère avoir le ballon. Marseille a un jeu assez direct, très athlétique, très physique. Il faut être patient contre Marseille, il ne faut pas perdre le ballon facilement, rapidement. Tout ça on le sait, toutes les équipes le savent aussi, puisque bon, ils préparent aussi les matchs comme nous. Tout dépendra de l'intensité du match. Si on arrive à faire en sorte de mettre un petit peu un cachet d'aspirine dans la possession, je pense que c'est tout bénéfique pour nous.
Parce que si on veut jouer comme eux, je pense que c'est perdu d'avance. Donc il va falloir être sûr de soi, individuellement, collectivement. Techniquement, il va falloir faire peu d'erreurs. Enfin, si on veut gagner un match de haut niveau, vous savez comme moi, il faut être bon individuellement, collectivement, faire peu d'erreurs, avoir de l'enthousiasme. Enfin, je vous donne tous les ingrédients pour gagner un match, quoi. Mais tactiquement, je pense que ça sera intéressant. Oui, ça sera intéressant de voir. On a des systèmes préférentiels différents. On a prouvé qu'on pouvait aussi s'adapter à l'adversaire. Ça sera un match difficile, puisque je dis à mon équipe toujours que cette équipe de Marseille fait un excellent championnat, a un système de jeu qui est vraiment fatigant pour l'adversaire, avec des joueurs aussi d'une qualité technique individuelle très au-dessus. Mais nous, on a du répondant, comme je dis à mes joueurs. Voilà, le postulat de départ du plan de bataille est donc planté. Oui, intéressant effectivement de rappeler toute cette notion physique. Merci Mathy Bolt d'avoir en plus livré les échanges d'éloges dans cette période de blockout pour nous ici. Et ça nous permet ainsi d'entrer dans le vif du sujet. En rebond au propos de Laurent Blanc, les garçons, on est donc dans ce choc athlétique. On a deux visions différentes ou pas pour vous tactiquement entre ces deux équipes? Non, pas forcément. Deux visions différentes, surtout okay. Que ce que nous a apporté à Ludo. Mais ce qui est fort dans les propos de Laurent Blanc, c'est qu'il dit que si on veut jouer sur le plan physique face à l'OM, on a perdu d'avance. Donc il a quand même ce plan de vouloir avoir le ballon et de les faire courir. Et après, c'est pour ça qu'on en revient tout à l'heure. Ils vont aller les chercher peut-être sur un temps. Et après, à mon avis, on va quand même revenir à bloc médian et essayer de contrôler le ballon pour faire déjouer les Marseillais. Donc tu vois 15 minutes où on va aller les chercher, les harceler, voir comment ça se passe, aller récupérer le deuxième ballon et ensuite... C'est clair, je pense qu'ils vont se attendre un poil. Ouais, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas dans leur habitude d'aller presser, d'aller chercher haut et de se mettre au charbon pendant tout le match. Marseille sait le faire, on l'a vu, ils savent bien le faire. Laurent Blanc le dit, c'est pas dans leur habitude. Par contre, ils savent un peu plus avoir le pied sur le ballon, faire tourner. Déranger l'équipe un peu tactiquement, l'équipe en face, surtout que Marseille c'est un peu foufou, donc ça va un peu chercher, ça part dans tous les sens et ça crée beaucoup de décalage, on l'a vu d'ailleurs sur les côtés, il y en avait qui étaient en difficulté, donc on peut assister effectivement à 10 minutes, un quart d'heure un peu folle où les deux équipes vont partir dans tous les sens et après Lyon, je pense qu'ils vont vouloir récupérer, mettre le pied sur le ballon et faire tourner un peu plus. Contre Alex, il y a un truc, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Laurent Blanc. Quand il dit que Marseille a un jeu direct, c'est vrai qu'ils sont très forts en transition, mais ils savent aussi garder le ballon. Et là, il ne faut pas se tromper. Marseille, c'est une équipe qui est capable d'avoir de grosses possessions. Et du coup, ça va pousser les Lyonnais aussi à courir derrière le ballon. Et là, ça peut être dangereux pour eux. Alors, ça m'intéresse ce que vous dites à l'instant. Et qu'on va remontrer le 11 probable de l'Olympique de Marseille. On vous dit, ce n'est pas encore officiel du côté de l'OM. Je veux avoir votre avis sur la principale interrogation qui était celle ce matin sur ce 11 de départ. C'est devant. Qu'est-ce que vous mettez du côté de l'Olympique de Marseille? Vraisemblablement, Malinovski titulaire aux côtés d'Alexis Sanchez et de Hunder. Il y aurait un choix à porter du côté gauche. Est-ce qu'on met Malinovski? Est-ce qu'on met Vitinha qui semble être réveillé? Ou est-ce qu'on met Guendouzi? Qu'est-ce que vous mettez, vous? Moi, je laisserai Malinovski. Malinovski pour toi. Voilà, parce que il est bien. Il a raté un match dernièrement, mais voilà, c'est pas non plus... grave. Je trouve qu'il est plus à l'aise à ce poste-là que Vitinha, même si on sait que Vitinha, c'est vrai, il reste sur un doublé, on va dire, il est en pleine bourre, mais pour ce match-là, Malinovski, c'est peut-être plus intéressant et justement, dans ce qu'on parle, dans le fait de aussi sortir avec le ballon et voilà, pouvoir jouer un peu au football, je pense que Malinovski est plus à même à avoir ce rôle-là que Vitinha. Et concernant Guendouzi, moi je comprends plus rien, donc c'est une énigme totale. Il y a 6 mois, on parlait que de lui, on rêvait de l'OM par Guendouzi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, on a l'impression qu'il rentre plus trop dans les plans. Moi, je serais parti plus sur Vitinha, pas forcément dans ce rôle-là, parce que Vitinha il joue plutôt dessus, en décalant Sanchez, parce qu'il sort d'un doublé, c'est un attaquant où Marseille a mis beaucoup d'argent, là il arrive
à être bien, à mettre ce doublé. Il n'enchaîne pas, malheureusement pour lui, si c'est, on est encore dans le probable. Hein. Et moi, je pense qu'on était bien de le voir enchaîner dans un gros match. Il est en confiance, il a mis ses deux buts. Après, oui, ça aurait pu être aussi Guendouzi, parce qu'il y a une grosse bataille aussi au milieu de terrain. Mais comme a dit Jules, il est un peu sorti des radars. Donc moi, j'aurais bien laissé Vitinha. Ouais. Faisons un focus peut-être Vitinha, les garçons. Aurore, tu as plusieurs informations, en tout cas plusieurs déclarations sur Vitinha, notamment après le dernier match et ouais. La victoire des Marseillais face aux Troyens. Adil Rami, défenseur central, qui avait donc en face de lui le nouveau numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Comment l'a trouvé Adil? Alors on va dire prestation avec les félicitations de monsieur Adil Rami. On va écouter la réponse d'Adil Rami en zone mixte. C'est une réponse qui a été captée par nos collègues de la chaîne portugaise RTP. On va partir avec l'élément T20. Donc Adil Rami totalement fan du personnage, surtout qu'il est jeune, qu'il vient d'arriver et que l'Olympique de Marseille c'est quand même un club avec une certaine pression. Vu qu'il y avait beaucoup de pression, en plus il passe du championnat portugais au championnat français, donc c'est quand même une grosse différence. En plus c'est Marseille, c'est pas un club en fait, Marseille, on le sait très bien, c'est un pays dans un pays. Mais ça va, franchement, moi j'aime beaucoup ce profil de joueur qui joue dos au jeu, comme ça, il joue des bras. Moi ça me convient, mais après je le trouve intelligent, bon dans la surface de réparation. Maintenant on le sait, hein, un joueur en confiance, c'est pas les mêmes joueurs, donc je pense que là ça va lui faire du bien ce match-là, il a mis doublé. Donc c'est bien pour vous les Marseillais, parce que là il va falloir pourquoi pas aller chercher le titre. Je sais pas, il y a combien de points d'écart? 8, ouais, ça fait quand même beaucoup. Un peu comme nous quoi. Ouais. Avec la petite phrase humoristique à la fin, la petite pique, voilà. Hein. J'adore. Garde la main, Mathieu Bolt, garde la main. Et pour être peut-être un peu plus sérieux que la fin du message, en tout cas d'Adil, Igor Tudor. En deux temps, je crois que tu as également son élément de réflexion après ce match face à Troyes, et puis cette semaine aussi sur les questions posées sur Vitinha, à savoir s'il a progressé ou non depuis son arrivée, pour justifier ou non sa titularisation ce soir face à l'Olympique Lyonnais. Eh bien, on va tout d'abord écouter la réaction d'Igor Tudor au sortir du match au Vélodrome le week-end dernier. Alors, pour l'entraîneur croate, eh bien, il y a eu un avant, un après sélection portugaise pour Vitinha. Vous allez voir avec la réponse d'Igor Tudor, avec l'élément T16. Donc, pour lui, il s'agit de protéger quand même son joueur, mais il y a du progrès. Non, siamo veramente contenti per lui. Lui da ci è voluto un tempo di ambientarsi, penso che dopo che è tornato da nazionale. Alors oui, c'est vrai que tout le monde on est très content pour lui. Je pense qu'il lui a fallu un temps d'adaptation, mais après la trêve, il est revenu changer. Je pense qu'il y a vraiment eu un avant et un après la sélection. Il nous apporte de la fraîcheur, de l'énergie. Il a cette capacité à attaquer l'espace, à être toujours dangereux sur le premier poteau. Et donc c'est sûr que quand il est dans la surface, c'est un danger pour les autres. Et on va enchaîner du coup avec la question qui a été posée avant-hier en conférence de presse à Igor Tudor. Donc vous avez entendu, marge de progression, travail à fournir, intégration qui, selon ses coéquipiers, se passe parfaitement bien. On va écouter la question du journaliste avec l'élément T65 et on fait la réponse et la traduction simultanément d'Igor Tudor. Sì, ho detto già dopo la gara che da quando è tornato in nazionale che. Donc depuis le retour de la sélection U21, je l'ai déjà dit, il a fait des pas de géant dans son intégration, son adaptation. C'est un joueur très jeune, il a encore une grosse marge de progression. D'un point de vue technique en dehors de la surface, il doit apprendre à mieux protéger le ballon. D'un point de vue physique, il a commencé à prendre un peu de masse musculaire en faisant de la musculation. C'est quelqu'un qui est généreux dans la surface, c'est là où il est le plus fort. Il a une capacité de pénétration dans les défenses, de placement dans la surface. On est très content. J'espère qu'il va ainsi poursuivre. Et pour terminer, pour clôturer, Alex, est-ce que tu me permets quelques petits mots de Vitinha le week-end dernier, après le match contre Troyes, élément T14. Vitinha a répondu en français, s'il vous plaît. Eh ben... Merci beaucoup. C'est très important le but pour moi. Pour ma tête, c'est bien. Il va continuer à travailler et après, c'est mieux. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as marqué ton premier but? Comme ça. C'est ça. Toujours. Ça, c'est bien. Ma tête, le club. Je dis viens Vitinha, tu vas travailler, continue à travailler bien et après le foot, et ça c'est bien. C'est beau de marquer au Vélodrome comme ça la première minute. Beaucoup de jours. Merci.
tu as un objectif d'ici la fin de saison, de jouer plus de matchs, de marquer des buts? Est-ce que tu t'es fixé une target? Moi, va continuer à travailler beaucoup et bien. Et alors, va travailler après. Vitini, on a vu sur les deux buts, la joie collective, tous vos coéquipiers. Quand c'était compliqué pour vous, le groupe a été toujours derrière vous? Pas compris. les autres joueurs de Marseille sont avec toi? Oh ouais, tout le temps. Moi, je viens en Marseille. Toute l'équipe, staff, tout le temps, ça va, Vitini, allez, continue. Trop gentil, toujours. Image de la chaîne RTP. Alors, nos collègues journalistes, faut arrêter de poser des questions à rallonge un moment pour quelqu'un qui fait l'effort de parler français. Et puis, on retiendra surtout le soulagement. Voilà le soulagement, tu as entièrement raison. Les garçons, comment vous voyez Vitinha aujourd'hui? Est-il en train de réussir enfin son intégration pour le plus gros transfert de l'histoire de l'OM? Je pense qu'il a mis du temps quand même, l'intégration, mais là on peut dire qu'il signe son arrivée avec ce doublé au Vélodrome. Je pense que là, il n'y a pas meilleur moyen pour lancer sa saison, même s'il reste peu de matchs. Mais il peut devenir un atout majeur pour cette fin de saison, cette course au podium. En tout cas pour l'OM, je pense qu'il a son mot à dire. Ouais, alors lancer, moi je pense pas, parce que ça reste encore très très peu. Vraiment par rapport à ce qu'on espérait et ce que l'OM a investi. Alors je pense que quand ils ont investi, Longoria, il l'a plutôt vu sur le long terme parce qu'il est tout sauf fou. Donc ça reste encore petit par rapport à ce qu'on espérait. Maintenant, on voit clairement que ce doublé, il le dit lui-même, l'a libéré d'un poids. On espère pour lui et pour la Ligue 1 que ça le lance enfin. Mais déjà, on voit que lui fait l'effort parce que voilà... On voit certains joueurs qui, ça fait plusieurs années, ils n'alignent pas deux mots en France, en français, et lui, ça fait voilà trois mois qu'il est là, il fait déjà des réponses en français d'après match. Anthony Lopez, le staff, gardien de l'Olympique Lyonnais qui est de la sortie sur la pelouse du Groupama Stadium. J'enrage un petit peu les garçons parce que je vois les délégués sortir depuis tout à l'heure avec les feuilles de match, ça fait cinq bonnes minutes. Et personne pour l'instant de notre côté avec les feuilles de match. Ce qui m'enrage un petit peu. Dans 10 secondes, je vais aller la chercher moi-même. Et ça va être réglé. J'aimerais bien pouvoir vous dire si Vitinha est titulaire ou pas du côté du plan d'Igor Tudor. Je ne vois absolument plus les gens de la Ligue. Mais on va y revenir. Dans cet impact physique, du coup, les garçons, on disait dans cet avant-match que si Lyon venait à ne pas toucher l'Europe, ce serait un échec pour la saison lyonnaise. On va y revenir. Est-ce que la saison de l'Olympique de Marseille, pour l'instant, est selon vous réussie? Pour moi, non. Pour moi, non. Pour moi, non. Elle sera réussie que s'ils finissent deuxième. Pour moi. Parce que vu ce qu'ils ont montré, ils ont eu l'opportunité d'aller en finale de la Coupe de France, ils ont raté. Ils ont eu l'opportunité de se qualifier en Champions, ils ont raté. Cette troisième place, pour moi, elle garantit rien avec ce tour préliminaire. Pour moi, si tu finis deuxième, pour moi, ça serait une saison réussie. Oui, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est quand même beau. Parce qu'il y a une cadence, parce que mine de rien, le PSG, c'est normalement, en cette période-là, depuis 5-6 ans, il s'est plié. Et là, on voit que Marseille tient très bien la cadence et l'école. Donc voilà, après, ce qui est concernant les coupes nationales, bon, ils se sont plantés, tout comme Lyon n'a pas réussi cette année à aller au bout. Donc si ça reste comme ça, on peut dire que c'est une saison réussie directement avec la Ligue des Champions. Après, comme le dit Rio, si malheureusement, derrière, ça arrive fort, et si à la fin, ils finissent troisième et ils peuvent même passer derrière tout ça, ça peut être sincèrement une saison compliquée et ratée. Anthony Lopez qui est à l'échauffement, les arbitres viennent de sortir également sur la pelouse, c'est monsieur Jérôme Brizard qui sera l'arbitre de centre de cet Olympico, associé avec Alexis Auger et Valentin Evrard. On pense également à Gaël Angoula qui sera le quatrième arbitre ce soir. C'est un homme que vous connaissez parfaitement. Ah oui. Ça fait du bien de voir cette nouvelle génération également d'arbitres, lui qui était professionnel en Ligue 1, qui a été à tes côtés du côté des clubs corses. Vous étiez les deux, c'est ça. Les deux pour dire en face, les gars, par ici on passe pas. C'est ça, c'était ça. On était sur les côtés, c'était compliqué de nous doubler. Je vais te faire un aveu, nous on nous disait cibler les côtés. Hein. apparemment, pas le mien, parce qu'au bout de 6 mois, vous m'avez appelé. Donc pas le mien.
La sortie également du staff gardien du côté de l'Olympique de Marseille avec l'autre Lopez. Avec un Z côté espagnol, côté Marseille, avec un S côté portugais, du côté de l'Olympique lyonnais. Ça y est, on a enfin, merci Frédéric, qui nous a rapporté les feuilles de match. On est allé chercher, et donc la réponse est donc là, du côté de l'Olympique de Marseille, tout d'abord, puisqu'on était sur Vitinha. Vitinha, les garçons, est sur le banc des remplaçants, exactement. Avec, il y a un problème de numéro de maillot, pour tout vous dire. Parce qu'on met le Jordan Verretou avec un numéro 9. Ils sont tous de 1 à 11. 7. Close ah non, 3. Les maillots sont là. Les maillots sont là. À droite, ouais. Les maillots sont là, ils sont sur la droite, pardon. Ok, ah donc la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille, puisque celle de l'Olympique lyonnais, vous l'avez eue. Marseille avec donc. Je les donne dans le désordre, hein, ok. Gigot, Balerdi. Balerdi est donc titulaire, les garçons. On l'avait annoncé sur le banc. Klos, Lopez dans les buts. Under, Malinowski est donc titulaire. Rongier, Kolasinac, Verretou, Issa Kabore, de nouveau titulaire, donc sur le flanc Chancel. Droit. Et Alexis Sanchez à la pointe de l'attaque. La première surprise, effectivement, c'est comme depuis 3-4 matchs, Chancel Mbemba, pardon, est sur le banc des remplaçants. Ouais, surpris, parce que c'est peut-être le meilleur défenseur de l'OM. Alors, est-ce qu'il y a un problème physique, je sais pas, mais c'est un choix surprenant. Juste sur le choix de Chancel sur le banc, on va analyser tout ça ensemble. Non, comme le dit Rio, je sais pas, il doit avoir un problème physique, c'est pas possible autrement, parce que c'est le meilleur olympien de la saison, donc avec Gigot. Donc on pourra demander s'il n'y a pas un problème physique. C'est surprenant dans ce genre de match. En plus, on a parlé un peu avec lui, nous, en dehors, en off, et on sait que ce genre de match, il aime. Donc c'est surprenant de ne pas le voir. Après, concernant le reste, je suis pas surpris. Et voilà, c'est juste dommage de ne pas voir Chancel et surtout Balerdi qui à tout moment, dans ce genre de match, il peut capoter. Assez surprenant, effectivement, dans ce choix. C'est un choix fort, marqué par Igor Tudor. Le groupe de l'Olympique Lyonnais est sorti à l'échauffement. Vous le voyez sur toutes les images qu'on vous propose. Grâce à Free Ligue 1 avec les équipes de Wall, tout cet avant-match en direct est gratuit, on vous le rappelle, sur les chaînes YouTube Free Ligue 1 et Fair Play. Et n'oubliez pas de télécharger l'app, bien entendu, les Amigos, pour avoir tous les buts et les résumés gratuitement de toute cette rencontre. Vous voyez le flash code qui est installé en bas à gauche de votre écran. Vous téléchargez, quel que soit votre opérateur. Et d'ici à quelques petites minutes, vous avez juste à rentrer votre numéro de téléphone, une petite adresse mail, et tout est joué directement. Tout ça, c'est gratos pour déjà profiter, par exemple, des 19 buts de cette journée. Je vous fais une petite parenthèse. Quel résultat vous a marqué pour l'instant de cette 32e journée, les amis? Je vous les rappelle, avec la victoire de Paris sur la pelouse du SCO d'Angers, 2 buts à 1, Auxerre-Lille, 1 but partout, la victoire de Lens, 3-0, Reims qui a été battu par Strasbourg, 2-0, aujourd'hui c'était à 13h, Ajaccio-Brest, 0-0, Toulouse est allé s'imposer à Lorient, 1-0, Nantes 3, 2-2 à la dernière seconde pour les Nantais, pour éviter peut-être le très très chaud pour Antoine Camboiré. Nice a été battu, attention à Didier Digard, battu à domicile par Clermont, 2 buts à 1, Montpellier a battu Rennes 1-0 avant cet Olympico. On est d'amis encore. Comment ça Salut. Va Comment ça va la mascotte ça Comment va, ça la va la mascotte Comment ça va la mascotte Comment ça va la mascotte Voilà. Est-ce que ça sent bon l'Olympico là? Est-ce qu'on rugit? Encore un petit passe? Ça j'adore. Il a compris qu'il fallait pas trop aller fighter avec Jus. Il l'a compris également. Quel résultat du coup, les garçons? Moi, Montpellier. Ouais, enfin surtout Rennes. La défaite de Rennes. Mais ça commence à faire beaucoup pour Rennes qui, comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois ils sont ambitieux et font en sorte de l'être, parce qu'ils ont quand même des joueurs de grande qualité. Ils ont pris un coach pour être à la hauteur de leur ambition, et j'ai l'impression que chaque année ils se loupent et ils patinent à la fin, et ça va malheureusement continuer et recommencer l'année prochaine. Moi, c'est le résultat des Lensois. Parce que derrière cette désillusion au Parc, même si on connaît le scénario, je pense que la réaction qu'ils ont eue face à un concurrent qui aurait pu devenir direct, elle a été très très forte, et on a ce Openda qui continue à surfer sur son élan. Il n'avait pas été récompensé au Parc. Là, il fait doublé, passe D.
et on voit qu'ils sont toujours solides et ils mettent la pression à l'OM. Donc c'est vraiment un super duel qui peut nous attendre. Et vraiment, j'ai été surpris par ce résultat parce que je pensais que Monaco pouvait faire quelque chose pour essayer de revenir dans la course à 3. Là. Pression sur l'Olympique de Marseille qui veut récupérer sa place de dauphin. C'est ce soir, ça se passe là. Ah oui, bah là c'est clair et net qu'ils ont vu. Ils ont eu l'opportunité de voir Lens jouer avant. Donc ils n'ont pas d'excuses. Ils savent qu'ils doivent faire obligatoirement un résultat ici. Et voilà, et Lens, moi je ne suis pas surpris. Je vous l'avais dit une première fois après une défaite à Lille où on avait des doutes sur leur état d'esprit pour le fait de rebondir. Là encore une fois, je pense que Franck Hez a été assez lucide et il savait très bien que ça allait être compliqué. Donc il a su rebondir, ils ont su rebondir et tout l'effectif est allé à son image. Donc je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de ce que fait Lens. Et c'est une très bonne chose pour ce championnat de revoir Lens en haut. Vous entendez les sifflets, vous l'aurez compris, vous le voyez sur vos images. La sortie des hommes d'Igor Tudor, la sortie de l'Olympique de Marseille qui est donc à la chasse derrière Lens pour récupérer cette place de dauphin avec Alexis Sanchez qui sera très attendu par la défense lyonnaise ce soir. Défense marseillaise, les garçons, ça c'est l'une des clés également depuis maintenant quelques journées. Je garde la main parce que ça concerne ton poste de latéral avec le petit Issa Boré, l'international burkinabé qui est entré dans ce poste de latéral droit qui a apporté une option claire maintenant à Igor Tudor qui bascule Klaus de l'autre côté et qui sort Nuno Tavares du 11 de départ. Ouais, ça veut surtout dire que Nuno Tavares n'est plus dans le coup. Alors, est-ce qu'il a été dans la saison? Je pense, oui, en début de saison. Aujourd'hui, il a plus de mal. Et après, le petit Caboret, il avait un peu son alter ego qui est suspendu ce soir. Je m'en souviens plus de son nom. Suspendu de l'autre côté à Lyon. Koumbédi, voilà. Qui est un peu dans le même style, un peu offensif, mais qui sait aussi défendre. Donc c'est une bonne chose, il s'est petit à petit installé. Alors après, est-ce que l'année prochaine ça va durer ou est-ce qu'ils vont chercher à ce poste, j'en sais rien. Mais comme tu dis, ça pousse Klaus à gauche. Est-ce que ça veut dire aussi que Klaus revient très bien parce qu'on sait qu'il avait eu aussi un passage à... Enfin, nous on n'avait pas l'impression, mais que pour Igor Tudor, il avait eu un passage à vide et il l'avait mis sur le banc un certain temps. Donc que ça soit Klaus et Caboret, les deux apparemment reviennent en pleine forme et normalement ce soir ils risquent d'avoir quand même pas mal de travail. Rio, je te propose d'écouter avec Mathy Bolt. Aurore, est-ce que le coach marseillais s'est prononcé sur les deux latéraux qui seront titulaires ce soir, et sur Klaus et sur Caboret? Ouais, alors on va commencer par Jonathan Klaus. On va partir avec l'élément T17. Stéphane, s'il te plaît, c'était au sortir du match contre 3, donc comme l'a dit Jus, eh bien, selon Igor Tudor, il y avait eu un passage à vide. Et pour l'entraîneur croate, eh bien, c'est de mieux en mieux. Il est revenu à son niveau. On écoute la réponse. Et de toute façon, Jonathan Klaus lui-même a confirmé qu'il avait eu un petit passage à vide à un moment dans la saison. La continuità è bella perché puoi giocare tutti e due veramente allo stesso livello. Alors c'est un joueur qui a la capacité de jouer sur les deux côtés, sur les deux couloirs, et c'est quelque chose qui change rien pour lui. Ce qui est important par contre, c'est le niveau auquel il joue, et je pense que durant les deux derniers matchs, il a joué à son niveau, c'est-à-dire un niveau de joueur d'équipe de France, d'équipe nationale. Avant ça, c'est vrai qu'il était un peu en delà de ses performances, donc j'espère qu'il va vraiment pouvoir jouer ses 7 derniers matchs avec constance et à son niveau, puisque c'est ce qu'il faut s'il veut espérer retourner en équipe nationale. Alors vous avez vu déjà dans la réponse d'Igor Tudor, c'est-à-dire que Jonathan Klaus peut jouer à gauche et à droite. Question avant-hier en conférence de presse sur l'arrivée dans l'équipe, on va dire la haute performance d'Issa Caboré qui lui permet de prétendre à des places de titulaire, ce qui n'était pas le cas avant. On va écouter la réponse d'Igor Tudor avec l'élément T68. En gros, qu'a-t-il fait Caboré pour être performant aux yeux d'Igor Tudor? Per me è stato uno dei migliori in campo, ecco. Ça a été l'un des meilleurs sur le terrain dimanche contre 3. C'est ce genre de joueur que j'aime. En tant qu'entraîneur, j'aime ces joueurs qui ne jouent pas forcément tout le temps, mais qui me mettent en difficulté dans mes choix de titularisation. Je pense que c'est aussi la façon de penser de beaucoup d'entraîneurs. Mes portes sont ouvertes pour tous les joueurs, dans un sens comme dans l'autre, pour y entrer et comme pour y sortir. Telle est ma philosophie.
D'accord. Donc résumé, eh bien, quand on a l'embarras du choix, c'est encore mieux. Alors, l'embarras du choix, Rio. Que penses-tu, toi, du choix du coup d'Igor Tudor, d'avoir inversé, d'avoir sorti Nuno, d'avoir installé le petit Issa à droite, de repasser Klose à gauche? Tu penses quoi de tout ça, là, de moi, cette mayonnaise? Moi, je pense que c'est bien. C'est bien parce qu'on avait l'impression, à un moment donné, que Nuno, il avait un totem d'immunité qui pouvait être bon, être moins bon et jouer tout le temps. Là, je pense qu'il a trouvé une vraie alternative crédible sur la durée avec Kabouré et Klose, comme il faisait ses latéraux inversés. Oui. Klose avait répondu présent aussi à gauche. Donc là, il a de vraies garanties. Et Kabouré aussi, il est bon. Hein. Il est très bon. Donc c'est ça qui lui permet, comme il dit, de douter. Parce que Kabouré, à mon avis, pendant les séances, il doit être très performant. Quand il a joué, il a été bon. Donc voilà, la porte est ouverte, comme il dit, et il a saisi. Mais par contre, il est direct. Hein. Ça peut rentrer comme ça peut sortir à tout moment. Donc on sait, on l'a vu avec Klose, qu'on pensait plus ou moins intouchable parce qu'il était en plein boom et parce que c'était l'équipe de... Bon, il n'avait pas fait le mondial, à notre grande surprise, mais il était en pleine forme et il a vu qu'il était un peu moins bien et il l'a dégagé sans sentiment, sans rien. Donc ça prouve que Kabouré fait quand même du très 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 bon travail pour que Tudor lui fasse confiance. Pour aller dans votre sens, les garçons, sur ce que vous m'avez évoqué tactiquement, sur ce ballon que Marseille peut aller chercher loin dans un premier temps pour aller taper le second et aller mettre en difficulté le milieu lyonnais, est-ce que vous êtes d'accord avec effectivement l'expertise qui a été apportée cette semaine? Là aussi, je pense à Vincent Duluc que je salue, qui exposait le fait que des joueurs comme Tolisso, comme Cacré, à des mesures différentes, hein, sont là normalement pour donner cet air, donner cette respiration, donner cette qualité technique pour aérer le jeu et avoir être une sorte de buvard pour compenser l'impact physique que va certainement donner l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous sentez que les deux Lyonnais sont un poil en deçà de ce qu'ils devraient apporter normalement justement dans ce soulagement? Moi, je pense qu'ils sont pas forcément au niveau attendu. Okay. Sincèrement, depuis le début, Tolisso, entre les pépins physiques et les non-matchs, enfin, il a eu du mal à enchaîner, à se remettre dans le bain. On sait qu'il a eu des blessures un peu plus compliquées à Munich. Mais pour moi, il n'est pas au niveau qu'on espérait à Lyon et ce pourquoi on l'a pris. Pour moi, ça devait être le patron, le taulier, être capable de jouer sous pression, être capable de rassurer les mecs autour de lui. Et je pense que l'option des Lyonnais aujourd'hui pour sortir les ballons, ça va être lui. Donc là, si lui, il n'est pas à ce niveau-là, ça va être très compliqué pour Lyon. Et Cacré, eh bien, on attend plus encore parce qu'il est capable de faire de très très gros matchs. C'est un super joueur, j'adore, hein, avec le Penant ils sont très très bons, mais il n'a pas franchi ce cap, ce cut, comme j'aime bien dire, il n'a pas franchi et on attend vraiment de lui qu'il soit capable justement sous pression dans les petits espaces de ressortir pour éviter le pressing marseillais et après offrir des munitions à ses attaquants. Ça va lui faire du bien peut-être à Cacré, le fait qu'il y ait Thiago aussi, il va avoir plutôt deux boucliers avec lui pour le libérer un poil. Pour se projeter un peu. C'est vrai qu'on est un peu déçu de moins de Cacré parce que voilà, on va dire qu'il est encore un peu jeune et qu'on attendait une confirmation, c'est vrai, par rapport à l'année dernière, alors qu'il avait été énorme dans cette fin de saison. Mais c'est vrai qu'on peut être vraiment déçu de Tolisso pour le moment parce que quand ils l'ont fait revenir avec la casette, c'était un rôle assez clair. Il était parti s'envoler vers d'autres cieux pour sa carrière et pour son bien. Et après, il était revenu à la maison en même temps que la casette en patron et enfin avoir le rôle qu'il attendait à l'Olympique Lyonnais dans son club formateur. Et malheureusement, comme l'a dit Rio, il est souvent blessé comme au Bayern. Et quand il est sur le terrain, on attend beaucoup plus parce qu'il se projette beaucoup moins qu'avant. On sent qu'il n'est pas super en confiance parce que ça marque moins de buts, ça tente moins souvent. Donc on espère ce soir revoir le Tolisso qu'on aimait voir à l'époque et qui prenait les ballons, qui venait chercher les ballons et qui était la première ronde de lancement. Tu m'as dit l'une des clés toi aussi de ce match, on va s'amener ainsi sur le secteur offensif maintenant dans la comparaison entre les armes offensives. Tu m'as parlé de Cherki, on va l'exposer parce que ça c'est un point que j'aimerais aborder effectivement sur les forces lyonnaises offensives. Matty Bolt, Laurent Blanc interrogé sur sa ligne offensive, notamment avec Barcola, notamment avec Lacazette et surtout avec Cherki. On a vu une double page cette semaine là aussi dans les colonnes de l'équipe. Qu'en pense Lolo Blanc de son joueur qui serait vraisemblablement sur le couloir gauche ou à deux associés à la casette devant?
Alors, si vous avez suivi le match contre Toulouse le week-end dernier, Ryan Cherki a eu un match bipolaire, on va dire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, il s'est pris une petite soufflante de Laurent Blanc à la mi-temps. Laurent Blanc ne s'en est pas caché. On va écouter ce que disait Laurent Blanc au sortir du match avec l'élément T7. Et pour vous donner une petite information supplémentaire, interrogé encore sur le même sujet, sur Cherki, est-ce qu'il avait bien fait de l'engueuler ? Eh bien, à la mi-temps, Laurent Blanc a dit « Bah oui, si c'est pour que ça marche à chaque fois comme ça, je le ferai, mais en début de match. » Cette fois. Je suis satisfait de sa deuxième mi-temps, mais très insatisfait de sa première. Voilà. Donc c'est pas terrible. Ah ben quand vous faites 90 minutes, 45 minutes de très bonne, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. À faire plus. Il a le talent pour le faire. Et on est tous d'accord pour le dire. Il faut que lui le. Et d'autant plus qu'il a l'occasion d'être déterminant. Il veut être déterminant parce que tous les joueurs veulent être déterminants. Après, il faut en avoir les capacités. Lui, il en a. Lui, il a les qualités pour être déterminant. Que ce soit dans le dribble, que ce soit dans la passe, que ce soit dans le but. Quand on lui offre la possibilité de marquer, il faut qu'il soit plus sûr que ce qu'il a été. Donc, il apprend. Il apprend. Je suis intransigeant avec lui, mais en même temps, je suis assez tolérant quand même avec lui. Parce que je pense qu'après la première mi-temps qu'il a fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'auront élevé. Je pense qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il mette ses qualités au service de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait en deuxième mi-temps. Parce qu'offensivement, il a été bon, et défensivement, il a été très bon. Et en première mi-temps, parce qu'il a loupé, parce qu'il a pas mal négocié ses ballons, ça a cogité dans sa tête pendant 45 minutes. Donc c'est la prochaine fois, s'il ne veut pas cogiter, il marque le but, et vous verrez qu'il fera deux mi-temps, comme je l'ai dit. Mais bon, il est jeune, et on l'adore. Est-ce que la jeunesse est une excuse pour être parfois, entre guillemets, un peu trop égoïste ? Non, Kylian Mbappé l'a dit, il ne parle pas d'âge. Voilà. Il a raison, mais c'est bien ce qu'il dit Laurent Blanc, parce qu'il alterne le chaud et le froid avec... Intransigeant mais tolérant. Voilà, exactement, et je trouve que c'est top cette relation qu'ils ont, mais c'est sûr que ça pourra pas durer éternellement comme ça. À un moment donné, il faut que Cherki franchisse le cap, même si cette année je trouve qu'il a vachement évolué par rapport à la saison passée, et notamment ceux depuis l'arrivée de Laurent Blanc et le travail qu'il doit faire aussi avec Ludo Juli et sûrement l'adjoint aussi. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il franchisse un cap, et ce soir pour moi c'est l'occasion de montrer, ben voilà, je suis là, j'ai envie d'être décisif, et là je vais le faire dans les grands matchs. Ouais, alors moi je suis un peu plus réservé, parce que Kylian Mbappé c'est l'exception qui confirme la règle, et c'est vrai que lui c'est un extraterrestre et il y en a. Non mais attends, je comprends pas Mbappé. Je dis juste que ce qu'il a dit par rapport à ce qu'il a dit. Moi peu importe l'âge. Moi pour moi l'âge ça y joue un peu parce qu'il est on a l'impression que plus on vieillit, malheureusement, plus on se formate et plus on rentre dans les codes du football Ligue 1 au niveau. Et on n'a plus trop cette folie. Cherki, il l'a encore, et peut-être un peu trop par moment. Il le dit, il faut qu'il soit un peu plus tueur. Et c'est vrai qu'il est sur courant alternatif. On l'a très bien vu contre Toulouse, où il a fait 45. C'est vrai qu'il a fait 45 minutes très compliquées. Et après 45 très grosses minutes. Donc il faut qu'il arrive à être un peu plus régulier dans ce qu'il fait, un peu moins foufou, parce que je trouve que des fois il s'enferme dans des défis quasiment impossibles, à des 1 contre 3, 1 contre 4. Mais c'est impossible pour nous ces défis. Pas pour ce genre de jeu. Non, mais encore quand il est il y a des moments où il est moins bien. Et j'ai l'impression qu'il veut sentir quand il est moins bien. Oui, c'est dans les choix. Voilà, il veut faire des choix qui sont trop compliqués pour lui. Et des fois, il faut jouer simple. Et je pense que Laurent Blanc et, comme tu l'as dit, Ludo Juli le gèrent bien, savent le gérer, parce que je pense qu'il doit être compliqué à gérer aussi. C'est des mecs, c'est des artistes du ballon, donc ils ont leur vision de jeu et tout. Et pour le moment, ils font quand même un assez bon travail. J'espère que ce soir, on va voir le bon Cherki, parce que un bon Cherki, c'est quand même plaisant à voir. Dans ce team offensif, ça fait longtemps que je vous ai pas posé cette question là, les garçons. À un moment donné, je vous la posais toutes les semaines. Comme un peu, je vous pose à savoir si Messi quitte le Paris Saint-Germain. Et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas relancé sur le feuilleton Alexis Sanchez.
Je vais vous l'annoncer là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec Alexis Sanchez? Prenez un petit temps de réflexion. Je vais me tourner vers Aurore parce que, Aurore, je sais que du côté du Chili, on a interrogé le joueur de l'Olympique de Marseille. Que va-t-il faire, notre ami Alexis Sanchez? Va-t-il rester à Marseille? Dis-nous. Sequeda, no Sequeda, pour parodier un certain Gérard Piqué à l'époque du vrai faux transfert de Neymar au Paris Saint-Germain qui finalement s'est avéré. Eh bien, on va partir avec l'élément T2 parce que Alexis Sanchez, il y a quelques semaines, a accordé un entretien à une télé chilienne. Il a été notamment question, eh bien, de son avenir plus ou moins proche. Alors, Alexis Sanchez, on va pouvoir regarder les images, installé confortablement, a dit qu'à l'Olympique de Marseille, il se sentait très bien parce qu'on le mettait dans les meilleures conditions pour pouvoir pratiquer son football, c'est-à-dire qu'Alexis Sanchez lui demande juste à avoir un suivi et puis le reste, les efforts et la pratique du football, ça, il l'a fait à fond, il se dédie à fond à son activité. Qu'est-ce qu'on a d'autre entendu? On a entendu d'autres qu'il avait dit qu'il avait très envie de rester, mais comme il l'avait dit aussi quelques mois plus tôt en conférence de presse, il a très envie de gagner. Donc il espère jouer jusqu'à 40 ans, peut-être une retraite du côté de son petit club de Tocopilla. Et cette semaine, eh bien, il y a une rumeur qui a été relayée un petit peu partout sur le fait qu'Alexis Sanchez pourrait quitter, pourquoi pas, Marseille et aller du côté de River, eh bien en Argentine. Alors, cette fois, c'est son agent qui est sorti de sa réserve. On va partir enchaîner avec l'élément T29 bis, l'agent d'Alexis Sanchez, Felicevic, qui a dit, eh bien, Alexis Sanchez veut rester en Europe et apparemment l'Olympique de Marseille serait la priorité, aura en pôle. Donc on rappelle quand même qu'Alexis Sanchez a fait un an de contrat et qu'il a un an optionnel qu'il doit renégocier avec sa direction. Et il y aurait aussi une autre rumeur qui courrait comme quoi ce serait le salaire qui poserait un petit problème. Épisode 75. 76 la semaine prochaine. Si, en tant que joueur et quand tu as un club comme Marseille, forcément tu as envie de le garder parce que c'est un chien fou, il lâche jamais. On l'a vu même des fois, c'est trop, il s'époumonne et derrière, devant le but, il arrive plus trop. Mais oui, forcément tu as envie qu'il reste dans ton club, c'est un style de joueur attachant. Après, comme le dit Aurore, on savait très bien que, déjà, on était surpris qu'il arrive à Marseille. On se demandait comment ils avaient fait pour financièrement y arriver. Alors, c'est vrai que s'il doit rester, je suis pas sûr que ça soit aux mêmes conditions parce que ça peut être un frein dans sa prolongation. Mais oui, moi, en tant que passionné de football et pour la Ligue 1, j'aimerais qu'il reste à l'OM. Ouais, et aussi, je veux dire, en Europe, je vois pas où c'est qu'il peut avoir un meilleur projet pour lui. Parce qu'aujourd'hui les top 15, top 16, ils sont plus sur ce type de joueurs. Donc je me dis qu'aujourd'hui si l'OM finit deuxième, il doit rester et il aura envie de rester pour jouer la Ligue des Champions. Alors après les questions salariales, je sais pas s'il aura mieux ailleurs, mais je pense que footballistiquement, pour moi ça serait une erreur qu'il quitte l'OM et le championnat. Mathieu Bolch, je vais te proposer quelque chose, s'il te plaît. On doit quitter la scène un peu plus tôt, là, alors que les échauffements ne sont pas encore terminés. Je te propose une chose, parce que vraiment, notre position là pendant le match est vraiment à 3 minutes, là, le temps qu'on s'installe. Est-ce que tu peux nous éclairer, parce qu'on va rappeler également les absences du côté des deux équipes. Il y a le petit Koumbéli, qui était ultra important dans le schéma blanc, qui est suspendu donc ce soir. Je voulais que tu nous apportes des éléments, parce qu'il prolonge, et je sais que tu as des éléments à nous apporter là-dessus. Et de l'autre côté, les absences, bien évidemment, toujours de Unai et de Amin Harit qui a repris. Je sais que tu as ces images-là et je crois que notamment avec Matteo Guendouzi, il y a 2-3 échanges. Prends la main sur les absents du côté lyonnais et marseillais, le temps pour nous d'aller nous installer. Ça marche ? Ça marche, c'est parti, à tout de suite. Alors restez avec nous. Donc Alex vous l'a dit, Koumbédi est donc absent ce soir, ce qui n'a pas empêché cette semaine de prolonger. On va regarder ça avec l'élément T22, il a prolongé jusqu'en 2027. Vous voyez les petites images, vous allez voir ça tout de suite, de sa prolongation aux côtés de Jean-Michel Aulas. Donc on aurait peut-être cru aujourd'hui que Malo Gusto allait pouvoir le suppléer, mais non, finalement non. Et bien Laurent Blanc n'a pas fait le choix de Malo Gusto parce que Malo Gusto, lui, a repris depuis 3-4 jours, dixit Laurent Blanc. Donc le petit Koumbédi, lui, qui en profite aussi pour apprendre avec aux côtés des plus grands, aux côtés des entraîneurs adjoints. Et il a accordé une interview à OLTV. On va écouter comment il fait pour progresser parce qu'on rappelle que, eh bien, il est jeune et que l'effectif lyonnais est principal
principalement formé de jeunes pousses qui apprennent un petit peu avec leurs défauts et leurs erreurs. On va écouter avec qui il travaille beaucoup, donc c'est l'élément T23 avec un certain Claudio Cassapa. Ça parle beaucoup aux supporters lyonnais. Je dois mieux défendre. Je fais de la vidéo pour ça avec Claudio. On travaille beaucoup sur ça. Du coup, il faut que je reproduise ce qu'ils me disent de faire sur le terrain. Qu'est-ce qu'il te montre exactement ? Bah, mes interventions. Il me dit, ouais, là, t'aurais dû faire ça, ça. Il me montre comment, même sur le terrain, les gestes que je dois faire, comment je dois défendre, prise d'info, l'attitude que je dois avoir. Il m'apprend et c'est à moi de prendre ça et de me mettre en pratique sur le terrain. C'est une fois par semaine, plusieurs fois par semaine avec Claudio ? Bah, ça dépend. C'est à ma demande. Du coup, des fois, moi, j'aime bien attendre 2-3 matchs. Après, je lui dis, ouais, Claudio, on peut faire de la vidéo, soit directement lui-même, il vient me voir. Ouais, c'est elle. On va faire un retour. Surtout, c'est pas que de la vidéo, c'est verbal. On est là, on parle, on discute. Il me positionne sur le terrain et il me dit, ouais, si là, je te mets là, qu'est-ce que tu fais ? Franchement, c'est un échange. L'important, entre guillemets, d'avoir des mentors et des entraîneurs qui sont là pour conseiller les jeunes qui sont de plus en plus tôt propulsés au haut niveau. Comme ça, tout à l'heure, Julien et Rio échangeaient sur le fait d'avoir ou non un âge minimum pour briller et que, comme Kylian Mbappé disait qu'il n'y a pas d'âge, eh bien là, on voit comment ça se passe avec ces jeunes. Et donc, si on passe maintenant du côté marseillais, il y a un joueur qui est absent depuis la mi-novembre, vous le savez, c'est Amine Harit. Donc, il avait loupé la Coupe du Monde. Il a eu une grosse opération au niveau des ligaments du genou. Eh bien, la bonne nouvelle, on va partir avec l'élément T13, c'est qu'il a repris la course. Voilà, donc Amine Harit est dans le timing de sa convalescence. Donc Amine Harit qui comptera pour l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Vous le voyez là sur petites images qui ont été postées par le joueur lui-même qui permet souvent de voir un petit peu l'évolution de sa convalescence. Et puis, on va vous faire... un petit plaisir, c'est y a un documentaire qui a été sorti par les services d'OMTV. C'est un petit peu un inside de la saison avec parfois des petits moments plus tristes, des petits moments plus agréables. Il y a eu notamment le discours d'Igor Tudor au lendemain de l'élimination en Coupe de France contre Annecy. On vous le montrera peut-être ce soir ou peut-être un petit peu plus tard avec des mots très durs et un coaching à la Tudor. Donc ça permet de mieux connaître l'entraîneur. Mais en attendant, on va continuer sur une petite séquence sympa pour histoire de se mettre un petit peu en bouche pour faire monter la température avant... ce choc des Olympiques qui sera un petit peu bouillant, donc on va faire un petit peu de douceur, un petit peu de gaieté. On a l'élément T5, alors regardez, c'était quand Harit avait été opéré, c'était Guendouzi qui était chargé de le ramener chez lui, de faire le taxi. Et comment ça se passe inside le vestiaire de l'OM? Et bien ça se passe comme ça, plutôt en décontraction, en douceur, et puis on voit qu'il y a un lien très fort entre les deux hommes. Lui, déjà je l'accompagne, je le ramène et... Je suis en train d'attendre Amine Harit parce qu'en fait je vais le chercher chez lui, je le ramène au stade. Après le stade, je suis obligé d'ouvrir toutes les portes parce qu'il ne peut plus. Et après, en plus de ça, il faut que je le ramène chez lui encore ce soir. Donc je fais des détours pour lui. Et en plus, je dois l'attendre parce qu'il discute avec des amis. Non, je... Maxime, manque de respect total. Il faudra qu'il s'en souvienne. Oh non, il va s'en souvenir. Arrête, filme pas ça. T'as vu là, c'est lui ma sécu là, pour l'instant sur Marseille. Parce que je lui ai demandé de s'habiller tout en noir. On y va ? Demande à l'oreillette si... Est-ce que la voiture est prête pour Amine Harit ? Ça va aller, merci. Ok, terminé. Allez, on y va. Je vais prendre un pourcentage, un bon pourcentage. Et nous, on demande à l'oreillette si Alex, Rio et Jules sont prêts. Dites-moi, ce soir, il n'y a pas un petit hommage à Paul Bocuse, à la gastronomie lyonnaise, avant le match ? Exactement, Mathieu Bolt. Hommage à Paul Bocuse. En marge de cette rencontre, bien évidemment, Paul Bocuse, l'homme de la région, l'homme ici qui a apporté des lettres de noblesse également à la gastronomie ici à Lyon. Il y aura effectivement un hommage pour emporter à Paul Bocuse. Vous avez vu ces images, les garçons, avec le retour d'Amine Harit. Voilà un retour qui va faire du bien aussi à Marseille. Il aura manqué également aux Marseillais dans son impact technique et dans sa qualité. Ouais, dans son volume aussi, t'as raison. Et c'est vrai que ça va faire du bien. Alors, je ne sais pas si ça va pouvoir reprendre là, mais au moins il va être prêt pour la saison d'après. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il a apporté beaucoup avant sa blessure. C'est un élément en plus, une cartouche en plus offensivement. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle pour l'OM. Non, c'est une bonne nouvelle. Après, oui, ce ne sera pas pour cette saison. Je pense qu'ils ne sont pas assez fous pour prendre ce risque. Il était en pleine bourre malheureusement quand il se pète. Il y avait la Coupe du Monde qui arrivait.
Et on voyait que c'était le Amin Harit qu'on espérait tous parce qu'il avait eu un peu de mal avec l'OM au départ. Et il revenait très très bien. On voyait qu'il revenait à son niveau. Donc c'est une très bonne chose qu'il revienne, mais c'est des séquences assez rigolotes et assez sympathiques quand même parce que Guendouzi, mine de rien, ça doit lui prendre la tête des fois de faire le taxi. Donc il le fait, mais c'est quand même sympa. Les garçons, avant la sortie des 22 acteurs, on le disait dans cet avant-match, 121e, c'est énorme, 121e Olympico, toute compétition confondue, confrontation entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Marseille ne s'est plus imposé ici depuis 15 ans. 2007. Pour vous, j'ai retracé un peu cette historique là qui est absolument incroyable. Marseille s'était imposé ici 2-1 avec un doublé de Mamadou Niang. Souvenez-vous de l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'était la 14e journée de la saison 2007-2008. Marseille, avant ce match, était 19e dans le trou. Deux victoires seulement en 13 journées. Et Marseille est venu s'imposer ici alors qu'on était dans un déséquilibre. Lyon était déjà leader. Lyon fonçait vers son 7e titre consécutif, son dernier depuis date. Lyon était poursuivi par Nancy qui était deuxième à 3 points. Et puis Marseille s'était imposé. C'était l'époque avec Eric Guéretz, Mandanda, Fati, Bonnard, Rodriguez, JV, Zubar, Nasri, le capitaine Sana, Valbuena, Mbami, Chirou, Ayou, Zenden, Mamadou Niang. En face, écoutez bien l'Olympique lyonnais. Écoutez bien. C'était la formation d'Alain Perrin, Vercoutre, Pelage, Claire, Kleber Anderson, Skidazzi, Kallström, Keita, Santos, Juninho, Fred, Benzema était entré à la place de Fred à la 65e minute. Govou, Bonnemer et Ben Arfa. C'était une autre époque et cette saveur Olympico était là. Ouais, c'est sûr qu'elle était là et c'est fou de se dire que c'était la dernière victoire de l'OM à ce moment-là. 15 ans. Parce que, ouais, on a l'impression que l'OM a beaucoup de résultats face à Lyon, mais non, on se rend compte que non, et encore moins ici. Hein. C'est fou. Je ne sais pas si on nous entend, mais... On nous entend et on vous montre en plus ces images qui sont absolument folles de ce stade du Groupama Stadium qui a revêtu les couleurs bleu, blanc, rouge de l'Olympique lyonnais. On parlait de cet Olympico de 2007, bon jus. Ces saveurs-là qu'on est en train de retrouver peut-être ce soir. Bah on le voit, on est en train de le voir. C'était à Gerland. C'était à Gerland. C'était le fameux stade Gerland où on dit qu'il y a beaucoup plus d'effervescence ici, mais on voit ce soir qu'il y a ce qu'il faut, qu'il y a quand même une belle ambiance. Après, on parle d'une époque qui remonte 15 ans, c'est énorme 15 ans. Et quand on voit les joueurs. Pascal Fendouno. C'est lui, je le disais. Pascal Fendouno, c'est énorme. Ça va, Pascal? Ça va ou pas? C'est énorme. Attendez, bougez pas, on va montrer. Regardez à l'écran si ça apparaît. Attendez, bougez pas. Il est là. Monsieur Pascal Fendouno qui est avec nous. Ça va Pascal? Ça va ou pas? Incroyable. Ça va? Non, et voilà, c'était quand on voit les équipes, Benzema qui était rentré. Entré en jeu à l'heure de jeu. C'est là où tu à la te place dis, de Fred. C'est là où tu te dis que ça remonte quand même la dernière victoire. Bien joué. Rio, Enrique, Boateng, Gusto, Awar, Lepedon, Sarr, Dembélé, Richefinho. Paul Bocuse, bien évidemment, mise à l'honneur. C'est magnifique. C'est très très beau. Un bel Olympico. Avec des Marseillais quand même. À préciser effectivement, Jules, tu fais bien de le rappeler. Les Marseillais qui sont enfin de retour dans ces Olympicos. Et oui, c'est pour ça. Cela faisait maintenant, c'était depuis 2017. Je ne me trompe pas, 2017. Ouais. La dernière venue des Marseillais pour cet Olympico du côté de Lyon. On rappelle qu'au match aller, 200 Lyonnais avaient eu la possibilité de se déplacer du côté de Marseille. Ils sont 400 Marseillais ce soir autorisés du côté de Lyon. C'est beau là, hein? Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. L'hommage à Paul Bocuse. Magnifique. Ouais.
ville qui donne faim. La véritable cuisine sera toujours celle du terroir. Merci monsieur Paul pour ces belles paroles. Voilà le tifo qui est porté par le public du groupe Groupama Stadium. Ah, Thibault, j'imagine qu'à distance avec l'équipe de Wall installée à Paris, vous êtes en train de vivre ça. C'est absolument incroyable. Hein, incroyable. C'est peut-être pas à la hauteur de la table de la cheminée à Évreux, mais... Attends, là on parle quand même de Paul Bocuse. Hein, bon. La cheminée à Évreux, c'est l'une des bonnes tables évreuxiciennes à Évreux. Si vous passez par là, je vous le rappelle, du côté du quartier de la Madeleine, vous prenez pour moi une bonne assiette, un grand mix, et vous allez vous régaler. C'est à la bonne franquette. J'en profite dans cette ambiance de ferveur populaire pour embrasser très fort, permettez-moi ce message personnel, d'embrasser très très fort ma petite maman qui nous regarde, qui vous porte, je peux vous le dire, et que j'embrasse très très fort. Maman, bisous maman Ruiz. La vie est devant nous et on avance. Madame Ruiz, on vous embrasse très très fort. Très fort. Les Marseillais et les Lyonnais sont de sortie. Valentin Rongier, Alex Lacazette, les deux capitaines. C'est un Olympico. 121e attendu ce soir pour la Ligue 1. C'est une place en Europe qui se joue. C'est la place de la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille. C'est une place en Conference League, oui, pour l'Olympique Lyonnais. Oui, mais ça reste un tournoi européen. Et on l'a vu malheureusement que cette année, si on n'est plus malheureusement, on n'a plus notre destin européen en France entre les mains. Donc il faut, à un moment donné, il va falloir prendre aussi en considération ces tournois européens qui aident à grandir aussi. Plus de clubs européens depuis cette semaine et l'élimination de l'OGC Nice, vous le savez. C'est très difficile pour le football français qui pourrait perdre en plus une place au classement ranking UEFA qui ferait que, eh bien, tout simplement, nous pourrions perdre la 4e place accessible. Ligue des Champions, ce serait un gros coup dur, ça, Rio. Ouais, ce serait un gros coup dur, hein, surtout qu'on est toujours en train de se dire qu'on veut concurrencer les meilleurs Européens, faire la Champions League toute l'année. Mais quand on a l'opportunité de jouer la conférence ou l'Europa League, il faut la jouer à fond parce que ça a un impact sur tout notre championnat, sur aussi l'économie du foot français. Il faut vraiment qu'on trouve les solutions. Puis, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une table ronde entre les clubs européens, mais qu'on arrive à protéger les clubs qui jouent l'Europe, je ne sais pas, mais ils ont les moyens pour, donc, et les effectifs. Rappel des 22 acteurs, les amis. Rappel des 22 acteurs avec, on vous l'a dit, un choix fort de chaque côté. On va commencer par l'Olympique Lyonnais. Le gars de jus est envoyé sur le banc. Le penant n'est pas là dans le milieu de terrain du côté de l'Olympique Lyonnais. On a choisi l'impact physique en la personne de Thiago qui sera là. La défense avec Lopez, avec Lovren, Loukeba, Taliafico, le petit Diomandé, Tolisso, Thiago, Cacré, Barcola, Cherki et Lacazette du côté de l'Olympique de Marseille. Le choix fort, c'est que Chancel Mbemba est de nouveau sur le banc des remplaçants. C'est Balerdi qui est titulaire du côté de l'OM. Pas de Guendouzi, pas de Vitinha. Malinovski est choisi devant du côté de l'OM. Ça nous donne du Kolasinac, du Gigot et du Balerdi devant Lopez. Verretou et Rongier dans l'entrejeu à droite. Le jeune Issac Aboré à gauche. Klos devant Alexis Sanchez, Hunder et Malinovski. Ouais. Bien malin qui va nous dire qu'il va remporter cette bataille du milieu de terrain qui est le fort enjeu de ce match. Et surtout, je pense que c'est la confrontation de ces deux Olympiques qui va... Enfin, moi, en tout cas, je suis excité de voir ce match. J'ai toujours suivi à la télé. Là, je suis là, je suis content d'être là. Et on attend que les joueurs soient au rendez-vous, qu'ils nous offrent un gros spectacle. C'est ça, ouais. C'est ça, c'est exactement ça. On sent que c'est un match spécial. C'est un match spécial dans ce championnat. Et on a juste à regarder. C'est vrai que quand on est devant la télé, c'est totalement différent. Là, on a la chance d'y être. Profitons de ce qu'on a sous les yeux et espérons que les 22 acteurs nous donnent du spectacle. On a deux beaux bébés, hein.
C'est ce que je regardais tout à l'heure. Je parle pas de vous, les garçons. Vous êtes des beaux bébés. Hein. Tudor Blanc. Je parle de Igor Tudor et Lolo Blanc. C'est absolument incroyable. Le coup d'envoi donné par l'Olympique de Marseille. Les amis, ce match ultra important, 32e journée de la Ligue 1 Uber Eats. C'est le dernier match. C'est celui du dimanche soir. C'est celui que vous attendez sur les antennes de Free Ligue 1. Les chats sont ouverts. Je vais prendre le téléphone, bien évidemment. Le chat YouTube, le chat Facebook. On va pouvoir échanger après le premier quart d'heure. Aurore est prête également de son côté. On va vous faire vivre ce match au mieux possible, bien évidemment, avec une petite nouveauté ce soir. Vous allez avoir apparaître des petites photos instantanées de ce match au fur et à mesure de la rencontre pour pouvoir profiter pleinement du mode double écran. Premier ballon pour Barcola sur le côté droit avec le choix fort, intervention de Thiago Mendes au milieu de terrain et on voit toujours l'impact physique au devant de Veretout. Ouais, mais on voit aussi Thiago Mendes qui avait le ballon et Veretout qui l'a suivi jusqu'au bout. Donc ça prouve vraiment que ça va être du tête-à-tête. Hein. C'est ce qui était prévu, c'est ce qu'on avait en tête. La récupération lyonnaise sur le côté gauche. Ah, Cherki. C'est un coup. J'espère pour les Lyonnais. Ouais, moi aussi, je crois que c'est un coup sur tout à l'heure. Il l'a pris derrière la cuisse gauche. Il s'est tout de suite mis au sol. Lolo Blanc qui est en discussion avec Gaël Angoula, le quatrième arbitre de ce match. Lolo Blanc qui dit à Gaël, il l'a tiré par le maillot. Il a mis une bonne béquille avec un coup de genou. Vraisemblablement, selon Lolo Blanc, ce serait volontaire. Bon, je peux vous dire que Gaël Angoula, il sait de quoi il parle quand il parle de ça. C'est Bellardi encore. Hein. C'est Bellardi. Tout de suite, ouais. Ouais, c'est... Tout de suite, hein. Enfin bon, voilà. Bellardi, il a une grosse carte à jouer, hein, les amis, ce soir, parce que Chancel est sur le banc. Choix fort d'Igor Tudor, il va falloir qu'il relève le choix porté de son coach. Attends, je te coupe. C'est de l'individuel sur Cherki. Regarde où il est, Bellardi. Bien joué, Bellardi qui le suit à la trace. Il bien joué. Suit. Bien joué, Jus. Ah oui, d'accord, c'est vraiment... C'est ce que nous a dit Ludo, hein. Qu'ils allaient être un contre un à Marseille, c'est un contre un partout. Donc là, qui le suivent, je ne suis pas totalement surpris parce que c'est lui le joueur clé offensivement qui peut faire des différences individuellement. Ah, c'est sûr. Problème cuisse droite du côté de Gigot, les amis. J'ai vu Samuel Gigot se toucher à deux reprises en haut de la cuisse droite. Ah oui. Je crois... Il y a un petit pépin. Ah oui, oulala. Il y a un petit pépin. Attention à Sam Gigot, le buteur du match aller. On vous le rappelle, 1-0 pour l'Olympique de Marseille au match aller. Attention à Sam Gigot. Aïe. Ça sent pas bon. Aïe. Ça s'arrête comme ça, c'est pas bon. Monsieur Jérôme Brizard, l'arbitre de ce match, est allé voir le joueur de l'Olympique de Marseille. Chancel. Et Chancel qui est parti logiquement à l'échauffement à l'appel d'Igor Tudor. Il va aller accélérer tout ça, Chancel. Bon, il n'est pas content. Alors toujours avec son... Chancel, il n'est pas content. Sa nonchalance habituelle. Il n'est pas content quand même parce que... Il hésite à y aller. Il se dit, est-ce qu'il va se relever? Est-ce que je fais le déplacement, Chancel? Ça peut ne pas plaire à Tudor. Hein. Voilà. Ouais, alors, c'est pas content. C'est ce qui me semblait. Il n'est pas content, là. Et là, Chancel, il est dans une sorte un peu de défi, là. Parce qu'il a fait comprendre à Igor... Il était en train de mettre le chasuble qui était là. Calme-toi, Igor. Chancel a échangé avec ses coéquipiers sur le banc des remplaçants. Il y a un petit défi là. Ouais, on a la réponse à la question qu'on se posait. Est-ce que c'était physique? Est-ce que c'était. Il y avait un problème ou quoi? Ben non, c'est purement un vrai choix tactique. Alors. Ouais. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que la question a été posée à Chancel Mbemba, qui était en conférence de presse avant-hier. On lui a demandé s'il avait échangé avec Igor Tudor au sujet de ces deux non-titularisations et ces deux mises sur le banc. Alors, on a Chancel Mbemba qui a dit que non, il n'en avait pas parlé, mais que lui, il était à disposition, qu'il avait sa motivation et que finalement, il acceptait le sort, même si lui, ce qu'il aime, c'est être titulaire. Après, la question a été posée à Igor Tudor. Donc, on a demandé à Igor Tudor si c'était le fait du retour de sélection qui avait pu épuiser Chancel Mbemba. Et bien Igor Tudor a fait du Igor Tudor dans la réponse, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas évoqué le cas Mbemba sur le banc. Il a parlé de sa motivation qui était un atout pour l'équipe. Tiens,
à suivre. D'accord. Ouais, ouais, moi, ça me surplexe quand même. Ouais, hein. Moi aussi. Ouais, en attendant, Gaël Angoulin vient de faire entrer Samuel Gigot sur la pelouse. On est revenu à 11 contre 11. Cacré au milieu de terrain avec Mendes. Décalage peut-être sur le côté gauche là-bas pour aller chercher Taliafico. Voilà trouvé sur le petit Argentin. Cacré de nouveau qui va toucher beaucoup de ballons. Restez avec nous à la mi-temps. Maxence Cacré, c'est l'entretien Free Ligue 1 de cette semaine. C'était mercredi du côté du Groupama Stadium. On va revenir avec Maxence Cacré sur sa jeunesse. Lui, le 100% lyonnais, né à Vénissieux en 2000. Il s'est exprimé sur sa jeune carrière, ses choix et son année et ses premiers temps du côté de l'OL. Ça passera à la mi-temps, c'est d'ores et déjà disponible, vous le savez, sur tous les réseaux sociaux Free Ligue 1 depuis maintenant près de 48 heures. Né en 2000. Oui, ça fait mal. Ah ben ouais. Ça fait mal. Ah ouais, ça fait mal. Je repense à la séquence Mbemba Kunder, elle est quand même elle magique. Est culte, hein. Elle est culte. Parce pour que, moi, elle veut dire beaucoup. Hein. Elle veut dire énormément. Ah, et ouais. Oui, il y a eu un vrai défi des deux là. C'est un vrai défi. Et Chancel, il a pas baissé pavillon, au contraire. Hein. Non, il a tenu tête. Carinette, il a tenu tête. Après, faut faire attention quand même, parce que va falloir faire attention. Voilà. En faveur des Lyonnais, Diomandé sur le côté droit. On est allé chercher Cherki, qui va beaucoup mieux. Il est sur tous les appuis. Cherki, c'était vraiment un coup, effectivement, venu par derrière avec Balerdi. Et les Lyonnais peuvent avoir un problème, parce que comme nous l'avait dit, que ce soit Laurent Blanc ou Ludo Juli, ils ont pas trop, la Cazette n'aime pas trop partir en profondeur, et Cherki non plus. Peut-être qu'il va falloir qu'ils arrivent à étirer ce bloc marseillais, et il va falloir que la Cazette se force à courir un petit peu dans le dos de cette défense. Ouais. La Cazette et Cherki. Cherki aussi, va falloir qu'il prenne un peu la profondeur et on sait que c'est pas deux joueurs qui raffolent de ça. Ah, premier gros contact. Il y a pas mal d'intimidation là depuis le début, ça veut marquer son territoire. Ouais, c'est clair. Là aussi, Cherki aussi, il faut qu'il change un peu de. Il faut qu'il ait de la polyvalence parce qu'il demande beaucoup le ballon dans les pieds. Il est beaucoup arrêté dans ses premiers contrôles et dans ses prises de balles. On aimerait aussi qu'il ait cette faculté à manger la profondeur, à manger le terrain pour écarter, pour élargir un peu tout ce bloc olympien là. Parce qu'ils sont là, ils sont très très hauts. Hein. Enfin, les Olympiens. L'OM. C'est compliqué ce soir. Vous pouvez commencer à échanger sur le chat, les amis. Je vais brancher tout ça. Pour avoir vos avis sur ce match, on est en mode double écran, vous le savez, et en mode clipping, si vous le souhaitez, sur l'app Free Ligue 1. Je vous rappelle la gratuité de votre super support. Quel que soit votre opérateur, vous téléchargez l'application Free Ligue 1 pour avoir tous les buts gratuits. Tous les buts gratuits en quasi direct, plus le résumé de la rencontre 15 minutes après le coup de sifflet final. Vous pouvez d'ores et déjà revoir tous les buts de cette 32e journée, à commencer par ceux du Paris Saint-Germain et tous ceux qui se sont déroulés depuis. Et puis, si vous choisissez l'option clipping, ce match, vous pouvez le voir en 30 minutes en forme clipping. Dès qu'il se passe quelque chose de chaud sur la pelouse, un clip vous est monté quelques secondes après le live, une alerte sur votre téléphone, vous profitez de cette image. C'est pour vraiment moins de 4 €. Si vous n'êtes pas un abonné Free, si vous êtes déjà un abonné Free, ça vous l'avez, c'est gratuit, c'est dans le pack, c'est votre option premium. Et on n'a pas noté un côté Marseille, c'est Cabouret qui est à gauche et Klos qui reste à droite. Ah, bien joué, bien joué, bien joué les garçons. C'est bien ça, en fait les deux sont polyvalents. Ouais. Et on rappelle que Nuno Tavares n'était pas dans le groupe parce qu'il avait des petits soucis. Igor Tudor avait dit qu'il avait pris un coup. Cherki qui a tenté le passement de jambe, qui a passé l'entonnoir marseillais. Décalage avec Mendes, appui sur la Cazette. Cherki de nouveau le centre qui est venu de la droite du petit Barcola. Ça ne passera pas. Mais c'est en faveur des Lyonnais qui harangue le public du Groupama Stadium. Ouais, c'est bien joué de la part de Cherki dans la percussion. C'est lui qui trouve le décalage. C'est vrai que Thiago Mendes, il aurait pu frapper. Hein. Il est à 25 mètres. Il a choisi de décaler, mais c'est pas mal ce que font les Lyonnais là, en passant par les côtés aussi. Récupération Cacré. Le centre s'est contré au premier poteau, repoussé par Samuel Gigot qui rameute les troupes, qui dit à tout le monde de sortir. Sur le plan défensif, récupération de Léon. Bon, Sanchez, il n'a pas joué avec Diomandé. Donc c'était compliqué Diomandé de le voir. Diomandé lui met 3 têtes à Alexis Sanchez. Ouais. Il était solide. Hein, mais c'est bien ce que fait Marseille aussi. Hein, mais c'est bien ce que fait Lyon dans la possession.
Cacré qui m'a l'air d'être en jambes. Oui, exactement. Ouais. On s'est dit avant le match, en arrivant sur la pelouse du Groupama, c'est un match pour lui aussi, ça. Ouais. C'est un match pour lui, mais c'est un match à qui tout double. Quelle version de Maxence Cacré allions-nous avoir ? Celle de cette saison un peu en dents de scie ? Ou celle de sa progression, notamment de la saison passée ? On avait vu un jeune homme capable de prendre ce milieu de terrain et de s'inscrire dans des hommes forts de la gestion du jeu. C'est peut-être le cas ce soir face à l'Olympique de Marseille. Ouais, ouais, bah c'est... Il y a mal. Hein. Que ce soit lui ou Cherki, c'est des matchs où ils doivent confirmer tout le bien qu'on pense d'eux. Donc là, que ce soit Cherki et Cacré, c'est pas mal ce qu'ils font quand même. Le chat est ouvert, ça y est, une déferlante pour savoir qui va s'imposer ce soir entre Marseille et Lyon. Vous êtes à égalité, hein, les amigos. Il y a ça vient de partout, du Lyon, du Marseille, du Lyon, du Marseille, ça vient de partout. Marseille peut-être en récupération, voilà qui est trouvé sur le côté gauche. En intervalle, ça va être un corner pour Marseille ou une position d'hors-jeu ? Hors-jeu de Caboret, ouais. Hors-jeu de Caboret à l'origine. Ouais, mais c'est à l'image de ce que font les Marseillais depuis le début de l'année. Hein. Kolasinac, là, dépassement de fonction, c'est lui qui va quasiment déborder comme un milieu de terrain. Et là, il va falloir que les Lyonnais, les attaquants lyonnais, en tout cas les joueurs offensifs, soient capables de les suivre. Sinon, ça a créé un surnom pour les Marseillais. C'est très sympa comme ça. Je vous montre ça au passage. Regardez la tache blanche dans le Groupama là-bas, tout au fond. Ouais. C'est toute l'équipe de Paul Bocuse. Ouais. C'est toute l'équipe du resto avec de Paul Bocuse qui a été fermée cette partie de journée pour permettre justement aux équipes de venir au Groupama Stadium honorer le patron Paul Bocuse. Ils sont là-bas tout au fond avec les tocs. C'est très sympa de les voir comme ça dans le Groupama Stadium. Ouais, Taliafico, Cacré, le relais n'est pas trouvé. Coupé par Marseille, mais la touche est lyonnaise. C'est un beau match, ça démarre très très bien. Des deux côtés, ça se joue. Posez-nous vos questions, s'il vous plaît, sur le chat. Je vous servirai de relais pour les poser à Jus et à Rio. N'hésitez pas sur les plans tactiques, sur des focus joueurs. Choc. Le petit choc entre Balerdi et Cherki. Balerdi fait du Balerdi hein, depuis le début de la saison. C'est joué rapidement, ballon sur le côté droit, on n'a même pas attendu que Cherki se relève, on a voulu lancer avec Diomandé, avec Mendes, ballon au deuxième vers la Cazette, ballon en retrait de la Cazette, on se heurte au mur marseillais, oui. Position de hors-jeu du capitaine lyonnais. C'était un bon ballon quand même. Ouais, et c'est surprenant Thiago Mendes qui a une vraie frappe de balle, là il cherche que la passe, alors il est peut-être pas forcément dans le bon angle mais il a l'espace devant lui, je pense qu'il peut aller fixer et même tenter sa chance hein, pour les faire sortir. Ça fait deux fois qu'il est au 20 mètres et c'est vrai qu'il a une très bonne frappe, on l'avait vu à l'époque quand il jouait à Lille, qu'il avait marqué beaucoup de buts comme ça et c'est vrai que ça fait deux fois qu'il a l'opportunité. Ouais. Qu'il a l'opportunité et qu'il cherche la passe. Mathy Bolt. Est-ce que vous êtes d'accord quand Laurent Blanc déclare que l'Olympique de Marseille est l'une des meilleures équipes du championnat selon lui et que Tudor pratique un football total ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces termes-là ? Sur la deuxième partie, oui. Sur la première, pour moi, je ne sais pas. Non, la première partie, on a tous eu. On était tous d'accord pour dire qu'il y avait un gros. On va dire qu'il se cherchait. Voilà, un gros trou. Le temps d'installer sa méthode, on va dire. Le temps d'installer sa méthode. attention à ce ballon. Avec Cherki qui est dans la surface de réparation, ballon en retrait, ça sera contré, ça sera un corner ou pas, les garçons ? Ouais, corner, ouais. Ça sera un corner. Cherki qui arrange. Et Ryan Cherki qui arrange. Bras droit, bras gauche. Qui dit au virage là-bas, il faut y aller. On est à gauche en regardant la cage de Lopez, le gardien espagnol de l'Olympique de Marseille. Ça sera tiré par Maxence Cacré, soit en deux temps avec Cherki, soit direct le pied droit de Cherki, de Cacré. À Cherki, c'est le poison hein, pour le moment. Ouais. Ils ont du mal à le contrôler. Ah, le staff marseillais qui sort du banc. C'est pour positionner Caboret là. Tu ne pas content. Le ballon de Cacré est parti, ça sera repoussé de la tête par l'Olympique de Marseille. Le deuxième au rebond, c'est Taliafico qui est passé. Attention à Caboret qui est tombé à l'avantage des Lyonnais. Ouh, bien dans la surface de réparation avec Cacré, avec Taliafico qui avait récupéré derrière lui avec Barcola. La frappe peut-être enchaînée par Diomandé qui va décaler. Aïe ! Mésentente avec Taliafico, protection de Verretou. Ouais, mais le pressing, il est bon, il est bon tout de suite à la perte. Là, ils sont allés à deux, ils récupèrent très haut. Tolisso qui avait récupéré ce ballon pour le passer derrière lui avec Diomandé. Ça repartira derrière. Comment vous trouvez Cacré et Tolisso, les garçons, qui étaient pour nous l'une des clés pour l'instant de cet avant-match ? Pour le moment, très bien. Pour le moment, que ce soit Tolisso ou Cacré, Cacré qui est un peu plus entreprenant. Normal, libéré, comme on l'avait dit. Libéré, ouais. Puisqu'il y a les deux. Donc, c'est normal. Mais même Tolisso, il est bien. Voilà, on le voit là dans le pressing. C'est lui qui récupère, c'est lui qui.
qui met l'intensité qu'il faut, qui montre l'exemple. Chancel Mbemba part à l'échauffement, les garçons. Ouais, ouais, je pense que... Il faut surveiller Samuel Gigot. Samuel Gigot, ouais. Il faut surveiller l'état physique de Samuel. Là, le geste, hein, on n'a pas parlé, mais le geste de Barcola sur Kabouré, là, la petite. Ouais, un petit comme pied, ça, là. Ça, ça énerve. Clairement, la position de Cacré, on l'a dit, hein, c'est clair. Libéré. Ah ouais. Derrière Mendes et Tolisso, on est libéré, je peux aller un peu partout. Ouais, il va chasser, c'est clair. Il va chasser, ouais, il peut mettre la pression sur Rongier et Veretout. On le voit là, tout de suite, il est très proche de Rongier. Et c'est la clé pour Lyon. C'est la clé pour Lyon de bloquer ces deux joueurs. Ouais, bah, ils Cacré tout de suite sur Rongier. Paf, je vais le chercher, je vais le bloquer pour empêcher Veretout d'aller lui passer cette transmission au milieu de terrain. Ballon jusqu'à Lopez, le gardien marseillais. Ah, qui a 30 mètres de sécage. Football total. Voilà. Ouais. On y va. Loin devant pour aller chercher les positions de Hunder. Alexis Sanchez qui est rôde près de la surface de réparation. Il n'a pas touché pas un ballon, Alexis Sanchez. Ouais. Attention. Ballon relais pour... Anthony Lopez, loin devant, rond central, la bataille avec Samuel Gigot à la tête avec Alexandre Lacazette. L'avantage est laissé, récupération Balerdi derrière. Ah, je ne suis pas sûr que c'est long ballon la seule solution parce que non, les trois derrière à Marseille, c'est quand même solide et face à Lacazette Cherki, niveau aérien, ça va être compliqué. Un Gaël Angoula, il doit avoir du boulot là. Ça y est les garçons, Monster 26 est arrivé. Ah, je ne mens pas. Copain. Il est là. Il est là. Salut Monster. Salut Monster, tu me mettras une petite note sur 10, s'il te plaît, sur la tenue d'Aurore. S'il te plaît, Monster, donne-moi une petite note. Monster, mes zéros, ça sera bien. C'est de la broderie, hein. On n'est pas en train de. C'est pas attention. Ah ouais, non, là, merci Taïk de nous mettre la double image. Pour bien. Oh non, je suis contente. Ah, coucou, hein. La petite écolière. La petite tenue, là. Igor Tudor, il est en train de se chauffer. Ouais, parce que Lopez, il s'est raté dans sa relance. Ça l'énerve parce qu'ils n'arrivent pas à ressortir comme il aimerait. Mais c'est parce que Lyon, tactiquement, c'est solide. Oula, c'est bizarre ce que fait Anto Lopez, là. Ouais, attention. Ouais. C'est bizarre parce qu'il est venu rechercher l'axe sur Tolisso qui était ultra pressé alors qu'il y avait un axe sur la droite avec Diomandé qui était complètement libre. Il pouvait ouvrir le jeu. Ouais. Il est allé choisir l'option qui me semblait la plus difficile. Ouais, il choisit Tolisso et Tolisso qui rate son contrôle, malheureusement pour les Lyonnais, mais c'est aussi une option pour eux. C'est Tolisso, ouais. Le joueur recherché en numéro 1, première option. Pouf. Diomandé qui est venu mettre un vrai tampon sur la position du petit Caboret. Là, c'est rentré très très fort. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait faute. Je suis d'accord. Mais. Je suis pas sûr qu'il y ait faute là. J'ai l'impression qu'il met un peu trop d'engagement. Il met de l'engagement. Joue le ballon, mais... Après, il y a une différence de gabarit qui peut faire aussi que c'est impressionnant. Il y a Monster 26, Matty Bolt. La note est tombée. Ah oui. La note est tombée, ah Matty oui. Bolt. La note est tombée. Matty Bolt, tu sais quoi? La petite écolière passe en classe supérieure. T'as pris 20 sur 20. Non mais Monster, tu peux pas me mettre 20 sur 20. C'est pas possible. Si. Ah oui. Mais non. Mais si en plus tu le vois le chat, arrête un peu. Je le vois, mais justement, il faut pas qu'il me mette 20 sur 20 parce que c'est forcément, c'est pas neutre. Je peux pas avoir 20 sur 20. L'amour, c'est neutre, Matty Bolt. L'amour. Oui, mais enfin, à un moment, il faut tomber dans les réalités tangibles. Je n'ai pas un physique de quelqu'un, une tenue de quelqu'un qui a 20 sur 20. C'est pas possible. Là là. Mais non, mais moi, je suis honnête avec moi-même, quoi. C'est dur. Par contre, Monster, si tu passes à Évreux, je t'offre un coup à boire à la cheminée. Oh là là là. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend? Hop là, qu'est-ce en direct. Hop là, en direct, une petite date. Et je vous invite les garçons aussi, hein. Avec Diomandé, c'est récupéré peut-être par les Marseillais. Il y a une bonne bataille, les garçons, dans ce match bien, pour l'instant. Récupération Cherki, qui était obligé de baisser un peu, de descendre un peu pour toucher ses ballons. Ouais. Avec Tolisso, Mendes. Ouais, mais Cherki aurait dû jouer un shoot plus vite. Il a ralenti un peu le jeu, Lacazette lui demandait le ballon. Tolisso, Tagliafico. Bon, Thiago Mendes et Rongier, c'est pareil, hein. C'est du tête à tête. Cacré, Veretout, tête à tête. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça quand même.
C'est un peu des matchs à l'ancienne. Ouais, exactement. C'est bien, c'est pas mal ouais, de voir ça. Ouais, c'est Laurent Blanc qui répond un peu à, c'est vrai. À ce que propose Laurent Tudor. Et, c'est vrai. Et ça montre que c'est encore les Lyonnais qui s'adaptent. Ouais, c'est vrai. Passer, donc c'est, pour moi, c'est déjà une première bataille gagnée de Tudor. Mais maintenant faut. Je trouve que maintenant, dans cette, en tout cas depuis ces 20 premières minutes, je trouve que les Lyonnais mieux rentrent dans le match que les Marseillais. Je fais une parenthèse, je parlais de Beau Bébé tout à l'heure, je regarde Gaël Angoula là, mon pote, je peux te dire que... Bon, là, il était un peu plus là, je comprends fit, mieux le choix de Bastia, vous prendre tous les deux. Hein. Ouais, mais il était un peu plus fit à l'époque. Là, il est costaud, là. Kolasinac, le relais est trouvé avec Jordan Veretout, ouais, qui passe au milieu de terrain avec Hunder qui était redescendu. Passage à droite sur Balerdi, qui est monté d'un cran, qui sort à Taliafico. Hunder sur le côté droit avec Jonathan Klaus et ses souliers blancs. Le numéro 7 marseillais qui est contré, ça va revenir en sa faveur. Le centre maintenant qui est sorti de Hunder, ça va revenir directement pour la position d'Anthony Lopez. Quand Marseille est sorti, et bien sorti, Tudor a regardé son staff du style, ben voilà, c'est pas compliqué quand tu le fais bien. Mais ce qu'il leur demande en fait depuis le début, c'est de, et ce qu'il a dit à Paul Lopez sur la poste, c'est de, d'aller à gauche, d'aller à droite et en passant par les milieux de terrain ou la défense. C'est ce que font pas les Marseillais depuis le début, ils l'ont fait une fois, ils ont trouvé le décalage et ils ont trouvé la solution pour aller au moins centrer. Merci à tous vos messages là qui déferlent sur les chats, que ce soit de Facebook et YouTube. Ces chats qui nous encouragent à vous porter comme ça sur un sens populaire et de passion dans ces matchs avec Free League. On est là pour ça et on est là pour vous les amis. En mode échange via notamment ce chat en live. N'hésitez pas à poser vos questions en direct, que ce soit à Jus, à Rio, je suis votre relais, vous le savez. Sur le plan tactique également de ce match, le coup franc est en faveur de Lyon. Il est pour Anthony Lopez sur le côté gauche, alors que Chancel Mbemba poursuit son échauffement en surveillant l'état physique de Samuel Gigot. Pour l'instant, Gigot, il est plus que présent hein, sur la casette. Il ne le lâche pas. Laurent Blanc voulait la possession. Et bien pour le moment, son équipe là, puisque ça fait du 65-35. Bien joué, Mathy Bolt. Ah oui, c'est une sacrée différence. Caboret qui va récupérer côté marseillais, qui était passé. Il est athlétique, Caboret. Il est athlétique. Ouais, mais en face, il a dû répondre. Hein. Il a dû demander. Ça rentre. Hein. Petit cousin de Charles Caboret. Hein. Ouais. Petit cousin de Charles Caboret, l'ancien de l'OM, l'ancien aujourd'hui du côté de Niort. Qui vit des heures difficiles d'ailleurs du côté niortais, dans les derniers rangs du classement de cette Ligue 2 difficile pour les chamois niortais. Pour le grand cousin. Dissa Caboret. D'ailleurs, vous le gardez ou pas, les garçons? Attendez, parce que là, c'est passé avec Barcola qui est passé le relais, peut-être. Ah, dommage. Sur Cacré, qui voulait aller chercher la casette. Est-ce que vous gardez le petit Caboret à la fin de la saison? En tout cas, vous savez, il y a une option d'achat éventuelle qui est assez élevée, qui est à 20 millions d'euros, prêtée par Manchester City. Manchester City, qu'il avait prêté la saison passée du côté de Troyes, qui avait fait plutôt une bonne saison. Il a tardé pour l'instant à trouver une énergie du côté de l'Olympique de Marseille. 20 millions d'euros, c'est beaucoup. J'essaie de renégocier quand même. Ouais, j'essaie de revoir à la baisse. J'essaie de revoir à la baisse ou voire même un deuxième prêt, ce qui est possible. Non, en tout cas, vous essayez de le garder. Ah oui, d'accord. Oui, il est performant, franchement. Okay. Et encore plus si l'OM fait la Champions League, parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait pas mal de joueurs pour être dans la rotation. Ah, s'ils font la Champions League, il va falloir étoffer, ça c'est clair. Pour le moment, ils sont pas trop mal. Hein. Sur le banc, il y a quand même du beau monde. Il manque Harit. Ils sont allés chercher Unai. C'est pas mal quand même. Ah, là, il y a une petite faute quand même, parce que Gigot ne joue pas le ballon. Ballon récupéré par Lyon avec Cherki, première impulsion. Taliafico est monté côté gauche, ballon un peu long, il attaque les poils et le récupérer. C'est là, ça sera repris par les Marseillais, ça va partir à droite, l'affaire sur Alexis Sanchez qui a voulu décaler sur Hunder au grand dam d'Igor Tudor qui aurait aimé un ballon un peu plus précis. Ça ne passera pas, il s'en excuse le Chilien auprès de ses coéquipiers. Ouais, il donne plus performance ce type de ballon parce que Marseille, oula. Ouf. Samuel Gigot a fait le ménage sur Alexandre Lacazette qui s'est relevé parce que le ballon est récupéré par Cherki qui a tenté le grand pont sur Balerdi. Ça ne passera pas. On se rend coup pour coup. Ouais, mais c'est là où Cherki doit progresser. Il rate sa passe juste avant sur une passe facile, sur un dédoublement de Taliafico. Et là, juste après, il a le ballon où il peut y aller directement. Et attention, il veut...
Il veut manger le ballon. Attention à Veretout qui s'est porté sur le côté gauche, qui a trouvé un double 1-2 sur Alexis Sanchez qui va hériter de la touche. Pas du tout. À l'avantage des Marseillais, à hauteur de la surface de réparation sur le côté gauche. On repasse vers l'intérieur. Décalage jusqu'au bout pour aller chercher là-bas Valentin Rongier. Est-ce qu'on va décaler encore? Ouais, Jonathan Klaus. Ballon par-dessus vers Sanchez. Il n'y a pas cru Sanchez, mais alors c'était un bon ballon ça. Ça sera pour Anthony Lopez. Ouais, Rongier là dans le dos de la défense. Ah ouais ouais. Il a eu un peu peur je pense, mais c'était. Bon, ça fait déjà 25 minutes. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Ça, tellement que ça va à 2000. Pour l'instant, c'est beaucoup dans l'engagement, dans le combat. Oui, ça manque un peu de situation, de jeu vers l'avant. Lyon l'a eu pendant 5 minutes à un moment donné. Là, c'est vrai que c'est un peu plus Tolisso qui revient c'est chercher. C'est exactement ce qu'on s'était dit dans l'avant-match. Ouais. C'est que la différence en ce moment qui fait que Marseille est en train de réussir sa saison, c'est de l'intensité, c'est de l'agressivité, c'est du défi athlétique. C'est ça Marseille. Et là on le voit avec Alexis Sanchez qui est passé. Le ballon de Klaus. Il est passé encore ballon en retrait. Anthony Lopez a délaissé sa cage. Ça va revenir encore. La frappe. Ça s'envole. L'occasion pour l'Olympique de Marseille, le 6 mètres lyonnais. Oh là 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 là, quelle grosse occasion. Et là il y a Klaus. Klaus, j'ai cru qu'il allait jouer penalty. J'ai cru qu'il allait jouer penalty parce qu'il touche le ballon avant Lopez. Mais après, c'est surtout derrière la mésentente des Lyonnais. C'est le grand n'importe quoi. Il commence à paniquer. La poitrine à Lopez qui est à l'opposé. Il faut regarder. Quand tu mets une remise comme ça, il faut faire attention à ce que le gardien ne soit pas trop loin. Il y a Veretout et Rongier qui sont allés discuter avec Klaus sur son mouvement. Très certainement pour lui. C'était le jeu. Mais le souci avec la VAR aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas pénalty et s'il ne te touche pas, tu peux te prendre un carton. Donc ça, c'est un carton bête et quand même, il joue quand même bien le coup là à la fin. En tout cas, c'est une grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. C'est les garçons, c'est la plus grosse occasion. Ça fait 27 minutes, la plus grosse occasion de ce match. Il est en faveur de l'OM. C'est là qu'on vous propose le clipping, les amis. Allez voir sur l'app Free Ligue 1, c'est là que ça se passe, ok? Opération clipping, si vous êtes déjà un abonné Free Ligue 1, vous l'avez en mode clip d'ici à quelques petites secondes. Si vous n'êtes pas un abonné Free, vous voulez prendre cette option, c'est moins de 4 euros pour voir en tout et pour tout 30 minutes de la rencontre. Thiago Mendes qui a pris une belle semelle de Cabouré là. Je relance. Tudor, c'est quand même un sacré spectacle. À le regarder. Il fait que bouger. Il les bras, il parle. Je pense qu'il doit rendre fou quand t'es joueur. Lens qui est passé devant. Ouais. Lens qui est passé deuxième. Marseille qui est troisième. La bataille Ligue des Champions. Heureusement pour eux. Oh, attention, ce ballon en retrait. Lopez qui était bien sorti vigilant sur ce ballon en retrait de l'escouade défensive de l'Olympique de Marseille. Monaco perdu, ce qui fait que on a un adversaire, non pas un point en moins, mais fait que. Qui ralentit un peu. On est plutôt dans un duel entre Lens et Marseille. Mais pour autant, ce duel, il va aller jusqu'au bout du bout, d'après moi. Ouais, je pense aussi. Ouais. Parce que en cas de contre-performance, ils sont qu'à 2 points. Et sachant qu'ils vont se jouer. Il n'y a aucun des deux qui compte lâcher en plus, donc il y a hors-jeu. Ouais. Ils vont aller au bout du bout, et c'est bien, c'est très bien. C'est fou de voir Lens là quand même, parce que c'est. Ils reviennent de très loin, mais c'est tellement mérité. C'est dans ces matchs-là, tu as raison, Alexis Sanchez doit montrer ce qu'il est. On va y revenir. L'occasion pour Lyon. Oh non ! Là voilà la réponse à l'Olympique de Marseille. Gros centre de Taliafico sur le côté gauche. Très bon vers Alex Lacazette qui s'est jeté plat du pied droit. Ça s'est envolé au-dessus. Très bon ballon. Déjà, bon dédoublement. Bon ballon. Et Alexandre Lacazette, je pense qu'il doit la sentir avant. Qu'il doit la sentir avant et s'exporter un peu plus vers le second poteau avant. Parce que là, il est parti un peu tard et il a dû la prendre en taclant et c'est compliqué. Mais l'action est belle. Il s'est fait mal en plus. Mais l'action est belle. Et c'est là où on voit aussi un petit peu les lacunes de Klaus défensivement parce qu'il prend le ballon dans son dos alors que son adversaire il passe devant lui. Il doit resserrer à l'intérieur. Et après, ça fait quasiment occasion de but. Et là, Lacazette, il doit la rabattre vers le sol. Mais elle est un peu longue avec le rebond.
Marseille, c'est... on disait qu'il y avait la plus grosse occasion à côté marseillaise, ben, elle est côté lyonnaise. La réponse, elle est là. Très bon centre de Taliafico, ouais. le champion du monde argentin, qui est allé trouver Alex Lacazette, le capitaine, qui doit s'en vouloir. Parce que ce ballon, s'il avait un peu plus senti, il était seul. Hein. Ouais. Le plat du pied. Ah ouais, ouais, il ne doit pas rater ça. Ça s'envole au-dessus. La réponse est lyonnaise là. Ça, c'est bien joué. La réponse peut-être également athlétique de l'Olympique lyonnais. Ballon vers Cherki qui recule un poil trop. Diomandé en relais. Cherki qui va se remettre dans le sens du but. Le numéro 18 de l'OL qui est parti. Devant lui, Cacré, qu'on voit un petit peu moins, Maxence Cacré. Ouais, Cherki aussi. Cherki aussi qui a un peu disparu. Ouf, Sanchez. Alexis Sanchez. Ouh, Alexis Sanchez. Elle y est, ouais. Ouais, là, il y a faute. Là, il y aura faute de Diomandé. Carton jaune pour Diomandé. J'allais vous dire avant l'occasion de Lacazette que c'est dans ces matchs-là qu'Alexis Sanchez doit montrer ce niveau. Ligue des Champions. Tout à l'heure, le premier ballon en décalage sur Under. Ensuite, le hors-jeu. Il doit s'aligner sur ces ballons. Il doit être à ce niveau-là. Exactement, il doit être à ce niveau-là. À l'image de l'occasion, c'est lui qui fixe et qui décale Klos où il a failli avoir le penalty. Là, à l'image de cette action, il est venu pour ça. Face au PSG, il n'a pas montré son meilleur visage, il n'a pas pu être performant. Là, c'est face à Lyon. Encore un autre gros choc. Et il doit être capable d'être déterminant dans ce match. Ouais. C'est... Mais là, il a fait quelque chose quand même. Il a fait sur. 15 mètres, il a mis 3 joueurs, 4 joueurs lyonnais dans le vent et on a pu voir le premier carton du match sur Diomandé qui est revenu de son côté droit mais qui est revenu un peu trop fort. Ouais, attention, la Cazette qui a mal. Pouffra suivre, attention. Alors la Cazette qui est en souffrance. Malinowski, pied gauche, qui va jouer rapidement sur son côté avec Jordan Veretout. Malinowski qui va allonger maintenant sur le côté avec Klos qui est passé sur le côté gauche maintenant, qui va défier. Ballon de Klos, la tête de la défense le laisse pour repousser, ça va revenir vers un retour de temps, la frappe, l'arrêt miraculeux d'Anthony Lopez, ça va revenir encore, on est dans les 6 mètres. Oh, ça revient en faveur de l'Olympique de Marseille, ça va être sifflé coup franc défensif pour l'OL. Mais quel arrêt d'Anthony Lopez, les garçons. Ouais, il fait un super barré hein, sur la double frappe de... Il me semble que c'est pas Rongier, c'est Veretout. Il me semble, hein, sur la double frappe. Il se couche assez rapidement. Et après, ils sont arrivés à 4-5 autour de lui pour le suivre. C'était. Bon, c'est un peu chaud là sur le but lyonnais. Hein. Voilà le nouveau service qu'on vous met. Regardez, vous le voyez en mode double écran. Avec Frilliga et les équipes de Wall, on vous fait vivre comme ça un peu plus ce mode second écran où que vous soyez pour agir ensemble. Les images sont toutes fraîches. Elles viennent d'arriver, elles sont quasiment live ici sur cette pelouse. Quelle occasion, double frappe de Jordan Veretout d'Orange Chaussé. Et quel arrêt d'Anthony Lopez d'Orange Chaussé également pour empêcher Marseille d'ouvrir la marque. Ouais, Kolasinac qui est quand même très très chaud. Hein. À chaque faute, à chaque coup de sifflet qui est très nerveux. Au passage, Alex Lacazette qui est venu se faire un coup de bombe sur la hanche. Ouais. Où il avait pris l'impact et le coup. Je ne sais pas si c'est un coup ou si c'est quand justement il a voulu la remettre, la rabattre. Je sais pas. Ouais, bien joué ça. Récupération, Maxence Cacré qui va se projeter. Personne devant lui. C'est un mauvais ballon ça pour Cherki. C'est pas un bon ballon. Il n'est pas dans les pieds et pas assez rapide. C'est là que Maxence Cacré doit progresser. C'est sur ces ballons-là. Ouais. Son idole, c'est Andrés Iniesta. Vous l'aurez compris, sur ces milieux de terrain, pour se retourner, projeter, aller chercher. Nous en parle à la mi-temps. C'est l'interview Free Ligue 1, déjà disponible sur les différentes plateformes, réseaux sociaux de Free. À la mi-temps tout à l'heure. Ah bah non, Gigot. Eh, Gigot. Gigot est au sol. Non, parce que Lacazette, il lui a mis un tout petit coup dans le dos. Gagner peut-être un peu de temps. Couper l'énergie de l'Olympique lyonnais. Ils ont encore permuté à Klos et Caboret. Exact. Mais c'est bien ça, parce que ça dérange aussi les joueurs lyonnais sur les côtés, parce qu'ils ont pas ils ont les mêmes caractéristiques, mais voilà, il y en a peut-être un qui part plus pied gauche, qui a la capacité de partir plus pied gauche, comme Caboret, alors que Klos va beaucoup rentrer. Moi j'ai plus l'impression qu'il a vu qu'il souffrait là-bas et il a mis son meilleur défenseur. Parce que depuis tout à l'heure, les Lyonnais ils attaquent quand même souvent à gauche, droite donc de la défense marseillaise. Et je pense que c'est ce qu'il a souvent fait quand il est inversé avec Nuno. Et Nuno. À chaque fois il disait parce que Nuno a les capacités pour défendre. Et je pense qu'à mon avis il a dû réadapter ça comme ça, vu la plus grosse occasion qu'ils ont subie. Après le ballon de Taliafico. Freiner Taliafico, ouais. Ouais, c'est bien vu aussi. Ouais. Ça se tient, ouais.
ça se tient, ça se tient. Barcola qui suit Jonathan Clauss. Hein. Ou l'un ou l'autre, on ne sait pas en fait qui suit qui, mais... Ça a permuté, est-ce que ça va être... Il y a Soir Rugby qui me demande là si Marseille a son parcage. Oui, on vous l'a dit les amigos. Ouais. Ça c'est bien, les Marseillais sont de retour. Ils sont 400 Marseillais présents ce soir du côté du Groupama Stadium. On vous le rappelle, les Lyonnais étaient 200 au match aller. C'est un retour, ça y est, des Marseillais ici à Lyon. Ce qui n'était plus le cas depuis 2017. 5 ans sans Marseillais dans l'Olympico ici à Lyon. Voilà de nouveau le retour à la fête, c'est bien. Mais c'est très bien. Ouais. C'est bien que la Ligue prenne enfin l'initiative de faire venir les supporters adverses, parce que c'était dommage depuis ces années-là. Il y a Eléa qui me seconde également pour dire, pour souligner effectivement la présence du parcage et message sur YouTube. Merci à vous tous, vous êtes très nombreux. Le chat est en train de vraiment défiler, j'ai même du mal à m'arrêter sur certains messages. Allez-y, posez vos questions, on est là pour vous. Quel est votre MVP pour l'instant de cette première période? 35 minutes de jeu, quel est votre meilleur joueur de cette première? Je vous lis, est-ce qu'il est marseillais ou est-ce qu'il est lyonnais? Rio, tu me dis quoi toi? Elle est pas simple, hein, parce qu'il y a de l'animation. J'ai pas de joueur qui se dégage vraiment. Oula. Anthony Lopez, je pense, parce que c'est ce que j'allais dire. Je l'ai vu deux fois décisif sur les deux actions marseillaises. Je vais peut-être mettre Anthony Lopez. Ouais, il y a Lopez qui est pas mal. Il y a Thiago Mendes qui est bien aussi. Attention, Lyonnais. Ouais, Sacré, y a non, qui a voulu donner à Cherki. Boum! Taliafico, qui est arrivé comme un TGV et qui a mis KO Caboré. Attention, il est au sol, les Lyonnais se précipitent sur lui parce que Caboré est littéralement KO. Ouais. Tous les Marseillais appellent le staff médical de l'Olympique de Marseille. Il faut aller vite. Ah c'est bon, il bouge les jambes. Les jambes bougent. Caboré qui a pris un gros KO. Kolasinac qui va vers l'arbitre, il devrait garder son énergie pour aller voir son pote. Ouais. Au lieu de ça, et de ne pas charger monsieur l'arbitre. Bah surtout qu'il n'y a rien du tout. Les deux jouent le ballon. Donc, je ne vois pas pourquoi il s'énerve. Il y a un changement. Et Léa qui nous dit Alexis Sanchez comme MVP pour l'instant. Mais Léa, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Non. Tu parlais d'Antonio Lopez, c'est son 450e match sous le maillot lyonnais. Mbemba qui rentre. Chancel Mbemba qui va revenir. 450e match pour Anto Lopez, le capitaine de l'Olympique Lyonnais. Lui qui avait été critiqué il y a plusieurs mois et qui a beaucoup travaillé sur lui-même. Grosse introspection pour faire aujourd'hui qu'il porte ce brassard et qu'il est bien le capitaine de ces Gaunes. Chancel Mbemba va rentrer du côté de l'OM, les garçons. Ah oui, c'est... Je pense qu'il est KO. Après, il faut... Voilà, le staff médical, je pense que quand il arrive un truc comme ça, il ne faut pas qu'il prenne le risque. Parce que voilà, ça peut mal tourner. Mais il a pris un drôle de... Tudor qui est en réflexion, du coup, les mains dans les poches, qui attend bien évidemment l'état physique de son joueur et qui va réfléchir à ce plan tactique maintenant. Mettre piston droit, je pense que Chancel Mbemba peut le faire. Il a des qualités pour pouvoir le faire. Hein. On le voit souvent déborder, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes repères. C'est pas les mêmes repères quand t'es dans l'axe où tu peux avoir une solution à droite que d'être avoir pas la ligne. Caboré qui va peut-être rester. Oula. Ouais, voilà, Tudor qui lui dit attends. Oula, moi je suis surpris qu'il le laisse tout seul comme ça. Regarde. Ouf. Alors, il va sortir de l'air de jeu, c'est obligatoire, le staff médical est entré. Gaël Angoula, le quatrième arbitre, qui appuie sur son toki pour faire état de la situation. Apparemment, c'est à le bras, monsieur Brizard. C'est le bras gauche, apparemment. Je sais pas. Je comprends pas trop là. Surveillons ça, les garçons. Le jeu a repris. Chancel ne se précipite pas du coup pour revêtir éventuellement ça la. Ça n'a pas lui plaire, hein, Chancel, ça. Ouais. Deux fois. Il va repartir avec le staff pour suivre la phase d'échauffement du côté de l'OM. Je pense qu'il fait bien parce qu'on ne sait jamais, entre Samuel Gigot et Issa Caboré, il faut faire attention du côté de l'OM. Il enlève son survêtement, le maillot floqué 99 est visible maintenant du côté de l'OM. Verretou
dans l'intervalle qui a trouvé une heure, les garçons. Ça peut passer pour Alexis Sanchez dans la surface de réparation. Pas de position en dehors, je vraisemblablement. Non, corner. Ah, il n'est pas un bon ballon, Under. Il n'est pas un bon ballon. Il doit se servir. Oui, voilà, exactement. Il doit servir son appel pour servir. Pour servir, il me semble que c'est Klose qui passe dans le dos. Il peut même frapper. Ouais. Il peut même frapper parce qu'il est sur son pied gauche. Frappe croisée. Chancel, il rigole. Corner à suivre, ça va être pour le pied gauche de Hunder qui va frapper à ses côtés. Jordan Veretout, si on veut le jouer court, Cherki est sur la protection et la protection de ce jeu court dans la surface de réparation. Les hommes sont au point de pénalty. Ballon pied gauche au premier, c'est sorti par Cacré. Ça va revenir sur Valentin Rongier. La casette qui sort sur le capitaine Marseille. Monsieur Brizard qui donne coup franc au Marseillais. Ouais, il allait la chercher celle-là, Rongier. Il allait la chercher. Il y a Ali Daoma sur le chat YouTube qui nous demande pourquoi Mbemba n'est pas titulaire. C'est une question qu'on va poser à Igor, ça. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'on se pose la question depuis trois matchs. Pourquoi Chancel Mbemba n'est plus titulaire du côté de l'Olympique de Marseille? Alors que c'était l'un des meilleurs Marseillais de la saison. Hein. Je vous assure que ce sera l'une des questions qu'on posera à Igor à la fin. Quelle que soit l'issue de la rencontre, positive, négative, on posera la question à Igor Tudor et vous aurez la réponse bien évidemment en live et en capsule directe sur les réseaux sociaux de Free. Le coup franc est parti largement au-dessus. Ça, ce sont des occasions manquées, ça, les garçons. Ouais, c'est une vraie occasion. Malinowski au-dessus. Surtout lui, avec sa qualité de frappe, son pied gauche, il a été pris aussi pour ça. Et voilà, moi en tout cas avec ce genre, je reste quand même un peu sur ma faim depuis qu'il arrive à l'OM. Il y a Marissa du 69 qui me dit ça veut dire quoi MVP Marissa. Soit on est dans la joke. Oula la paire de balles. MVP le meilleur joueur de cette première période. Most valued player, celui qui a la valorisation la meilleure de la part de nos experts. On est parti sur Anto Lopez pour l'instant. Affaire à suivre. Cacré, c'est passé. Barcola sur le côté droit. Accélération de Barcola. Balerdi qui va revenir sur ses talons. En retrait sur Maxence Cacré. Agitation dans la surface. On ressort comme on peut. Nuno qui va remettre. Qui va remettre. Avec un ballon jusqu'à Taliafico. Le centre de Taliafico dans la boîte. C'est sorti par Malinowski. C'est bizarre quand même que ce soit Mendes ou Tolisso. Il frappe pas. Il frappe pas, il continue à chercher et à jouer, à se mettre en place. Cherki MVP pour Rémi Escaïche. Non, il a disparu à la demi-heure de jeu. Mais Lopez, ouais. Pour KM, c'est Rio Mavuba, le MVP. KM, ça doit être Kylian Mbappé. Il est sur le chat. Mais oui, mon pote. Oh, bien joué. Ballon passé dans l'intervalle, c'est à destination de Hunder. Vigilance d'Anto Lopez, le capitaine lyonnais. Chancel qui accélère. Du coup, on va, d'après moi, aller jusqu'à la pause, les garçons. Prendre l'état physique des joueurs marseillais. Oui, Chancel va s'échauffer en fonction. Caboret m'a pas l'air bien. Il compense jusqu'au bout, boite, et on change à la mi-temps. Ouais, il va changer à la mi-temps, mais il boite, il est pas bien. Valentin Rongier, repli sur Kolasinac. Ouverture à gauche sur Jonathan Klose qui a gardé ce flanc-là. Intervalle sur Malinowski qui avait passé par-dessus, mais il n'y a plus d'Alexis Sanchez. Tudor, il demandait ça. Hein. Il demandait, c'était bien joué de Malinowski apparemment. Et là, Sanchez avait décroché. Donc il doit lire le jeu. Hein. Restez avec nous à la mi-temps, on vous le rappelle. Maxence Cacré, entretien Free Ligue 1. Disponible à la mi-temps de ce match. Banderole pour Ginalo. Joyeuse 80e année au Petit Prince de Gerland, Dinalo, avec les applaudissements du groupe Ama Stadium. Fleury Dinalo. 494 matchs pour Dinalo sous les couleurs lyonnaises. En rebond aux 450 que tu nous as annoncé tout à l'heure d'Anto Lopez. Et Kolasinac et Lacazette, ils ont joué ensemble à Arsenal. Ouais. Ça se met fort depuis le début. Là. Exact. C'est un bon match de ballon, les garçons. Il y a de tout. Il y a une saveur athlétique, il y a du choix tactique. Il n'a pas le droit à ça. Oula, attention, je suis pas sûr. Attention, le ballon. Il y a pas en jeu. Alexis Sanchez. Goal.
Goal. Bravo. Goal de l'Olympique de Marseille, les garçons. Contre-attaque lancée plein fer avec Alexis Sanchez qui avait trouvé devant lui le mur. Anto Lopez, mais derrière, avec son numéro 17, Hunder, est venu faire trembler les filets. Coup de froid du côté de Lyon. Olympique Lyonnais 0, Olympique de Marseille 1. Ouais, comme quoi les choix faits pour défendre le rang offensif, parce que c'est Klos qui met un super ballon dans le dos de Lovren qui est surpris, à mon avis qui défend très mal et qui prend même pas un regard sur Alexis, et après derrière Alexis il a juste un maximum Lopez, et Lopez il arrive à bien le fixer aussi, il fait le super barré, mais derrière c'est ça, voilà, Under qui suit, qui a fait une grosse course, qui accélère au dernier moment et après qui met le bon intérieur. Franchement, ça a été très très bien amené de la part des Marseillais. C'est bien joué de la part des Marseillais et mal joué de la part des Lyonnais. 3 minutes de temps additionnel. Il y a une bagarre qui vient d'éclater du côté du but, derrière le but, dans les travées du Groupama Stadium. Affaire à suivre avec le staff de sécurité qui est bien entendu en place. Mais quel but ! Et on parlait de la différence que devait faire Alexis Sanchez dans ses gros matchs. Là, il l'a fait, la différence, avec une accélération partie à la limite. Il est parti comme un fer de lance. Il a fixé, bien fixé. Il était tout près de tromper Anto Lopez. Mais c'est lui qui amène cette énergie offensive, en tout cas, pour permettre à Hunder de permettre à Marseille de mener 1-0. Ouais, il fait quand même un superbe appel hein, dans le dos de Lovren. Ah, il le dépose totalement. Et après, c'est vrai qu'Anto, Anthony Lopez, il fait encore un super barré. En tout cas, là, les Lyonnais, on sent qu'ils sont en train de... physiquement de prendre quand même un petit coup et on l'a vu sur cette dernière accélération, on est capable de suivre. Hein. C'est exactement ce qu'on a dit dans l'avant-match, les gars. Ouais. Exactement sur le but, ça. Sur le but, Sanchez fait exactement ce que Tudor demande 2 minutes avant, c'est-à-dire de partir en profondeur et de prendre ce ballon là, et c'est ce qu'il vient de faire. Après, Klos lui met vraiment un bon ballon, mais c'est pas que c'est plus facile, mais c'est vrai que Lovren sur le coup lui a carrément dit, lui a ouvert la porte et lui a dit, vas-y, tu peux y aller, tu peux le mettre ce ballon. Je m'excuse pour les voisins de Sylvain, mon cher Sylvain. S'il me dit avec le goal d'Alex Ruiz, mes voisins vont me fumer. Pardon, Sylvain. Ballon récupéré par Klos. C'est le meilleur scénario pour nous, les garçons. C'est le meilleur scénario pour nous. Marseille, à l'heure qu'il est, repasse devant Lens. Marseille, à l'heure qu'il est, reprend sa place de dauphin. Ouais. Comme la semaine dernière où Marseille devait réagir. Mais ils sont assez solides hein, dans leur première mi-temps. Ils sont assez. C'est ce qu'on disait dans l'avant-match. On disait que Lyon, depuis plusieurs semaines, rappelez-vous du changement de coach au début d'année. Ouais, ouais. Peter Bosz qui avait été délogé parce qu'on disait que ce Lyon manquait d'impact, manquait de physique. On a changé. On va pas accabler Laurent Blanc. Mais le constat, c'est que depuis quelques semaines, sur la force athlétique, quand l'équipe adverse va chercher Lyon, Lyon manque de répondants. Ouais, t'as raison de dire qu'on va pas accabler Laurent Blanc, dans le sens où les résultats, mine de rien, sur cette année en tout cas, sont plutôt pas mal. Mais physiquement, on sent pas un Lyon qui a évolué, un Lyon qui est capable de tenir Marseille sur une mi-temps. Alors qu'il avait insisté sur ça, on repense notamment à ce stage pendant la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde où ils sont partis, et il avait dit que c'était un axe fort, prioritaire de l'OL. Il fallait qu'il travaille justement sur l'aspect physique, l'aspect athlétique. Mais là, on voit que ça commence à devenir dur. Et si Marseille ne baisse pas de pied en seconde, je pense que les Lyonnais vont peut-être exploser. Ouais, c'est Lance Marseille le 6 mai. celui-là, on y va, hein, je pense, hein, le garçon. Ah ouais. D'après moi, le Lance Marseille, c'est la mi-temps. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Après ce but signé Hunder. Les sifflets, vous les entendez, du Groupama Stadium. Ouais, c'est... Avec l'impact d'Alexis Sanchez et le but de Hunder. Première réaction, les garçons. C'est une première mi-temps très intéressante à tous les points de vue, que ce soit tactiquement, techniquement et physiquement. Après, Lyon, c'est bien ce qu'ils font, mais finalement, il n'y a pas eu d'occasion franche, mis à part le tacle de Lacazette sur le ballon de Taliafico. Donc c'est là où, malheureusement, on doit attendre beaucoup plus de Cherki. Je vous l'ai dit, il a disparu direct à la demi-heure de jeu, on ne l'a plus vu. Ou justement, on parlait de Tolisso qui a raté sa première mi-temps, clairement.
Et voilà, et on attend beaucoup plus de certains joueurs. On les a nommés avant ce match et finalement, ils sont décevants. Et de l'autre côté, on a des Marseillais, on l'avait bien dit aussi avant le match, qui allaient physiquement imposer un rythme qui était difficile à suivre. Et petit à petit, ils ont réussi à reprendre le dessus et c'est assez logiquement qu'ils ouvrent le score. Je trouve que c'est limitant, on va dire à la Marseillaise. J'ai envie de dire limitant à la Marseillaise ouais. Parce qu'ils ont... Ils ont su faire le dos rond quand ils ont un petit peu souffert et ils ont su imposer leur jeu au final, leur style. Et parce que c'est les Lyonnais qui s'adaptent à ce que font les Marseillais. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mais ils se sont montrés quand même les plus dangereux et ils ont ouvert le score. Donc pour moi, on aurait pu être à 0-0, mais c'est les Marseillais, je trouve, qui dans les courses et dans les intentions, en tout cas, de faire mal, ont été plus efficaces que les Lyonnais. On va voir quels seront les plans de Laurent Blanc pour cette deuxième période. Mathy Bolt, on va aller se restaurer, on va aller taper les bonbons créma avec Mounia. Nous ici, on va faire le plein d'énergie également. C'est tout. Restez en place. Maxence Cacré, le numéro 6 de l'Olympique Lyonnais, donc il nous a accueillis ici même là sur la pelouse du Groupama Stadium durant les phases d'entraînement cette semaine. Il revient pour nous sur sa carrière, son élan et ce qui fait aujourd'hui qu'il est un gone à 100% dans les plans de Laurent Blanc avec les équipes de Starting Block Production. Maxence Cacré, c'est l'entretien Free League. Les amis de Free League 1, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus ici à Lyon avec monsieur Maxence Cacré. Merci de nous accueillir. Non, merci à toi. La séance vient de se terminer. Hein, à l'instant. Déjà parfait encore, ça j'adore. J'espère que vous êtes prêts. C'est une nouvelle fois un moment de partage, de découverte peut-être pour certains d'entre vous. Nouvel épisode de votre entretien Free League. Maxence, je le disais, merci. Merci de nous accueillir. Tu sais, j'ai des indiques dans le club. J'ai notamment monsieur Ludo que tu connais. Monsieur Ludo Giuli, et je lui ai dit, Ludo, donne-moi un dossier sur Max, parce que, écoute, je crois qu'on peut pas faire, tu sais, plus propre. Les gens t'adorent, tu es issu de la formation, t'es un bon gars. Il y a un truc caché quelque part ou pas? Faut chercher, je pense. C'est vrai? Non, bah, comme tout le monde, hein. Il y a des fois où on peut déconner, on peut faire un peu des conneries, mais comme ça, je pourrais pas t'en sortir une. Tu es né à Vénissieux. C'est ça. Année 2000, tu as grandi dans cette région. Tu étais où petit? Tu étais où exactement dans la banlieue lyonnaise? J'ai grandi à Vénissieux, puis après on a déménagé avec mes parents à Corbas, donc une ville qui est juste à côté. Où t'as fait tes premiers pas de foot? Exactement, et jusqu'à mes 18 ans, on est resté à Corbas, puis après on a déménagé un peu plus tard. T'as des frères et sœurs? Une grande sœur, un petit frère. Une grande sœur et un petit frère. Comment tu te situes dans cette famille? Tu te fais engueuler par la grande sœur? Tu protèges le petit ou... Non, ma sœur m'a... J'ai beaucoup grandi avec ma sœur. Enfin, j'ai grandi avec ma sœur, j'ai beaucoup été avec elle. Donc, elle m'a tout montré, c'est elle qui m'a tout montré. Et mon frère, ben, j'ai 6 ans d'écart avec lui. Ah. Donc, il est plus jeune. Donc, au début, c'était le petit qui voulait sortir avec la grande sœur et le grand frère, ouais. Mais qui était trop petit. Ouais. Et puis, bah, maintenant, c'est pareil. Maintenant, il est toujours avec moi. On est vraiment proches, donc c'est cool. Combien d'écart avec ta sœur? 4 ans. 4 ans, ok. Donc c'est sûr là que si j'appelle ta sœur, elle me sort un dos sur toi. T'as bien dû faire des petites boulettes quand on est gosse et quand on est ado. Est-ce que t'as quelque chose qui est un peu sorti des cases et où ta sœur t'a dit « Allez, reviens par là, parce que là ça va pas ». T'as fait des petites choses comme ça ou... Avec ma sœur là, j'ai pas de truc spécial, mais avec mon frère, je me rappelle, mes parents ils étaient pas à la maison. Mmh. Et ben, dans le foot, toujours, on faisait un foot dans le salon. Mais c'était un petit salon, c'était tout petit, c'était dans l'appartement. Vous avez tout pété. On a pété. Et puis moi, je me suis ouvert l'arcade avec l'angle d'une porte. Donc au final, ils ont vu en sang, on a dû aller à l'hôpital. C'était n'importe quoi. J'avais plus peur de me faire engueuler par mes parents que de la douleur de l'arcade. Donc on a été à l'hôpital, mais après, je me suis bien fait engueuler. Hein. Comment t'es venu au foot, Max? Ton père aime le foot, ta mère aime le ballon? Les deux. Les deux sont des dingues de ballon. Ouais. Mon père, c'est un fan de foot. Il a toujours joué au foot. Et ma mère, elle vient d'une famille qui aime le foot aussi, donc c'était assez facile pour moi de jouer au foot, quoi, dès le plus jeune âge. Quand on est petit, des fois on joue un peu à tous les postes. Gardien, derrière, devant, on marque. T'étais comment toi? Attaquant. Attaquant? Ouais. Tu marquais? J'ai commencé attaquant, je marquais beaucoup, beaucoup de buts. Mais surtout, je faisais beaucoup de passes décisives. En fait, le problème,
ce qu'on me reprochait, c'est d'arriver devant la cage et j'attendais les joueurs. Trop altruiste. Les gars, je veux pas marquer moi. J'attendais mes coéquipiers, du coup je faisais la passe et du coup c'est à ce moment-là qu'ils m'ont reculé quoi. Et depuis j'ai pas bougé du milieu de terrain. J'ai peut-être une première photo à te montrer. Bon, tu vas me voir venir parce que là tu vas comprendre facilement avec ce que tu viens de me dire. Ouais. Jean-Louis, ah, mon premier coach. Ton premier coach. Ouais. Premier coach et je l'ai eu longtemps. Hein. C'est vrai? Ouais. Est-ce que c'est Jean-Louis Farizon, voilà, je cherchais avec le patronyme, Jean-Louis qui était donc coach, qui était coach du côté de Corbin, on est d'accord, et puis ensuite qui était formateur à Chaponnet-Marennes. Exactement. Où tu étais également, ouais. Okay. En fait, avant d'être repéré par l'Olympique Lyonnais. Ça s'est passé, on était à Corbin avec Jean-Louis et Monique, et c'est à ce moment-là où il part à Chaponnet. Et moi, comme j'étais fan de cet entraîneur et de la personne, bah, je l'ai suivi. Je regarde parce que j'ai quelques photos que j'ai pu retrouver avec les copains du Progrès et autres. Et je te vois là avec une banane de fou furieux, ouais. Avec le maillot de l'OL déjà, petit. T'as quel souvenir de toi, petit, comme ça? T'étais un enfant heureux? Ah, hyper heureux. Ouais, franchement, j'ai toujours été un joueur qui a le sourire, qui essaye de... Tu l'as gardé, ça? Qui essaye de... ouais, d'être heureux parce que c'est ma passion, hein. Et puis là, surtout ces moments-là, les stages. Les stages, c'est super. C'était souvent, c'était souvent les meilleurs moments. Parce qu'on apprenait la technique, les tirs. Après, on mangeait tous ensemble. On revenait l'après-midi s'entraîner. C'était la bonne époque. C'est important parce que ça, tu ne l'as pas oublié. Et tu le sais le transmettre. Parce que j'ai vu aussi ces images, là, quand tu retournes au club. Jean-Louis est là de nouveau. Ouais. Et tu retournes dans ces clubs à Corma et à Chaponnet. À Chaponnet. Et tu vas voir les petits, tu vas leur rendre cet amour que tu as aimé recevoir et tu le transmets. Ouais, c'est vrai que j'aime bien retourner au club, bah, sachant que je suis le parrain du club. Ouais. Et puis... Elles sont super, ces photos. C'est vrai que moi, j'ai pas eu la chance de côtoyer des professionnels quand j'étais plus petit. Donc, et j'aurais aimé. Donc, c'est vrai que j'essaye d'aller voir les petits plus souvent et je vois sur leur regard et leur sourire qu'ils sont heureux. Donc, ça me fait d'autant plus plaisir. Tu aurais aimé que Iniesta vienne te voir? Ça aurait été le rêve ultime. Mais bon. Les amis, Andrés Iniesta est l'idole, le modèle de Max. Et c'est ce qui est très drôle parce que je retrouvais ces photos petits. Là, je te vois avec le maillot du Barça. Exact. C'est ouais. Pour ça? Ouais, c'était ça. C'était Iniesta. Pour moi, c'était mon idole. Iniesta, Xavi, c'était la doublette qui me faisait rêver. Et encore aujourd'hui, je peux regarder des vidéos de l'époque. Donc, c'est vrai que moi, ils m'ont bercé. Le grand Barça, ils m'ont vraiment bercé, quoi. Aujourd'hui, quand tu t'inspires de ça, tu cherches encore de l'inspiration. Souvent, tu sais, on a un moment où on se détache et puis tout d'un coup, on se dit bon, à moi d'apporter ma personnalité et de faire quelque chose. Est-ce que tu as eu ce passage-là? Est-ce que tu l'as ou pas encore? Ou t'es comment? Non, si, c'est vrai que bah, je suis un peu dans ce passage-là. C'est vrai que quand on est petit et quand on grandit, on veut toujours suivre et ouais, essayer de faire exactement ce que l'idole faisait. Mais on se rend compte que chacun est différent, quoi. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter sa touche et essayer d'être le joueur que je suis et non le joueur que j'aimais voir jouer. Tu es un enfant de l'OL, né dans la région, repéré dans la région en 2011. Tu gagnes tout de suite tes premiers trophées. Tout de suite, l'OL voit en toi un profil intéressant pour animer ce milieu de terrain. Est-ce que dans ce passage-là, qui t'amène aujourd'hui, à ce qu'on se retrouve aujourd'hui, t'as eu un moment dur? Mon moment dur, j'en ai eu deux. J'en ai eu un avant de signer pro, donc j'étais en CFA. J'avais un problème au genou, c'était une tendinite, mais qui me dérangeait. Donc j'ai été éloigné des terrains pendant un mois, mais sans toucher de ballon. Vraiment zéro séance ballon. C'était que du renforcement musculaire haut et bas. Et c'était dur parce que bah, quand on est jeune, on n'a qu'une envie, c'est de jouer au foot. On n'a pas envie de faire attention à tout ce qui est musculation. Mais c'est un moment qui m'a servi parce que je me suis élargi un peu et ça m'a servi sur le terrain, surtout en CFA quand on joue contre des Golgothes. Mais c'est vrai que ça m'a servi. Et la deuxième épreuve un peu compliquée, c'était sous l'ère Rudy Garcia. Ouais. Il y a eu une période où je jouais vraiment plus beaucoup. Ouais. Et dans la tête, c'était compliqué parce que quand tu es jeune et que tu commences à enchaîner et que d'un coup tu joues plus, ouais. C'est vrai que ça fait mal à la tête. Tu te dis qu'est-ce qui va pas, tu essaies d'être le meilleur possible, mais tu joues pas beaucoup. La période n'a pas été longue,
mais elle m'a permis de travailler encore plus et de montrer que je devais retrouver la place. Tu as vécu du coup du up and down avec Rudy, parce que c'est quand même lui qui t'offre la première titularisation en Ligue 1, 30 novembre 2019, à Strasbourg. Quel souvenir t'as de ça, sincèrement? Comment ça s'est passé? Il te convoque, il te dit quoi? Non, j'étais pas au courant du tout. Non. Non, franchement, j'étais pas au courant. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais jamais joué une seconde en Ligue 1, même une entrée, j'avais jamais. Walou, rien. Rien du tout. Donc, il causerie et il donne le 11 de départ et je vois mon nom. Donc, j'étais hyper content, j'étais prêt. Après, le match commence, j'ai 10-15 minutes hyper compliquées. Je me rappelle d'une action où je glisse au milieu de terrain, je perds le ballon, contre-attaque, compliqué. Et au final, je me suis bien repris, j'ai même fait ma première passe décisive. Donc non, c'est un super bon souvenir et j'étais hyper content. Et j'imagine tes parents également. Ah ouais, c'était les... ils n'avaient pas fait le déplacement, mais c'était les plus heureux du monde, hein, parce que c'était quelque chose qu'on attendait et qui m'est arrivé, donc on était heureux. Max, je vais te poser une dernière question dans cette trajectoire pour comprendre encore un peu plus qui tu es. Tu sais qu'on m'a fourni 2-3 petites photos. Ah, tu la vois venir celle-là? Celle-là, ouais. T'as 4 ans et demi là? Ça se passe comment là? Exactement, 4 ans et demi, c'est mon premier tournoi. C'est exceptionnel cette image là. Sur le Gore, les terrains là, tu tombes, mais t'as les genoux ensemble. Ah, quand on est à cet âge là, je calcule même pas. Et non, franchement, ça c'est. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce gamin là du coup, aujourd'hui? D'être lui-même, de continuer de prendre beaucoup de plaisir. De ne pas penser à être professionnel à cet âge-là, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais de continuer de travailler et d'aller le plus loin possible. Hein. Magnifique. Max, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce bon moment. Merci. Le partage. C'est bon? Eh ben, dis donc. Ah, elle est belle l'équipe. Pardon à tous, mais là, j'avais faim. Bon, tranquille Rio, te presse pas. Hein. Bon, on finit. Ouais. Je vais prendre une petite bouteille d'eau. Il y avait quoi pour accompagner les frites? Demande ouais. À Jules, demande à Jules, il en a mangé deux. Ah non. Non, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. J'aurais bien aimé parce qu'ils sont très bons. Ouais, il est passé tout seul. Hein. Merci encore. Hein. Passé tout seul. Maxence Cacré, vous avez entendu les garçons. Intéressant ce qu'il disait, notamment sur sa première période avec Rudy Garcia, qui à la fois le lance, et ensuite le tense. Ouais. C'est-à-dire qu'ensuite il le met à il le tempère un peu pour essayer de le défier, pour le relancer. C'est une première année qui est assez particulière pour lui, son premier match face à Strasbourg et une première passe décisive. Est-ce que pour vous, c'est un joueur qui peut vraiment s'inscrire maintenant, aujourd'hui, dans ce futur de l'Olympique lyonnais? Est-ce qu'il a la capacité aujourd'hui ou est-ce que, d'après vous, cette saison-là, la saison prochaine, c'est la saison de bascule? Pour moi, c'est cette saison-là. Pour moi, je n'ai pas senti franchir le cap. Et la saison prochaine, il va falloir vraiment qu'il confirme et qu'il s'impose comme un leader. Parce qu'aujourd'hui, il a été mis en concurrence. Aujourd'hui, le penant, pour moi, il mérite de jouer tout autant que les trois qui jouent, et notamment lui. Donc, il faut qu'il arrive à montrer qu'il est au-dessus d'un titulaire indiscutable à l'OL. Parce qu'il a les capacités. Moi, j'adore ce type de joueur. Il a beaucoup d'activité. Il a une qualité technique qui est quand même au-dessus de la moyenne. Maintenant, il faut qu'il arrive aussi à stater un petit peu. Quand il joue 8, il faut qu'il aille marquer des buts. Il faut qu'il accompagne les occasions. Pour qu'il crée des passes des. Et pour l'instant, pour moi, il n'a pas franchi ce cut. Et évidemment que l'OL peut s'appuyer sur lui, mais il faut que maintenant il prenne ce rôle-là vraiment à cœur et qu'il le démontre sur le terrain. Ouais, surtout que là ce soir, on l'a dit, il a mis Thiago Mendes pour ça, pour qu'il se projette. Ouais, je veux bien que Chris. Et donc, ce soir, il avait l'occasion de montrer un peu ce qu'il pouvait faire. Il avait deux gardes du corps, que ce soit Tolisso et Thiago Mendes, pour aller de l'avant. Il a très bien commencé son match.
et à l'image de Cherki, il a un peu disparu. Donc si ça devait être sa saison de confirmation cette année, c'est raté parce que, comme le dit Rio, mais alors après peut-être que je suis pas objectif, mais le Penant mérite au moins autant que lui, si ce n'est plus, sur cette saison là de jouer. Donc l'année prochaine, va falloir qu'il réussisse à passer le cap pour vraiment devenir un patron. Mais il en a la capacité. Après, peut-être que l'arrivée de Tolisso lui a fait aussi peut-être se recroqueviller et pas se lâcher, alors que ça aurait dû être le contraire. Après, je peux vous assurer, en complément de ça, c'est vraiment un super garçon. Ah oui, c'est un super garçon et qui est complètement dévoué à sa mission au football. Il manque quelqu'un, non, sur le terrain? Il est vraiment complètement dévoué à ça. Je viens de voir quelque chose que je vais vous conter là à l'instant dans les tribunes, que je trouve ça déplorable. À l'instant, déplorable. Après tout, on est là aussi pour avancer les choses négatives comme les choses positives. On a deux supporters de l'Olympique de Marseille qui sont descendus là près de la pelouse, dans une zone non répertoriée supporters de l'OM, on va dire, mais sans aucune agressivité. Ils sont venus juste faire des photos en bas. Et il y a un supporter de l'OL qui est venu et qui lui a mis un gros taquet au niveau du visage, mais vraiment un très très gros taquet. Je comprends plus ça. Non. J'arrive plus à comprendre ça. Non. Je ne comprends plus ça. Je comprends plus ça. Après, on s'interroge pourquoi on interdit les parkages, pourquoi on a. Si ça commence comme ça, à ces niveaux-là, c'est incompréhensible. Il y a des sans-cerveaux. Hein. C'est incompréhensible. Ça s'appelle un sans-cerveau, ça. Et il y en a beaucoup. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour la deuxième mi-temps. On va prendre un petit micro parce que il y a monsieur Antonin Portal qui est avec nous. À l'extérieur, pour une fois. À l'extérieur. L'une des meilleures tables de Marseille, vous le savez, qui est avec nous. Et monsieur Antonin Portal qui est venu à l'extérieur porter son équipe de l'Olympique de Marseille. L'une des meilleures tables marseillaises avec nous ici à Lyon. Salut Anto, ça va? Viens à nos côtés, viens à nos côtés. Déjà, je soulignais à l'instant, je viens de le souligner, je trouve ça déplorable, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais je viens de voir l'agression dont a été victime ton frère. Oui. J'ai trouvé ça déplorable. On peut porter des couleurs, je l'ai vu porter tranquillement, il était devant et parce qu'on l'a associé, il a pris un taquet au visage très bêtement par un supporter, lui lyonnais présent au premier rang là-bas, c'est d'une bêtise absolue. Mais bref, je voulais le souligner, c'est parce que c'est vraiment déplorable. Bon, dis-moi. Ben écoute, dis-moi, ça va, non? Oui, ça va très très bien. Le résultat est favorable à l'Olympique de Marseille, donc tout va bien. Après, pour l'instant, on a vu un bon match. Merci. Avec la réaction, merci à Mickaël Pereira, l'équipe Free Ligue 1 qui transmet les petits écouteurs pour te permettre éventuellement de m'entendre au mieux dans cet échange. On parlait avec les garçons de ce qu'a réussi à faire Marseille depuis le début de l'année, à savoir du défi athlétique, du défi physique. Ce sur quoi l'Olympique lyonnais, depuis plusieurs semaines, est en déficit. Oui. Marseille l'a compris, le sait, est allé réussir à passer ce cut et à faire aujourd'hui qu'on mène à 1-0. Oui, Marseille mène à 1-0. En parlant de l'Olympique de Marseille. Hein. Marseille mène à 1-0. Je pense que la première mi-temps a été assez engagée. Même Lyon a eu une belle occasion avec la casette. Marseille a eu pas mal d'occasions assez franches dans la surface adverse. On aurait pu peut-être ouvrir le score un peu plus tôt, mais finalement on a ouvert le score juste avant la mi-temps. Je pense pas que c'est immérité. Alors peut-être que c'est le supporter qui parle, mais Marseille c'est pas volé de rentrer avec 1-0 au vestiaire. Et là ils attaquent à 5 contre 3 donc. Avec un bon ballon pour l'Olympique de Marseille dans la surface de réparation, en retrait pour aller chercher une aire. Décalage. La frappe, elle est signée Jonathan Clauss et l'arrêt est signé Anto Lopez. Le mur Lopez qui empêche les Marseillais de mener 2-0. En tout cas c'est un super match. On sent que les deux équipes sont à un tournant de leur saison. Marseille peut vraiment vraiment regarder vers le haut en remportant ce match et se mettre un petit peu dans des chaussons, on va dire, et Lyon peut rêver d'Europe. Donc
dans ces 45 dernières minutes, il peut se passer énormément de choses et ça peut être déterminant pour la suite. La bataille va aller jusqu'au bout avec, avec Lens. Ah ben oui. Le mano à mano pour la deuxième place. Le mano à mano avec Lens, bien sûr. Lens est une superbe équipe. Il y a un groupe, voilà, il y a le groupe Lensois. Même nous à Marseille, on est subjugués par ça parce qu'on voit que c'est au-delà de leur tactique, de leur technique, on sent que c'est un groupe. Et voilà, on cherche dans tous les clubs de France à avoir ça, un groupe, et on sent qu'ils sont soudés et qu'ils vont aller à la guerre tous ensemble jusqu'à la dernière journée de championnat. On se posait la question avec les garçons, on avait vu les choix et la feuille de match qui était tombée. Ton avis, ton opinion sur Chancel Mbemba envoyé sur le banc depuis 3-4 matchs? Ben écoute, c'est très curieux, hein. C'est, pour moi c'est le patron de la défense marseillaise, de le voir sur le banc c'est... Après on n'est pas tous les jours au quotidien à l'entraînement, on ne sait pas un peu ce qui se dit, est-ce qu'il a assimilé tout ce que Tudor veut dans cette fin de championnat. Mais c'est vrai que ça reste un petit peu voilà, c'est assez curieux de voir un joueur de son talent, surtout que c'est un garçon qui a l'expérience des grands matchs, l'expérience de ses fins de championnat haletantes, et le voir sur le banc c'est un petit peu dérangeant. Après on verra à la 38e journée si Tudor avait raison ou au contraire si ses choix pourront être discutés. Et l'autre question que nous avions sur les choix de l'Olympique de Marseille qu'on se portait, c'était sur Issa Kabore. Cette émergence là, enfin arrivée après son prêt à Troyes, son arrivée à Marseille qui s'est fait un peu attendre dans l'exercice de la réussite derrière. Et la question qu'on se posait, est-ce que Marseille doit le garder? Est-ce que Marseille doit trouver la solution pour le garder au-delà de l'option d'achat à 20 millions d'euros qu'on ne va pas déloger aujourd'hui pour aller chercher Issa Kabore? Ben, alors pour moi, si c'est uniquement financier, je pense que 20 millions d'euros, c'est assez cher sur le marché. On peut trouver des profils alternatifs. Alors oui, Kabore a énormément de potentiel, certainement qu'il sera un arrière latéral de talent. Mais de là à débourser une telle somme alors que les finances olympiennes sont un petit peu voilà, on ne sait pas trop, hein, délicatesse. Alors après on achète au mercato hivernal un avant-centre à 30 millions, mais on sait que Longoria, voilà, il a un mercato d'avance en fait, il espère qu'on soit en Ligue des Champions, il travaille avec ça dans la tête, donc j'espère qu'il a prévu un petit peu le coup, parce que je ne suis pas si sûr que Issa Kabore sera l'arrière latéral de l'OM l'année prochaine. Et Vitinha? Vitinha, il méritait de jouer ou pas? Pardon? Après le doublé, il méritait de jouer ou pas? Mais bien sûr, mais après c'est un joueur en devenir. Après à Marseille, on se questionne beaucoup sur Vitinha. C'est vrai qu'on a mis énormément d'argent sur ça, et on sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de comptables en tribune. Voilà, les gens ils aiment bien, voilà, ils aiment bien se poser la question, pourquoi on a déboursé une telle somme. Il faut faire confiance à la direction. C'est certainement un joueur de talent, un joueur d'avenir. Alors, ouais, ça passe pour Marseille avec encore Anthony Lopez qui était là. Ouais. Ça passe. Klose, on est en train de trouver le Klose qu'on aime, oui, depuis le démarrage de cette deuxième période. Hein. Mondial, oui. Bien sûr. Oh, là, c'est Sanchez. Hein. Là, il a. Ah, il est au-dessus. Ah, hein. Oh, ouais, là, il a enrhumé tout le monde. Marseille, il fait un très gros début de seconde période. Et là, ils se sont contrés. Passage de contre pour l'Olympique Lyonnais. Oh, bien défendu, ça. Très grosse occasion d'Alexis Sanchez sur la défense de l'Olympique Lyonnais. On est au sol du côté de Marseille. Ça va se relever. Le resto est fermé, là? Non. Le resto est ouvert. On est ouvert tous les jours. Avec l'écran. Avec l'écran. Bien sûr. On a fermé avec... Ce petit hommage à Paul Bocuse, là. Ah, c'était magnifique. Oh, sincèrement, hein. C'était magnifique. Ah oui. T'as vu les toques blanches qui sont installées, là-bas? Je les ai vues, bien sûr. Non, c'est le boss. Hein. C'est le boss, Paul Bocuse. Donc, c'est vrai que pour moi qui travaille dans la restauration, c'est un joli clin d'œil, et je salue le clin d'œil des Lyonnais à Paul Bocuse. Foncez, on vous le rappelle, à Marseille, la table d'Augustine, la très bonne table d'Antonin Portable. On vous le rappelle, présent ici ce soir pour porter l'Olympique de Marseille avec son frangin. Oui. Et du coup, que l'on salue. Ah, vous, oui, avez la même tête, hein, kiff. Hein. Oui, ben, il m'a dit que tu l'as salué, peut-être que tu l'as pris pour moi. Donc c'est vrai que... Non, en fait, au début, il était là de dos, et je me suis dit, il fait quoi le lascar là? Tu sais, je vais juste taper comme ça pour dire, bon, on va se mettre en place. Non, et il s'est tourné, et je lui ai dit, voilà. Il me ressemble, ouais, il y a pas mal de ressemblances effectivement. C'est très très bon. Anto, je te laisse filer avec ton frère. C'est très merci gentil. Infiniment de nous avoir apporté cette expertise. Et salue-le chaleureusement de notre part, et on espère qu'il va bien, pour dénoncer une nouvelle fois ce geste que j'ai trouvé très déplacé. Bon, bonne soirée messieurs, prenez soin de vous. Ciao. Tolisso, moi je fais rentrer le penant et je le sors. Tu sors Tolisso? Ouais, il est à la ramasse, à la rue. Mais j'ai l'impression que depuis cette deuxième mi-temps, c'est tous les effectifs lyonnais, là, l'équipe lyonnaise qui est en train de vraiment subir ce qu'on dit depuis le début, hein, la pression marseillaise, l'intensité qu'ils mettent.
Et là, on sent vraiment les lunettes dans le dur. Hein. Là, il n'y a vraiment pas photo entre les deux. Il y a un décalage de niveau. Oh, attention à l'entrée. Le corner est à suivre. Lâché par l'Olympique de Marseille au deuxième poteau. Repris dans la surface de réparation avec une poitrine d'Alexis Sanchez. Repris derrière par Tolisso. Le décalage avec Taliafico. Mais Tolisso est pris à la gorge par Balerdi qui le chauffe. Il va essayer de s'en sortir. Voilà qui est fait dans l'intervalle avec Lovren. La défense centrale de l'OL qui est acculée, les garçons. Elle est acculée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs marseillais. Regardez comment ils montent sur chaque porteur. On est dans la surface lyonnaise. Les Marseillais sortent et récupèrent encore ce ballon. Ça va revenir avec un ballon de côté gauche. Le centre dans la boîte. Personne au deuxième et Marseille est à l'affût. Ah, Tolisso, il est... La seconde période commence qu'il est cuit. C'est le défi qu'on avait placé comme clé d'avant-match, la capacité de ces joueurs à sortir proprement ce ballon. Voilà un bon ballon à droite par Colin, on rentre. Non, ça ne passera pas pour l'extérieur, pied gauche d'Alexandre Lacazette. La défense de Marseille s'en sort au grand dam de Laurent Blanc. Cherki lui a mis un super ballon à Barcola. Il avait un temps d'avance et je suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix. Là, il y avait Thiago Mendes qui était juste derrière. Et l'intervention de Gigot, elle était énorme là-bas. Il a coupé au premier poteau. Il a bien devant la casette. Il s'accaborait le retour de Thiago Mendes dans les pieds avec un tacle glissé. C'est un grand match, les garçons. Ouais. C'est un grand match à la hauteur, ce 121e Olympico entre Lyon et l'Olympique de Marseille qui mène les hommes d'Igor Tudor provisoirement de nouveau deuxième Dauphin qui repasse devant le Racing Club de Lens. On vous rappelle le choc qui s'annonce. Lens-Marseille qui sera très certainement à suivre avec nous. Le banc lyonnais est parti à l'échauffement également. Ouais, il va falloir qu'il trouve des solutions, Laurent Blanc, parce qu'il n'y a pas de joueur au milieu de terrain qui arrive à part Cherki, hein, évidemment, qu'on arrive à trouver. Mais voilà, que ce soit Tolisso, Thiago Mendes ou Kakré, il n'y en a aucun qui arrive à faire la bascule, à jouer vers l'avant. Et du coup, l'équipe, elle a du mal à progresser. En tout cas, pas au bon rythme. Du coup, la défense marseillaise, elle est tranquille pour défendre. Pour le moment, le meilleur des trois au milieu, c'est Thiago Mendes, qui fait vraiment un bon match, qui est un peu au fourré au moulin parce que les deux autres n'arrivent pas à suivre le rythme des Marseillais et Thiago Mendes pour le moment il y arrive, c'est moins flagrant que le Tolisso. Ouais, Tolisso il n'y est plus du tout. Carton jaune sorti pour le Lyonnais sur cette nouvelle charge sortie par monsieur Jérôme Brizard. L'arbitrage pour l'instant, les garçons, dans ce grand match, bien. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment surprenant de voir Corentin Tolisso souffrir comme il est en train de souffrir. Je trouve pas ça surprenant parce que non, depuis le début, on le dit. Ça fait 10 minutes. Non, mais le rythme, il est pour l'instant, il est trop élevé pour lui. Et on le dit depuis le début de l'année, il est entre les pépins. On le sent un peu lourd même un peu dans ses courses. Moi, je trouve. Non, ouais, mais donc, même. Pas forcément. Je trouve qu'il a. Il a pris. Je sais pas si c'est en muscle ou. Mais il a pris. Bon, Marseille est. Ouais. Oh non, je pense que. Ça va revenir encore pour les Marseillais. Encore et encore. Corner, non, 6 mètres. Je repense tout à l'heure au petit dribbling d'Alexis Sanchez là-bas. Pouf, papa, ce qu'il aura fait. Allez voir ça sur la version clipping, on vous le rappelle. Frédéguin pour avoir 30 minutes de la rencontre en mode clip. Gratuit si vous êtes abonné Free. À moins de 4 euros si vous ne l'êtes pas. Tout opérateur confondu, vous allez chercher l'appli, elle est gratos bien pour avoir les buts et les résumés. Si vous voulez l'option clipping, c'est moins de 4 euros. Taliafico qui vient chercher un décalage, qui va le trouver, Cacré derrière. Ballon de Cacré au deuxième, Mendes qui remet de la tête dans la surface de réparation avec Lacazette qui va tenter de se retourner. 1, 2, 3, Marseillais autour de lui. Le contre est favorable à la défense de l'Olympique de Marseille. Avec Valentin Rongier pour ressortir, qui va essayer de jouer de sa technique parce qu'il n'y a que des Lyonnais autour de lui. Il n'y a pas de solution. Boum ! Le choc épaule contre épaule. Lâché, magnifique par Loukeba. Castello Loukeba qui est venu sur Alexis Sanchez et qui a fait le ménage, le numéro 4. Les deux, ils ont voulu jouer physique. Oh, Cacré. Est-ce que Laurent Blanc peut faire rentrer Jeffinho sur un match comme ça? Est-ce qu'il est encore trop tendre? Franchement, il peut le tenter. Là, franchement, il peut tenter parce que offensivement, c'est très pauvre. Pour pas dire autre chose. Mais je pense qu'il y a. Avant Jeffinho, il y a autre chose à faire, je pense. On arrive à l'heure de jeu. Cherki, première question, voilà, les garçons. Cherki, arrêtez. Premier temps de question. Marseille va s'imposer.
Rio. Oui. Oui. Non, moi, je pense que les Lyonnais sont capables d'égaliser. La touche est en faveur de l'Olympique de l'Olympique Lyonnais, pardon. Ça va être joué rapidement. Ballon, deuxième ballon rentré, voilà qui est, ça y est, rétabli. Mendes. Ah, ils sont un peu mieux, mais ils ont du mal vraiment à déstabiliser les Marseillais parce qu'il dit, il manque ce joueur. Alors, Cherki le fait, mais il manque ce joueur au milieu de terrain qui est capable de, même d'aller percuter un peu balle au pied et de faire courir un peu la défense marseillaise vers son but. Et Barcola l'a fait tout à l'heure, il faut des appels aussi. Ça manque d'appels. Ça manque de, voilà, le bloc marseillais est trop facile. Il gère trop facilement le bloc lyonnais. Bah oui, mais regarde. C'est les Lyonnais, ils sont tous arrêtés. C'est Thiago Mendes qui vient chercher le ballon dans ses 30 mètres et c'est Malinovski qui lui récupère le ballon. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est Thiago Mendes qui vient, Malinovski qui est sur lui. Donc ils sont un peu bas, les Lyonnais. Un peu bas, un peu. Regarde. Entre chaque ligne, il y a 30 mètres. Oui, il y a 30 mètres, exact. Que ça soit offensivement, défensivement. Cacré, très bas, pour venir lancer le jeu en première rampe de lancement. Et oui. Ça va être sur Thiago Mendes, mais une nouvelle fois, les Marseillais athlétiques, agressifs, comme l'a demandé Igor Tudor, et ça fonctionne pour l'instant sur le plan de Laurent Blanc. On recule, les gars, on recule. Laurent Blanc est agacé. Laurent Blanc ne trouve pas la solution. Ils viennent tous vers le ballon. Ça enferme le jeu. C'est passé par-dessus. Balerdi qui était troué. Et Issa Kabore, athlétique, qui va faire toute la défense pour aller soulager ses coéquipiers. Voilà, Kolasinac. Ça s'est passé. Pas de position de hors-jeu. Attention, le 2-0 pour l'OM. Centre, il est mal dosé. C'est mal joué. Jonathan Klaus. Il n'a pas le droit à ça. Ouais, il peut pas là, à ce niveau, il doit aller prendre ses responsabilités, fixer Lopez et frapper. Bien sûr, il est sur son alors, pied oui, droit. Il cherche son attaquant, il n'y a pas de souci, mais la force du gauche, mais là se tromper autant. Attention, pas le regretter quand même pour les Marseillais. Attention, ça va passer pour Lyon maintenant de l'autre côté. Cherki contre favorable, ça va être un corner. Corner pour Lyon. Aïe, Jonathan Klaus, il doit y penser. Il devait aller au bout, fixer mais et livrer. Surtout sur sa conduite de balle, il fait pour rentrer intérieur. Donc ça veut dire qu'il dans sa tête, je pense qu'il a envie de frapper. Mais au dernier moment, il a voulu la mettre. Le seul qui se réjouit parmi nous, logiquement, c'est Clément, notre ingé son qui est supporter de l'Olympique Lyonnais. Il se dit ouf, heureusement que c'est pas passé, va. Pancarte lâchée ici du côté des travées également. Textor 2 points, non à la reconnaissance faciale. Textor du nom, vous le savez, du nouveau propriétaire de l'OL. Le rachat avec Jean-Michel Aulas et sans doute une volonté dans les nouveaux passes, les nouveaux billets électroniques, de les caler ainsi avec des reconnaissances faciales pour livrer, alors qu'Alexandre Lacazette relance l'OL pour essayer d'aller chercher une position forte offensive. Ça sera un contre favorable, corner à suivre pour Maxence Cacré. On a repris sur le même rythme que le début de la première période. Ouais, les Lyonnais, hein, surtout qui sortent la tête de loin un peu, de souffrir pendant 15 minutes. Cherki devant lui pour la jouer court. Alexis Sanchez s'est mis à distance, c'est Hunder pardon qui était là. Ça va être lâché. Cacré au deuxième. Marseille qui ressort. Oh, bien joué ça, Alexis Sanchez. Le renversement de Sanchez directement sur Hunder. Et on est déjà dans le camp lyonnais. Avec Tolisso qui est à la réserve de Hunder. Hunder qui va défier, qui part vers l'intérieur. Petit ballon juste dans l'intervalle pour aller chercher Klaus. Là, Lovren. Ça ne passe pas. Bon, Lovren. Il a suivi, il a couvert. Et c'est bien défendu. Thiago Mendes, voilà. Qui demande le ballon, qui demande à aller vers l'avant. Et c'est le seul Lyonnais, c'est le meilleur Lyonnais depuis le début du match. Laurent Blanc, écoute bien les garçons, écoute-moi bien. Laurent Blanc, là ça fait 5 minutes que je le vois ultra agacé, mais ultra agacé. Aouar, il peut faire du bien aussi, s'il a envie, si c'est le bon Aouar. J'ai bien peur que l'intensité pour lui... Que ce soit pas le bon Aouar. Ouais. Ouais. Mais c'est le joueur qui peut avoir la passe juste, sur les coups de pied arrêtés aussi, il peut faire quelque chose. Alors, Tudor qui fait redescendre les siens, le long ballon.
de Lopez au plus loin, directement sur la tête de Dejan Lovren. Tolisso, second ballon sur Cherki qui va tenter de le contrôler, mais il y a du monde devant lui et du coup il va le perdre, à moins que Maxence Cacré, oui, il récupère avec Tolisso, mais c'est Tolisso qui le perd derrière. Eh oui, Tolisso, c'est ça qu'il doit garder, les ballons, c'est cette maîtrise qu'il doit garder. Il est revenu pour ça à Lyon, lui l'ancien du Bayern Munich, le cacique, au même titre qu'Alexandre Lacazette, le numéro 88, mais c'est perdu à l'avantage des Marseillais. Issa Kabore sur le côté droit, la volonté de Hünder de demander le ballon face à lui, Taliafico, repassé vers l'intervalle, voilà qui est joué avec Jordan Veretout. On va calmer un peu du côté de Marseille, on va calmer un peu. Hünder, décalage sur Rongier, centre de Rongier directement sur la défense de l'OL. Là, il faut, voilà là, qui il est faut fait. Devant, là, il faut aller devant là, les Lyonnais. C'est repris, c'est repris, c'est repris par Balerdi, c'est repris par l'agressivité. Alexis Sanchez, peut-être en position de frappe, ça sera contré. Ah, ils sont toujours premiers sur le ballon, les Marseillais. Ils en veulent plus, ils sont plus dynamiques. Bien sûr. Ils sont en train de, là, ils sont en train de rouler sur les Lyonnais. Là. Ils les bouffent. Ouais. Ils les bouffent, Rio. Les Marseillais sont en train de bouffer les Lyonnais. Ouais. La Cazette, il est agacé, mais il fait pas ce qu'il faut, lui non plus. J'ai perdu mon petit stylo, je crois. Non. Ah merde. C'est pas grave. Je vais le trouver. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ils sont en retard. Ils sont en retard, les Lyonnais, ils n'arrivent plus. C'est trouvé encore dans la surface. Et c'est repoussé comme on peut du côté de l'OL. Bien joué. Ah ouais, mais voilà, les Marseillais, ils font coup de sifflet, je bois un coup, les garçons. J'ai pas envie de dire des fautes intelligentes, mais voilà, ils mettent le petit coup qui va permettre à tout le monde de se replacer. Voilà, Kolasinac qui était arrière, stoppé en gauche, qui se retrouve attaquant de pointe, il se replace tranquille. Et là, les Lyonnais, ça joue arrêté. Voilà. Toujours Taliafico qui rentre intérieur. Mais ça prend des risques aussi, là, tu vois, les passes latérales, Rio. Ah ouais. C'est... Regarde Taliafico où il est. Il n'y a que lui qui tente. Lui et Thiago Mendes. Là, c'est que tu n'as plus de largeur du coup. T'as plus de largeur, vu oui, Taliafico, il rentre dans l'axe, donc forcément. Directement sur la tête de Balerdi qui a repoussé la touche. Elle sera marseillaise. Là, quand je vois qu'est-ce qu'on fait, les garçons, sur le banc? Qu'est-ce qu'on fait alors? Aouar, il doit rentrer et sortir. Ou Cacré ou Tolisso. Cacré ou Tolisso? Ouais. Dembélé là un peu. Et Dembélé. Secouer un peu la défense, ouais. Allez, secouer un peu la défense centrale de l'Olympique de Marseille. Allez, la touche, elle est marseillaise. Justement, Alexis Sanchez qui est venu chercher ce ballon à la demande d'Issa Kabore. Sanchez qui le récupère, qui passe Tolisso complètement. Je pense que c'est Tolisso qui va sortir, les garçons, parce que je pense que là, ça fait 3, 4, 5 ballons qui manquent complètement. Il est en train de passer à côté de cet Olympico. Ça va passer pour l'Olympique de Marseille. Valentin Rongier dans la surface, maintenant le décalage. Arrêt d'Anto Lopez. Énormissime, le gardien de l'OL. Sans lui, les garçons. Sans lui, pour l'instant, ça fait 3-0. Ouais, et je pense qu'Under, il va s'en vouloir. Il est sur son pied droit. Il doit être capable, même si c'est un pur gaucher, de l'appuyer beaucoup plus fort. Et là, il a. Lopez fait l'arrêt, mais il lui met quand même dans les bras. Il doit aller chercher la zone, la lever un petit peu, mais, mais en tout, encore une fois, là, c'est Rongier ou Veretout, je sais pas lequel, qui fait, Rongier. Pour s'emmener dans l'axe, et il lui décale. Sans conteste, meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais, Anto Lopez. Sans aucun problème. Il sauve les meubles pour l'instant, il permet à l'OL de garder l'espoir, parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. Et Tudor le sait, ça fait 1, 2, 3 occasions énormissimes. Et c'est le scénario qu'on connaît, hein. Quand on marque pas ce second but, on n'est pas à l'abri de se faire égaliser sur une erreur, sur un coup de pied arrêté. Et là, les Marseillais, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais attention, on ne va pas regretter toutes ces grosses occasions. Thiago Mendes avec Barcola, derrière lui, il y a une solution, repasse par Mendes, ballon dans la surface de réparation, Cherki qui va tenter de centrer, voilà qui est fait, corner. Bien joué. Corner pour Lyon. Voilà, dès que ça se projette un peu, ça libère un peu plus d'espace, mais ça manque encore d'entrain, les Lyonnais. J'ai l'impression que ça dort un peu. Corner à suivre. Cacré pour aller le frapper. C'est surprenant. Et Lopez se touche l'ischio depuis tout à l'heure. Ah oui, exact. J'ai vu aussi tout à l'heure. Bien joué. Ischio droit.
pour Anto Lopez. Attention, balle au deuxième. Il y avait Dejan Lovren qui s'est élevé. Palerdi du bout du crâne qui lui enlève. Barcola récupère au deuxième poteau. Ça va revenir encore avec Mendes. Ballon dans la boîte. La tête de Kolasinac pour repousser directement sur Tolisso. Allez, il faut un bon ballon là. Il faut un bon ballon de Tolisso. Ouh, au premier bon poteau. Ses manques depuis un petit moment. Laurent Blanc vient de lui dire « Allez mon bonhomme, allez !» Et de l'autre côté, Alex Lacazette, Lyon 1, Marseille 1. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait. C'est exactement ce qu'on disait, que les Marseillais, ils allaient regretter ce type de grosse occasion ratée. Et là, ça faisait 3-4 centres qui passaient devant le but. Et c'est ce dernier centre-là de Tolisso, fuyant qui passe dans le but, c'est Lacazette qui fait le à l'image de sa première action où il tacle encore, il la rabat bien. Et voilà, c'est peut-être contre le cours du jeu, mais ça fait un partout. Lacazette, il vient d'envoyer un point serré à Anto Lopez parce qu'il sait, il sait que lui, c'est l'homme clé là. Il sait très bien pourquoi. Il sait que sans Lopez, il y aurait déjà 2 ou 3-0 et que c'était plus le même match. Voilà, ça peut revigorer les Lyonnais. Et là, pour le coup, Tolisso, il met un super ballon. Très, très bon ballon. Là, ça va encore changer la limonade, les garçons. Ah ben là, avec le public. Là, ça va changer la limonade. C'est de l'Olympico. Avec les équipes de Frédéric Hunder, Isaac Aboré, le tacle de... On va laisser l'avantage jouer, bien joué Monsieur Brizard, bien joué avec Veretout, avec Malinowski, décalage pour Klaus, dans la surface, en retrait, Klaus il manque encore ça. Ouais. Klaus, là ça fait beaucoup trop là, il ne doit pas se tromper sur ses choix, il doit être précis. On parle d'un joueur international, il doit mettre le ballon au bon espace. Ah, ça fait deux fois là, c'est deux grosses situations qui doivent permettre à l'OM de au moins tirer au but et à chaque fois il se trompe dans ses choix. Alexandre Lacazette, 20e but en Ligue 1 cette saison, à 2 longueurs de Kylian Mbappé et 1 de Jonathan David du coup. C'est une grosse saison de Lacazette, très grosse saison. Ah, pour l'instant ils sont vraiment sauvés par leur colonne vertébrale, hein, que ce soit ah Lopez, ouais, complet, la passe complet. Décisive de Tolisso même s'il est moins bien et Alex, ouais. Complet bien sûr, ben, les vieux trois, quoi, les trois anciens, les briscards quoi, ce qui n'enlève rien au fait que là, pour moi Tolisso doit sortir hein. Mais c'est un super ballon qu'il met. Sincèrement, c'est un très bon ballon. Bertrand Lesage qui nous dit Lens finira deuxième. La patte Laurent Blanc nous dit GL. Nous sommes les Marseillais. En diffère. Il y a du Marseille encore qui veut y croire. Robinho qui merci Aurore pour la petite stade bien entendu autour d'Alexandre Lacazette. Laurent Blanc avec Igor Tudor, les deux hommes à 5 mètres l'un de l'autre. Les drapeaux qui ressurgissent du côté du Groupama Stadium. C'est magnifique. Très beau. C'est magnifique. Ouais. Vraiment, vraiment beau. Hein. C'est magnifique. Ça, c'est du beau foot. Ouais, vraie ambiance. Hein. Franck Passy, l'adjoint de Laurent Blanc, qui demande au staff, aux joueurs remplaçants d'accélérer. Il a appelé le petit Le Penant à aller en phase d'échauffement rapide à la demande de Lolo Blanc et de Passy. Le Penant à l'échauffement. Klaus. Alexis Sanchez. Décalage, c'est Marseille. Décalage, boum, attention, on est resté en place. La frappe dans la surface. Anto Lopez. Ah, il est en train de faire Tudor a explosé une bouteille d'eau. Il est en train de voir Anto Lopez. Il est sorti comme une bête dans les pieds d'Alexis Sanchez. C'est un match 5 étoiles. Il est en train de faire un drôle de match, Lopez. Vraiment.
Laurent Blanc qui appelle son staff, qui appelle coach Passy. On va discuter des changements à venir. Ballon au deuxième poteau à la faveur d'Alexandre Lacazette qui va faire l'effort devant Caboret. Tac, le glissé. Le ballon est à l'avantage des Marseillais. Et là, Tudor, il doit bouillir. Il doit bouillir parce qu'il sait qu'il a eu ces balles de 2-0 qui auraient changé le cours du match. Et là, vraiment, contre le cours du jeu, voilà, il y a égalisation des Lyonnais. Et là, il peut même tout perdre. Donc. Ouais, forcément, balle il se pose deux, des questions. Balle de 3, balle de 4, ils en ont eu des ballons. Et la dernière, juste avant l'égalisation, elle est énorme de Under. Énorme, elle est. Kolasinac. Avec Klaus. Discussion, Laurent Blanc, staff. Ouais. On réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Le penant, les garçons. Je pense qu'il doit hésiter avec Cherki, je pense aussi. Et c'est un de ses trois milieux, mais parce qu'il a besoin de travailler physiquement. Et on sent quand même que Marseille, dès qu'ils accélèrent, ils peuvent vite se procurer des situations. À tout moment, les contrer. Tagliafico qui vient de faire une petite séance d'adducteur là. Je reste quand même un peu déçu du match de Cherki pour le moment. Voilà de l'agressivité qui semblait intéressante de la part de Lyon pour aller chercher. Mais elle est un peu trop agressive. Ouais. Selon Monsieur Brizard. Ouais, la Cazette qui est un petit peu par derrière là. Ouais, ça leur a fait du bien aux Lyonnais quand même. On les voyait un peu trop subir sur cette seconde période. Laurent Blanc qui a également appelé Kassapa. La Cazette qui n'a jamais fait ça, qui n'a jamais fait une course de 30 mètres pour aller presser le gardien. Tolisso du coup qui a repris du poil de la bête, les garçons. Ouais. Je pense qu'il lui a fait du bien. Il va y avoir un triple changement du côté de Lyon. Changement. Il y a du Malo Gusto, il y a du Le Penant qui se prépare. Jeffinho. Et du Jeffinho. Interception Lyon, on ne voyait plus ça. Cacré, décalage Tolisso. Et si Lyon renversait la vapeur? 75e minute, ballon sur le côté droit. Intervalle dans la surface de réparation. Cacré qui va peut-être se retourner. Il est au sol, Marseille récupère. Il doit enchaîner plus vite, Cacré. C'est un super ballon de Barcola dans la course. Ouais, sur son pivot, il doit vite trouver la solution. Ouais. Sur son contrôle, il doit pouvoir se retourner. Sanchez. Qui va chercher la barre, boum, dans l'étau, Under, mais le deuxième ballon est trouvé, Veretout, accélération dans la surface de réparation, peut-être pour passer, Diomande. Moi j'aime pas ce genre de faute, parce que là, il joue que le ballon, et Diomande il se couche déjà, alors qu'il n'a même pas touché. Il doit s'en tirer là. Le penant, Gusto. Et Jeffinho. Les trois hommes se préparent, les numéros 27, 24, 17. Jeffinho peut-être à la place de Cherki. Boum! Hors-jeu. Aïe. Ça va repartir pour les Marseillais. On est resté au sol du côté des Lyonnais, mais on fait fi, bien évidemment, du côté de l'Olympique de Marseille avec Alexis Sanchez. C'est Anto Lopez, les garçons. Anthony Lopez. Incroyable. Exceptionnel. Qui enlève ce ballon. Intervalle, main droite qui part sur la barre et qui enlève ce ballon pour empêcher les Marseillais de reprendre l'avantage. Là, faut lui faire la statue parce qu'il est héroïque. Quel héroïque qu'il fait. Ah ouais, il fait une parade extraordinaire encore une fois. Et Alexis Sanchez, il est encore une fois d'une intelligence parce qu'il patiente, il trouve la bonne passe. Dans le bon timing pour Klaus. Et Klaus, je pense que pour le coup, là, il fait ce qu'il faut. Et après, il fait une parade exceptionnelle, Anthony Lopez. Après, si on veut chipoter, on peut dire que Klaus, il doit la remettre d'où elle vient, parce qu'on dit souvent ça. Mais là, pour le coup, voilà, il arrive à 200 à l'heure. Il arrive à 200 à l'heure, lancé. Il joue bien le coup. Le corner est assuré pour les Marseillais. Ça va être un pied gauche rentrant sur la cage de Lopez qui est extraordinaire. Une statue ici peut-être au Groupama Stadium pour l'homme en jaune ce soir. Exceptionnel. Le capitaine de l'OL qui sauve les meubles, qui sauve la baraque, qui a gardé Lyon en vie, qui a permis à Lyon de revenir, qui va peut-être sauver Lyon dans ce match. Le corner est lâché au premier poteau. C'est repoussé par la tête de Thiago Mendes. La touche sera marseillaise. Il va y avoir les changements ou pas? Les trois changements.
La touche de Hunder. Appel devant lui de Malinowski. Ça sera patienté. C'est joué. Issa Kaboré, repris. Cacré, touche marseillaise. Kaboré, décalage trouvé. Le centre de Kaboré, ça sera contré, ça va revenir pour les Marseillais. Alexis Sanchez, pied haut. Pied haut là. Et ouais, pied haut sur la tête de Cacré. Tudor, il va devenir fou les garçons, parce que là. Parce que là. Et là, ça reste comme ça, c'est un sentiment de défaite. Hein, ah, mais. Je peux vous dire que du coup, ça va être compliqué d'aller lui poser une question sur Chancelet, même moi, pas possible. Là, c'est no way. Vu le scénario, là, c'est no way. Je pense qu'on va aller direct sur une question sur Anto Lopez. Oh. Ouais, pour le calmer un peu. Ouais, voilà, Cherki qui sort. Monsieur Brizard qui calme un peu tout le monde au milieu. Ouais. Cherki va sortir. Balardi et la Cazette, ça change. Et la Cazette. Il est bon, Brizard, là, ce soir. Là. J'aime bien ce que fait Jérôme Brizard. Sanchez dit, allez, stop. On arrête de parler là. Gusto, Cherki. Il y a Djumande qui. Qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas. Djumande, il sait pas. Reviens, Cherki. Et sort Thiago. Je crois que c'est Lolo Blanc qui demandait exactement quels étaient les changements. Il appelait son staff pour voir si les messages avaient bien été passés. Qu'est-ce que c'est ça? Il est déjà sorti, il peut rentrer. Oui, Jeffinho, il peut rentrer. Le dernier, c'est éventuellement Diomandé avec le penant. Mais qu'est-ce qu'il fait l'arbitre de touche? C'est bon, il est sorti l'autre. C'est Gaël Angoula, là, justement le quatrième arbitre qui doit driver ça là. Il y a un petit problème de troisième sortie. Et oui, parce que vraisemblablement, le message passé sur le panneau d'affichage n'était pas le bon, ou en tout cas pas transmis. Ok, oui, là, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Donc le changement, finalement. Rectification sortie de notre numéro 26, Bradley Carpola. Ok, donc Tolisso reste sur la pelouse. Mal Augusto est allé se mettre là-bas, on est d'accord, à la place du petit Barcola. Le penant est entré. À la place de Thiago. On est OK à la place de Thiago et Jeffinho est entré à la place de Cherki. Ouais, c'est on est OK. Surprenant Thiago Mendes qui faisait un très bon match. Ça, on pourra lui demander à Lolo. Il a dû sentir quelque chose. Hein. Il en rigole avec son staff Lolo Blanc parce que je pense qu'il y a eu une mésentente là sur les numéros passés et sur les changements qui devaient être opérés. Il y a eu trop de numéros entre les rentrants, les sortants. C'est clair. Restez avec nous, n'oubliez pas à la fin de ce match, n'oubliez pas toutes les interviews à nos micros et ensuite en capsule sur les différents réseaux sociaux Free Ligue 1, juste pour vous. On est à la 81e, un but partout. Ce match est loin d'être terminé, très loin d'être terminé. Et c'est un retour depuis très longtemps, Mal Augusto. Ouais. Ah oui. Ouais, elle est un peu perdue. Je crois qu'il avait disparu depuis. C'était le mois de février. C'était en Coupe de France contre Lille. Ouais, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur lui. On savait pas où il était, où il se soignait. Vitinha va entrer du côté de l'Olympique de Marseille, les amis. Lui qui avait. Convaincu là, ces derniers temps, Igor Tudor, depuis la trêve internationale où il avait marqué avec les Portugais les espoirs. Il a marqué depuis un doublé lors de la dernière victoire de l'Olympique de Marseille et Igor Tudor va compter sur lui pour enfin faire tomber le géant jaune qu'est Anthony Lopez, le dernier rempart de l'OL qui pour l'instant tient la baraque. Ah, bien joué ça. Lovren, décalage à droite, c'est trouvé. Boum, Mal Augusto qui est allé chercher son premier impact là-bas sur Klaus. Ça passera. Attention à l'intervalle pour les Lyonnais. Intervalle, la frappe. Elle n'est pas cadrée, Jeffinho.
Ah, par contre, ça a mis de la vitesse avec le ballon. Sortie de Malinovski, entrée de Vitinha. Les Marseillais, ils ont vite reculé, je trouve. Ah, c'est un vrai show offensif là de. Ah ouais, clair. Il veut vraiment aller gagner ce match. Ah, il faut le gagner ce match. Hein. Des deux côtés. Ok, trop offensif. À plat avec Vitinha en axe. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Under droite, Alexis gauche. Bon, alors là, c'est le tout pour le tout, les amis. Là, il envoie le couscous. Ouais. Là, il envoie à tout va. Laurent Blanc a envoyé. Ça va dans tous les sens. Allez, on y va. Balerdi par-dessus pour aller chercher justement le premier ballon de Vitinha. Poitrine, il le garde ce ballon. Chewing-gum. Il est passé contre-favorable, mais derrière la couverture. Impeccable. Ah, s'y attendait pas, Talia Fico là. Ouais, il s'y attendait même pas du tout. Vitinha qui avait tenté le petit passement de jambe. Ça ne passera pas sur la position de Luqueba. Anto Lopez par-dessus. Colasina, c'est costaud. Hein, quand même. Ouais, très costaud, match, très costaud. Il très fait un costaud. Bon match, beaucoup, il fait un bon match aussi. Bah, les trois derrière, hein, même si. Couverture de Lovren. Le trentenaire, qui lui aussi est revenu à Lyon, on le sait, pour apporter le cacique. Le ballon n'est vraisemblablement pas sorti. Au grand dame de Igor Tudor, qui pensait voir la courbe de ce ballon sortir de l'air de jeu. Gaël Angoula qui rappelle le coach marseillais dans sa zone technique. Marseille en attendant sur l'air de jeu, qui repart à l'attaque. Alexis Sanchez par-dessus pour Balerdi. 84e minute. Devant lui, Jeffinho. Yeah. Ça va passer directement sur Under. On est à droite. On va aller chercher Vitinha, le contre est-il favorable, il y aura une faute de Vitinha. Question les garçons. Qui gagne ce match 58 000 personnes. Qui gagne? Qui gagne? Comme ça. Qui gagne? Moi j'ai dit que Lyon égalisait. Marseille pour Rio. Lyon pour Jus, c'est bien, pas de match nul, j'adore. Allez, pas de match nul. C'est bien, il faut des buts. C'est passé par-dessus. La tête de Valentin Rongier. Chandelle vers Vitinha qui manque sa transmission vers Under. La bonne sortie du côté de l'Olympique Lyonnais. Directement sur Jeffinho en couverture. Il est dos au but. Il va s'appuyer derrière lui. Bien joué. Ça va revenir sur Lovren. Rond central avec le penant qui a évité tout de suite l'étau. Les Lyonnais vont essayer de conserver maintenant pour trouver la moindre faille. Igor Tudor qui attend encore un énième changement peut-être. Du côté de l'Olympique de Marseille. Trouver la faille. Ballon par-dessus, Taliafico est au sol, le coup franc est pour Lyon. Caboret là qui fait une faute inutile. Il l'a balayé. Oula. Cacré. Oula. Attention, Cacré, poursuivi. Attention à la pression des Marseillais. Attention à ce ballon. Tolisso, le penant, Cacré. Voilà techniquement, c'est comme ça qu'on doit sortir du côté de Lyon. Ballon loin devant, il y a trois Lyonnais devant, trois Marseillais devant. Oui, bon. C'est du coup pour coup. Ballon à gauche, Jeffinho est passé. Peut-être pour mettre ce ballon dans la boîte. Avec un pied droit pour revenir en retrait. La frappe. Lopez sur la trajectoire de ce ballon de Malogusto qui était au point de pénalty. Service pied droit, Jeffinho. Instance de Malogusto, c'est pas assez appuyé, c'est pas assez dirigé, c'est sur Lopez. Ouais, c'est un peu précipité. Hein. Ouais. Bien joué de la part de Jeffinho là. Oh là, il a un super ballon en retrait. Oh là, je pense que Malogusto se précipite trop vite. Il n'a pas l'habitude d'être dans cette situation et il met un intérieur trop sur Lopez. Mais après. Il a manqué de tout, de puissance, de précision. Mais Jeffinho, il fait une bonne rentrée quand même. Hein. Il apporte de la percussion, de la vitesse. Jeffinho, dont l'une des premières missions a été de faire de la muscu. D'ailleurs, Laurent Blanc a dit à son sujet, quand il est arrivé, il s'est demandé au début s'il n'avait pas signé dans un club de fitness ou signé dans un club de foot. Exact. Taliafico, le centre de Taliafico, deuxième. Lopez qui s'est détendu devant sa défense centrale, qui prend ce ballon. Autoritaire là, Lopez. Ouais, là, il est rentré. Il a été. Il y avait Jordan Veretout sur la trajectoire. Lopez est venu se heurter à Veretout.
Rongier qui vient dire à Verretou, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est dans le jeu, il faut qu'on tienne, il faut qu'on aille chercher. Lopez qui envoie loin devant, Lacazette qui demande à ce que ça dégage. Monsieur Brizard qui regarde le gardien, voilà le gardien marseillais qui dégage au plus loin. C'est à destination de Alexis Sanchez. Le choc avec la défense, le coup franc sera marseillais. Igor Tudor n'en peut plus les garçons. Il n'y a pas grand monde qui... Tout le monde retient son souffle. Ça peut craquer dans les deux sens. Dembélé, non. Coup franc pour Marseille. 88e minute. Coup franc pour Marseille. Restez bien avec nous les dernières minutes. En ce moment, en Ligue 1, regardez Nantes qui a égalisé à la 96e. Allez voir ce but sur l'app, c'est complètement fou. Igor Tudor qui est dans le jeu. Gaël Angoula, le quatrième arbitre, qui lui l'incite à sortir de l'aire de jeu. Le coup franc est lâché par les Marseillais dans la boîte. Avec ce deuxième ballon récupéré peut-être. Main réclamée, main obtenue. Coup de sifflet de Monsieur Brizard. Et voilà, on va essayer d'aller chercher les Lyonnais. Issa Kaboré, coup de boule. Récupération lyonnais, Malo Gusto. Il n'arrive pas à transmettre ce ballon. Jonathan Clauss, extérieur du pied droit pour aller chercher l'appel au plus loin de Vitinha. Tacle de Lovren dans les pieds du Portugais. Ça revient pour Marseille, Verretou. Rongier. Verretou. Poursuivi par Le Penant. Au milieu de terrain, repris par le numéro 24 de l'OL, qui transmet à Cacré, qui transmet à Tolisso, qui remet maintenant sur Alexandre Lacazette. Décalage à droite sur Le Penant. À gauche, il y a Taliafico qui va monter. Au centre, il y a du Lacazette. Ça va passer à droite peut-être ? Non, ça va revenir. Le Penant qui va récupérer. Lyon doit faire le tour. Lyon doit refaire le tour. Le Penant. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Très certainement, à la demande de Gaël Angoula et de Monsieur Brizard, j'en voyais plus. Ouais. Ah oui, clairement. On va voir ce qu'il en est. C'est pas encore affiché officiellement. Seul. Mauvais ballon transmis par Cacré, ça passera pas. Rond central Tolisso. Il n'y a pas de vainqueur, les garçons. C'est deux perdants, là. C'est deux perdants, là. C'est deux perdants, là, qu'on a. C'est deux perdants qu'on a. J'ai envie de dire encore plus côté Marseille. C'est deux perdants qu'on a. C'est Lens qui se frotte les mains pour les batailles Ligue des Champions. Et c'est les clubs devant Lyon, vous le savez, à la chasse à cette 5e place synonyme de Conférence Ligue. À la bataille avec Rennes qui a été battu. À la bataille avec Lille également qui a fait match nul. 2 minutes, je vous l'avais annoncé. J'avais vu les deux doigts de Gaël Angoula. Ça me paraît peu. Mais le spectacle est là. Il reste encore 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes pour faire la différence. 120 secondes. Ah, bien joué ça, bien sorti. Alexis Sanchez, extérieur pied droit, dans le dos de Vitinha. Alexis qui fait l'effort, qui va récupérer, peut-être écarté jusqu'à Issa Kaboré. Il préfère repasser par-dessus, la tête en retrait, sans problème. Très bien défendu. Beaucoup de sang-froid. Tête en retrait. Pour information les amigos, mon aurore également information, puisqu'on est à bonne distance du terrain de jeu, on ne va pas couper le son, on restera avec toi Matibol pour commenter, même au coup de sifflet final, on va rester avec toi jusqu'au terme de cette rencontre. La frappe lyonnaise, Jefinho, à droite du cadre en regardant la position du frappeur. C'est bien, au moins voilà, il a amené un peu de folie Jefinho dans sa rentrée, c'est ce qu'on lui demande aussi. Il n'y aura sûrement pas de vainqueur. Un match comme ça, ça doit être rageant pour les deux. Je pense que c'est bien payé quand même pour les Lyonnais, pour les Marseillais, un goût de défaite. Hein. Alexis Sanchez qui a trouvé le décalage. Issa Kaboré, c'est peut-être l'un des derniers ballons. Entrée au deuxième. Le contre-son-camp. But de l'Olympique de Marseille. Contre-son-camp de l'Olympique lyonnais. La folie s'empare du bon Marseillais. Igor Tudor exulte. Il
vient de faire le break. Ouais, là vraiment, vraiment contre, pour le coup, autant l'égalisation lyonnaise était contre le cours du jeu et autant là le but marseillais, où on les voit, on ne voyait plus comment ils allaient pouvoir marquer, on se dirigeait vers ce match nul, mais ils y ont cru jusqu'au bout. Et là sur ce dernier débordement de Caboret, il y a ce centre qui est dévié déjà au premier poteau et au second, voilà, sur un ballon renvoi, le CSC du Lyonnais. C'est terminé. L'Olympique de Marseille s'impose ici à Lyon. Marseille ne s'était plus imposé depuis 15 ans. Depuis 2007, avec Mamadou Niang, auteur du doublé, permettant aux Marseillais de s'imposer. Ce soir, Marseille s'impose 2-1 sur le même score qu'il y a 15 ans, avec un but malheureux contre son camp de l'Olympique Lyonnais, les garçons. Première réaction à chaud. À chaud, j'ai envie de dire que... Lyon méritait pas ça, voilà. Lyon méritait pas ça, une fin de match comme ça dans les dernières secondes, prendre un but contre son camp. Anthony Lopez ne méritait pas ça. Anthony ouais. Lopez ne mérite pas ça. Après, on peut pas renier le fait que Marseille est allé au bout du bout et a espéré passer devant l'Olympique Lyonnais tout le long du match, prendre l'avantage. Ils ont eu le 2, le 3, le 4-0 et au final, eh ben, ça sera un petit 2-1 mais qui leur fait vraiment du bien, je pense, dans la tête. Rio. Ouais, c'est... J'allais dire bravo aux Marseillais. Bravo aux Marseillais parce que avec ce scénario, c'était dur d'aller la chercher et encore plus avec cette égalisation lyonnaise. Je pense qu'ils ont le mérite vraiment d'y croire et c'est, j'ai envie de dire, c'est une victoire comme j'ai dit tout à l'heure à mi-temps, c'était une mi-temps marseillaise et c'est une victoire à la marseillaise. Ils y mettent du cœur, ils y mettent des courses, ils y croient jusqu'au bout. Après c'est sûr que c'est dur pour les Lyonnais mais sur l'ensemble du match je pense pas qu'ils méritaient plus parce que c'est un grand Anthony Lopez, le score aurait pu être bien plus lourd. Tudor, il donne tout, il a donné parka, maillot, t-shirt, il a tout donné. Ah ouais, là, il est on fire, Igor Tudor. Il est on fire. Il s'accorde avec nos confrères, avec Thierry Henry. On va descendre. Venez, les garçons. Merci. Alors... Et donc le CSC, c'est nécessaire. On nous entend, je pense, Mathy Boltin. Ah, ouais, juste pour vous dire que le CSC est de Malo Gusto, apparemment. Ok, ça marche. Merci parce que je l'avais pas vu. On va suivre Clément qui est avec nous au son. Andalou comme moi. Ah, merci. Merci. On est en place, on est descendu. On va se mettre en place au bord. Quel match de dingue. La joie des Marseillais, on voit les Lyonnais, on voit Anto Lopez, le malheureux. Parce que franchement, il a fait un match. Il a fait un match, Anto. Prendre un but comme ça, c'est... Deux dingues. Il se tient hein, derrière à la cuisse droite. C'est complètement fou. Ah, c'est... Tu vois ? Ça va, Chancel ? Chancel Mbemba qui vient nous saluer. Oui. Magnifique. Tout le monde a... Ok. J'ai toujours un bien précieux pour toi de sa part. Hein. Passe-nous voir. À passer devant nous, il y a Valentin Rongier qui est là-bas. Il y a Jonathan Clauss qui est là également. Les Lyonnais abattus, logiquement. C'est normal. Les Lyonnais. Logiquement. Vitinha. C'est normal. Les deux équipes ont tout donné. Papin, j'ai tout. Il y a Jean-Pierre Papin qui est là. Je vais choper Jean-Pierre. Non, il va saluer Thierry Henry là-bas.
Quel match de dingue. On va se mettre en position les garçons. On va se mettre à l'intérieur. Alors il va, Jean-Pierre va être un peu avec nos copains de Prime sur 2 minutes. Il a dit d'accord, donc vu la victoire, ça se comprend. Waouh. Est-ce que tu nous entends toujours, Mathy Bolt? Oui, je vous entends. Alors, il y a quelques petites coupures de son le temps que vous installiez, donc n'hésitez pas. Vous êtes avec nous dans quelques instants, les réactions des entraîneurs et des joueurs de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille. C'est donc Marseille qui s'impose in extremis sur le fil, sur le terrain de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez en bas de votre écran donc le Groupama Stadium qui est en train de se vider. Le bord terrain se fera donc au pied de la pelouse. Vous aurez Igor Tudor, vous aurez Laurent Blanc, vous aurez quelques joueurs. Là, on a Rio, Jus et Alex qui sont partis s'installer. Alors, quels sont les enseignements pour vous sur le chat? On vous lit de cette journée et de ce match. Déjà, Marseille, du coup, qui récupère sa deuxième place. La lutte avec Lens promet d'être belle jusqu'à la fin de la saison et d'ores et déjà jusqu'au 6 mai avec ce Lens-Marseille qui promet. On a Lyon. Est-ce que pour vous, Lyon a dit au revoir à toute chance de compétition européenne, même si mathématiquement, ça n'est pas encore défini, mais Laurent Blanc avait parlé de joker qu'il ne fallait pas griller. Que pensez-vous aussi du classement de fin de tableau, parce que ça va être assez chaud pour la dernière place pour descendre a priori. Voilà. Alex, est-ce que tu nous entends? Oui, très bien. Est-ce que tu nous entends bien, toi? Est-ce que vous nous entendez bien? Là, je pense que c'est bon. Là, tu nous entends bien? Moi, je t'entends bien. Voilà, parfait, on est en place et on est dans cette... Vous n'êtes pas sur le bord terrain. Zone flash. Non, voilà. Ça y est, zone flash, ça y est, prêt à engager les premiers échanges avec les réactions au sortir de ce match complètement dingue. Complètement dingue, hein. Et exactement dans le scénario que nous avions finalement annoncé, hein. Ouais. Avec une fin malheureuse dans l'issue et dans le dernier déclencheur. Mais finalement... Ouais, ouais. Si on prend tout le recul, voilà, c'est ce qu'on avait annoncé. C'est mérité. Et malheureusement, Gusteau, il n'a pas de chance parce qu'il a l'occasion de donner la victoire à l'Olympique Lyonnais. Et derrière, il marque ce but contre son camp. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est mérité pour les Marseillais. Même si les Lyonnais se sont battus avec leurs armes et ils ont été capables de chercher l'égalisation. Mais ils n'ont pas fait suffisamment pour espérer autre chose. Donc ouais, victoire... surprenante à la fin des Marseillais, mais logique sur l'ensemble du match. Valentin Rongier qui vient de passer, il n'en peut plus déjà, il est exténué. Comme Kolasinac, le défenseur central, qui a fait un très gros match. Très gros match. Très gros match. Très gros match. Très costaud. Ouais, très costaud. Il est costaud d'ailleurs. Il est costaud d'ailleurs. On va se décaler un tout petit peu sur notre droite. Voilà qui est parfait. Monsieur Jean-Pierre, viens me dire un mot, viens s'il te plaît, viens me dire un mot. Allez, viens me dire un mot. Tu étais obligé de venir me dire un mot là. Ça va mon Jean-Pierre? Oula, elle est belle celle-là. Elle est importante. Ouais. Oh, celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle parce qu'hier avec la pression des Lensois, ce scénario de fou furieux. Non, mais aujourd'hui on a vu un beau match de foot surtout. Un gros match de foot, deux belles équipes où il y avait un classement qui était deuxième, cinquième, mais qui reflétait pas grand-chose. C'était deux grandes équipes de notre championnat. Après ça joue sur un détail. On a deux trois occasions pour les punir avant. On le fait malheureusement pas. On faille prendre un but derrière. Mais le scénario, il est juste magnifique, quoi. Je veux dire, tu marques à la 92e, l'arbitre, il remet pas en jeu, voilà. Pour nous, c'était important de prendre 3 points. On était venu pour essayer de moins de ramener quelque chose, parce qu'on savait que Lens, hier, avait fait un gros match contre Monaco. Aujourd'hui, voilà, on a pris un peu d'avance sur Monaco, on reprend notre seconde place, et puis je pense que le coach, il a fait un boulot super cette semaine. Intensité, agressivité, c'est devenu une marque de fabrique de l'OM, ça, hein. Dès les premières minutes, paf!
on va chercher pour vraiment prendre l'adversaire et faire et l'usure. Ouais, mais c'est la philosophie du club de cette année. C'est notre organisation qui fonctionne. Alors certes, elle est énergivore, mais on est tellement bien payé aujourd'hui que finalement, c'est pas grave. On peut courir encore longtemps. Tu es fatigué toi aussi ou pas, Jean-Pierre? Oui, je suis fatigué de regarder. On a vu Igor partir à la fin en folie. Hein. Il a jeté le survêt, il a tout jeté. Hein. Ah, le coach fait ça doit boulot, lui faire du bien. Non, ça. Sincèrement, le coach fait un boulot extraordinaire depuis le départ. Là, les joueurs aujourd'hui, ils ont le cas derrière lui. Ils ont respecté à la lettre les consignes et on est payé à la dernière seconde. On est ravis ce soir. Bravo. Merci. Bravo beaucoup. Jean-Pierre et merci d'avoir eu cette disponibilité. Avec plaisir. Vraiment. Salut. Au revoir. Merci. L'ADN, vous avez entendu ça? L'ADN, c'est l'ADN, ouais, l'agressivité, l'intensité, c'est ça qu'on veut cette année. C'est Tudor qui l'a amené. C'est fou, ouais, ça. C'est Tudor qui l'a amené, ça. On va pas parler trop fort maintenant, en respectant bien évidemment le cahier des charges de chacun. Nos confrères à nos côtés de Prime avec Samuel Gigot. Et puis on va orchestrer ensuite tous ces entretiens. C'est Samuel Gigot qui sera avec nous d'ailleurs dans un instant. On va pas parler trop fort, ok? Parce que là, on est vraiment collé. Hein. Jonathan Clauss qui vient de passer devant nous. Oui. Pap. Anto Lopez qui devrait nous rejoindre. MVP tout court. Mais il n'y a pas... Quel match? Il n'y a pas... Il n'y a pas un joueur qui est au-dessus. Là. Pourtant, Sanchez a fait un gros match. Hein. Mais... Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Lopez, c'est un cran au-dessus. Là. Si c'est pas Lopez. Oh, le MVP, je le mets toujours chez les gagnants. Ouais. Chez les gagnants? Ouais. Ouais. Alors, tu mets qui? Sanchez, je pense. Ouais. Parce que même sur la dernière action, c'est lui qui est à l'origine, c'est lui qui fait le décalage. Ouais. Il y croit, quoi. Il y croit ouais, tout le temps, mais bon. Hein. Non, mais Lopez, il a fait un match exceptionnel. Ouais, mais... Si c'est pas. Mais il a pas fait gagner son équipe. Bah, tu fous. Attends, déconne pas quand même. Non, il a pas fait gagner son équipe. Bah, non, mais bon. À un moment donné. Il fait ce qu'il faut. Déjà, je repense à rien qu'il y en a un paquet, mais celle de Clauss. Quand il arrive, Clauss, il arrive à 2000 à l'heure, côté opposé, qui va chercher main opposée pour la mettre sur la barre. Rien que celle-là, déjà, elle est extraordinaire. Les photos, elles sont belles. Sur le but d'Alexandre Lacazette, sur cette égalisation. Persiste et je signe, il y a des joueurs qui sont plus à leur niveau côté lyonnais. Ce soir ça a manqué de beaucoup de choses côté lyonnais pour repartir avec au moins un point. Le président de Marseille en face. Qui doit être content. Tenter. Samuel qui est là. Samuel, un petit mot, on va pas te déranger longtemps. Tu vois ? Merci infiniment de cette disponibilité. Tiens Samuel, vas-y, je t'en prie. Waouh. C'est ça Marseille, non ? C'est ça l'agressivité, c'est ça l'intensité, on en parlait à l'instant avec Jean-Pierre Papin. C'est ça Marseille cette saison, c'est ce match-là. Ouais, je pense qu'on est passé par toutes les étapes dans ce match. On a mal commencé, après on s'est un petit peu remis dans le match, on a fait le dos rond, en plus on marque ce but. Après c'est vrai que le début de deuxième mi-temps elle est un petit peu compliqué aussi, mais ils égalisent. Mais ensuite voilà, on n'a pas lâché, on a eu pas mal d'occasions. Et c'est vrai que le dénouement à la fin avec ce but à la dernière seconde, pour nous c'est exceptionnel, surtout de gagner ici. Mmh.
On connaît la tension qu'il y a entre les deux clubs, donc on est très heureux, très très heureux de gagner face à cet Olympico. Les garçons, avec Samuel. Toi, perso, t'as vu à deux doigts de sortir au début du match, il s'est passé quoi? Non, je suis pas sorti, c'est que j'avais le doigt qui était déjà un petit peu abîmé, je sais pas, sur un contact avec la casette, et ça, j'ai entendu craquer direct. Craqué? Ouais. Ah d'accord. Bah, après, c'est mieux que ce soit un doigt de main que de pied. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, juste demander comment vous sentez physiquement, parce que vous avez un jeu, vous êtes tout en train de courir, vous êtes en 1 contre 1 sur tout le terrain, même pour vous les défenseurs, en plus on vous voit quand même partir offensivement, ça va être quand même assez compliqué. Ah c'est très dur physiquement, je pense qu'on le sent aussi avec les derniers matchs, mais là ça va être tout au mental. C'est celui qui en veut le plus qui va y arriver, et je pense qu'on est prêt à tout donner jusqu'à la fin, et on va prendre match après match, et essayer d'aller garder cette deuxième place. Avec un beau rendez-vous à Lens bientôt aussi, toi là. Ouais, bien sûr, mais il y a d'abord un match très important pour nous dimanche face à Auxerre, ouais. À la maison, ouais. Et donc faut gagner. J'ai une dernière question, souvent on vous voit, bon, c'est souvent toi, avoir une espèce de dépassement de fonction, c'est-à-dire que tu prends le ballon et quand c'est bloqué, on te voit toi prendre le ballon et faire 30-40 mètres, est-ce que c'est le coach qui le demande ou est-ce que c'est vous dans la tête qui vous dites bon... Après c'est surtout les centraux sur les à gauche et à droite. C'est vrai que des fois ça m'arrive de permuter avec aujourd'hui c'était avec Léo, c'était aussi par rapport au positionnement de Cherki qui décrochait énormément. Donc moi vu que je suis resté un petit peu avec la casette, c'est vrai que en position d'attaque je me retrouvais un petit peu à droite. Donc dès qu'il y a des opportunités, il veut qu'on y aille pour faire ce dépassement de fonction. Mais bon après c'est compliqué parce qu'il faut revenir. surtout qu'on est un contre un derrière, donc on n'a pas le droit de se louper, mais. C'est bien, ça fait travailler. On est prêt. Sam, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Et bravo pour cette victoire et bon merci retour. À toi. Salut Samuel. Ciao. Dépassement de fonction, c'est vrai. C'est une question que j'ai trottée dans la tête depuis le début de la saison. À chaque fois, bon, c'était souvent lui, hein. Lui ou Chancel. C'est vrai. Bon, là, pour le coup. Pour le coup, tu peux lui poser la question, là. Igor. Oui, sur la joie maintenant, oui. Oui, maintenant sur les fusions de joie. Mais bon, il va me le botter largement en touche. Autant que pas gaspiller de cartouches, je pense. Ouais, il va me la botter largement en touche. Autant il y a un nul, un mauvais résultat, tu peux. Mais là, je pense que. Je pense que. On va voir comment on le sent. Bon, il a fini, il était autant transpirant que les joueurs. Ah, ça doit être frustrant. Pour lui, si ça finissait un partout avec toutes les occasions qu'il avait eues, il était fou. Et Malo Gusto, malheureusement, tu l'as dit Rio, hein, il a cette balle de 2-1. Et au final, moi j'ai pas revu le but, mais c'est du genou, ouais. Du tibia. Oh, coup du sort. On vient de voir passer aussi Eric Bailly qui est là. Défenseur central de l'Olympique de Marseille. Cela aura été une saison compliquée pour Eric. Hein. Ouais, franchement, très compliqué parce qu'il avait bien commencé. Et après, pépin physique, carton rouge, ça a fait qu'il n'a pas pu enchaîner. Et surtout, les autres ont été très performants derrière. Donc, oui, il s'est oui. rendu moins indispensable. Ouais, et puis, quand il a joué, il n'a pas non plus été exempt de tout reproche. À chaque fois, tu parles du carton. Après, il a joué là, il n'y a pas longtemps où il est passé complètement au travers. Au Vélodrome, je ne sais plus quel match on y était. C'était le retour face au PSG. Donc c'était une saison. Le retour d'Mbappé, donc c'était compliqué ratée. Pour un premier match. Ouais, voilà. Donc c'est une saison ratée. Hein. Il est prêté. Donc et puis comme voilà, Gigo Balerdi, Kolasinac, même des joueurs comme Kolasinac qui n'était pas l'année dernière, qui n'était pas. Impressionnant. Cette année, il lâche les chevaux et il dégage une puissance. Même Samuel Gigot, c'est pareil. Début de saison, il ne faut pas se mentir, on ne s'attendait pas à ce qu'il ait cette capacité à rebondir comme il est en train de le faire. Du coup, par rapport aux clés et aux choix forts de chaque coach, comment vous les valorisez aujourd'hui? À commencer par celui de l'Olympique de Marseille. Donc avec Chancel sur le banc, ok. Et le choix de Malinovski aussi. C'était les deux choix les plus forts dans le 11 qui était attendu. Je pense que, mine de rien, ils sont payants. Ils sont payants les deux, parce que défensivement, bon, ben, ils n'ont pas été trop mis à mal l'OM. Et Balerdi même a été plutôt bon, même s'il est toujours dans le duel, toujours à la limite, mais il a été bon parce qu'il a bien suivi les décrochages de Cherki. Donc à savoir s'il a trouvé meilleur pour accompagner peut-être les décrochages, peut-être que Chancel.
Et après, Malinowski, sans faire un grand match, je pense qu'il a été quand même indispensable au milieu de terrain parce qu'il faisait quand même le lien, il trouvait des bonnes passes pour décaler. Même si moi j'attends toujours plus de ce joueur, je pense que ouais, choix payant du coach et même avec ses latéraux inversés, quand il rechange, c'est Klos qui va faire la passe D, c'est Klos qui aurait dû être décisif en deuxième mi-temps sur son côté gauche. Bon, et après il fait les mauvais choix, mais ouais, franchement, ce soir, plutôt bon choix du coach marseillais. Ouais, et puis côté lyonnais, après, c'est toujours. La casette. C'est toujours difficile, forcément. Côté marseillais, on dirait que c'est les bons choix. Côté lyonnais, on dirait que c'est les mauvais. Mais je me répète, je pense que le penant, il aurait dû commencer. Et quand on voit le déroulement du match. Voilà, je pense que même s'il met un très bon ballon, Tolisso, il aurait dû sortir, peut-être même direct après. Voilà, il donne ce bon ballon, il aurait peut-être dû le faire enchaîner 2-3 minutes, voilà, pas pour le féliciter, mais et c'est faux parce pas le sortir derrière. Mais c'est faux parce qu'il est pas loin, mine de rien, dans son coaching, en faisant rentrer ouais. Gusto ouais. Et tout, ouais, presque de gagner le match. Gagner, mais, final, mais sur l'ensemble, quand on analyse sur l'ensemble du match, ah, il souffre quand même. Il souffre. Même le choix de sortir Mendes alors qu'il était plutôt bien dans le match. C'était le meilleur des trois. Et ça, c'était un peu surprenant. Mais ils n'ont pas pu tout simplement tenir la capacité physique de l'OM. Hein. C'était trop intense. Et puis, au final, comme on le dit, Marseille a l'habitude et on l'a vu sur cette fin de match. La 92e, hein, 92e, tu les vois. On parlait d'Alex Sanchez qui se jette dessus. Igor Tudor, qui sera avec nous. Alors, apparemment, c'était des gens de sa famille quand il a jeté des. For you. Thanks, Igor. Are you okay? Oh. Beautiful. What a game. Yeah, what a game. What a game. Yeah, thank you. I think it was a night for both. Much better for us in the end. Yeah. No. Yeah, we had this opportunity in the end, and then you think, now something can happen other because they have fantastic players. And okay, beautiful, important victory to for this finish. Important victoire pour ce finish, bien évidemment. Is it the best game of Marseille this year for you? No. Est-ce que c'est le meilleur match de Marseille pour vous cette année? No. No. Which one? I don't know now. Je ne sais pas maintenant lequel c'est, mais okay. Next time top 3 for me maybe, but top 3 la prochaine fois. This is for important. It was not easy because it was a tension, okay. You know. Ça a été first half, évident, car très tendu, évidemment, notamment la première période. We little bit renounced to play with the ball. Okay. Like we can. On a un peu renoncé à jouer quand on avait le ballon. Okay, so second half, I said on half time, période, play what j'ai dit à mes gars, jouez quand vous avez le ballon. Without ball, we were good, even first half. Sans le ballon, vous avez été très bon. Mais avec le ballon, il faut jouer, absolument. We start to play in the right really way, like six, with the ball, second half. Yeah, on a vraiment commencé à jouer après dans cette deuxième période en ayant le ballon. Is it the your spirit, aggressivity, intensity? We love it because it's game. Is it your spirit, Igor? Est-ce que c'est votre l'agressivité, l'intensité, est-ce que c'est l'esprit quand tu dors? This style of playing, you know, of course the coach need to feel this. Okay. You know, you need to transmit what you feel. Bien évidemment que c'est le feeling que j'ai que je transmets à mes joueurs. What you believe, yeah. And that's for sure. Well, two choices with our questions. The first one in defense. Why not Chancel in defense? No, I believe that Leo today, because the kind of the game was for him, for okay. Because they have this. Aujourd'hui, ce match était vraiment pour Leo Balerdi dans la physionomie. Dans lot of rotation, lot of situation. No, I choose like this, you know. There's no mean that Chancel will not play on Sunday again. Eh? He played last game. Eh? Yeah, but two before, yeah. Not. No, one play, one not one. No, okay. like others. In Nuno play, and then after he didn't play. No, it's Chancel is a fantastic player, and important for this season. He make he's in top 3-4 players this season. You know, he make very good things, and okay, and
That's all. The second choice to understand your aspect, it was for Malinovsky and not Guendouzi or Vitinha. No, Mali was good today. Vitor, as I said, he had problems all the week, you know. Vitinha avait quelques problèmes. Voilà pourquoi j'ai choisi Malinovsky ce soir. Et Guendouzi. Matteo. Matteo will maybe play next game. Il jouera peut-être le prochain match. Okay. It's not your best game today. No. You will give me your top three. Yeah. Okay. Let me think. Okay. And your survêtement shirt. It was for your. Oh, for my parents. They were here. Huh? Yeah. 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 They were here. Wow. What a big game so for you. Yeah. Congratulations, Igor, and thank you so much. Merci. Donc c'était effectivement pour sa famille. Bien vu ma Aurore, tu avais raison, c'était sa famille qui était là aujourd'hui et à qui il a rendu et donné du coup son survêtement et ses affaires personnelles. Bon, les choix étaient clairs. J'ai bien aimé ce qu'il dit sur Ballardi. Hein. Ouais. Là, il a senti sur ce match que c'était un match pour lui. Je pense que l'atmosphère, comme il dit, dans l'ambiance, je pense que c'est caractéristique de l'équipe en face aussi, hein, même s'il n'avait pas tout nous dire. Donc c'est assez logique et c'est bien aussi l'éclairage sur le petit pépin de Vitinha. Voilà, après Guendouzi, bon ben voilà, il bosse en touche, hein, il fera le prochain. Guendouzi, il a botté complètement en touche. Et pour Chancel, un poil aussi quand même, parce que un jour oui, un jour non, un jour oui, alors que c'était tout le temps oui. Oui. Donc je dis qu'il fait partie des 3-4. Ouais. Et là tu ne le mets pas, bon. C'est étonnant quand même, hein, c'est étonnant. Ouais, mais après, après c'est facile, encore une fois, il a gagné, donc c'est facile de lui donner raison. Mais c'est vrai que c'est lundi, il aime ce genre de match un peu fou, tu as raison. Où il y a une ambiance un peu chaude, Chancel aussi. Mais voilà, peut-être que lundi, après, c'est comme il l'a dit, c'est comme il le ressent lui, donc on ne peut pas lui donner des torts ce soir. Il a été, les trois derrière ont été très bons. J'ai bien aimé aussi ce qu'il nous a dit dans ce rapport à ce qu'il a dit à ses joueurs, c'est-à-dire qu'il les a avec adorés le sans ballon. Oui. Ok, mais avec le ballon, ils ont mis du temps à se dire, on peut jouer. Bien sûr. On peut jouer, on peut aller chercher quelque chose intéressant, parce que vraisemblablement, c'est ce qu'il leur a dit à la mi-temps. Oui, il a raison, parce que dès qu'ils ont abandonné le jeu, ils se sont mis en danger, alors qu'ils avaient largement la capacité de le faire et de créer du danger côté marseillais. En tout cas, de mettre en danger cette défense lyonnaise. Et c'est vrai que dès qu'ils ne l'ont pas fait, ben, ça a été un peu plus dur pour eux. Mais logiquement, le but, si on revoit le deuxième but, il vient sur une construction. Ils ont joué, oui. Ils ont mis sur le côté. Après, il y a la réussite à la fin, mais c'est à travers le jeu. Malgré tout ce qui met l'énergie, l'agressivité et tout, l'OM doit garder ce jeu, parce que c'est comme ça qu'ils vont arriver à marquer des buts, et surtout face à des équipes, maintenant, quasiment jusqu'à la fin, qui vont les attendre, notamment dimanche prochain, comme Auxerre. Il va falloir qu'ils soient propres et bien meilleurs dans le jeu. C'est pas un des meilleurs matchs de Marseille, vraisemblablement pas dans le top 3. Vous avez vu, parce qu'il m'a dit qu'il me présenterait son top 3 la fois prochaine. Il y a de la com aussi, mais c'est vrai que on les a vus beaucoup de fois et à chaque fois c'était des matchs de fou. Donc là il est à chaud, il reviendra peut-être sur ses propos. On voit sur la photo là. Ouais, voilà, là c'était avant qu'il donne tout, mais il a raison. Toutes ces occasions c'était sur des ressorti de balles assez propres, assez construites. Donc il a raison de dire à ses joueurs qu'ils peuvent être bons sans ballon, mais qu'ils sont bons aussi en faisant le jeu et en ayant la possession. Et on l'a vu ce soir, toutes ces occasions, c'est jamais des contres ou des coups de chance ou des récupérations à 10-15 mètres du but. Non, c'est que des ballons ressortis. Alors certes, il y a certaines phases de jeu qui sont directes, mais il y a eu beaucoup d'occasions aussi préparer, transformer, de jeu direct et de préparation. Donc à la fin, à la fin, il y a eu encore une fois, il y a eu un gardien en face qui a empêché une punition, mais ça aurait pu être très très lourd, parce alors c'est vrai, ça finit 2-1, très serré jusqu'à la fin, mais si on est objectif, ça aurait pu être une défaite catastrophique pour les Lyonnais. Et si on est lucide, on savait que Marseille avait gagné 2-1. Oui. Si on est lucide. On sait que Marseille avait gagné 2-1. Non, je reviens sur la question d'Alex. Tu dois le sentir. Comment tu veux le sentir, ça? Tu pouvais pas le sentir avec un gardien comme ça. Si ça finit... Après, Gusto, il doit finir aussi. Non, il doit marquer. Ben, Malou, sur ce ballon en retrait, il doit marquer. Je sais pas ce qu'il... J'ai l'impression qu'il s'y attend... Enfin, qu'elle lui arrive trop vite dans les pieds et qu'il a un geste bizarre, en fait. Comme s'il s'y attendait pas, alors que bon... C'est un peu le choix numéro 1, et le seul d'ailleurs, je crois.
Igor Tudor est content. Quand je l'ai passé, je dis, il doit être bien là. Il est quand même, il est aux anges. Hein. Oui. Il y avait une victoire. Il y avait 15 ans qu'on a, que Marseille gagne pas là. Ouais, puis Lens gagne hier. T'avais chaud un peu quand même. Elle va faire du bien celle-là. Et dans la jambe, et dans les jambes, et dans les têtes. Salut Laurent. Cool. Tiens. Je me mets là au milieu. Bon Laurent, j'imagine toute la frustration et l'agacement de tout ça. Je peux pas l'imaginer. Je peux un poil l'imaginer quand même. Bon allez, pour traduire ce ressenti et nous donner des mots autour de cette frustration. Bah, une fois que tu l'as dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il faut l'assumer, il faut la surmonter surtout. Il y a un autre match à préparer très rapidement. Donc on va jouer à Strasbourg, si je ne me trompe pas, vendredi. Et voilà, on va se préparer, on va bien récupérer parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts. Comme j'ai dit aux joueurs, ça a été très court le discours. Hein, vous pouvez imaginer un petit peu la déception qu'il y avait. Ils doivent être déçus du résultat, mais pas déçus du match, je pense, hein, c'est mon avis. Même si, bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais je pense qu'on a tenu tête à cette équipe de Marseille, surtout dans le jeu. Même si c'était une équipe très joueuse, nous, on a prouvé qu'on était joueurs aussi, on a pris des risques autant qu'eux. Je pense que ça a été un beau match. Il y avait deux équipes qui voulaient faire du jeu, qui voulaient produire du jeu, avec des bons joueurs sur le terrain, bien sûr. Moi, ce que je dis, c'est que voilà, la seule déception ce soir, c'est le score. Léo. Ouais, on a le sentiment. Ce qui a un peu fait la différence aussi, c'est l'aspect physique, athlétique de l'OM. On peut pas lutter. Ouais, voilà, qui roule. Ça, on peut pas lutter parce que, bon, voilà, à un moment donné, quand il y a des joueurs qui, athlétiquement, physiquement, sont bien préparés, comme nous sommes bien préparés aussi, mais après, tu sais que la morphologie des joueurs, à un moment donné, mais là où je regrette, c'est qu'on perd le match sur un détail, parce que c'est un détail, mais ces matchs-là, tu les perds que sur des détails. Quand je demande à l'arbitre de touche, je lui dis, combien il reste, monsieur l'arbitre? Il me dit 40 secondes. Oh, moi, je dis, écoutez, je pense sincèrement que le match va se terminer 1-1. Et quand je vois le gardien de but de Marseille qui n'ose pas repartir de derrière parce que, bon, il se dit, c'est pas la peine qu'on prenne des risques, on va dégager le ballon. Et là, je me dis, mes défenseurs, en termes de taille, ils sont quand même plus supérieurs aux joueurs de Marseille. Et on se gêne, je sais pas ce qu'on fait, on se gêne. Et le ballon arrive dans notre surface et on prend un but. C'est là où c'est frustrant. C'est ce que je dis à mes joueurs. Soyez concentrés jusqu'à la dernière minute ou dernière seconde. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on peut prendre un but dans le football. Dernière question, Laurent, pour comprendre par rapport à ton travail. Et on s'est un peu interrogé sur tes changements, notamment l'un d'entre eux. Oui. Pourquoi sortir Thiago, qui nous semblait à ce moment-là être le meilleur? Non, je pense qu'au milieu, ça court beaucoup, ça cavale beaucoup. Corentin, je suis obligé de le garder. Moi, j'aime bien le garder parce que dans la construction du jeu, c'est lui qui est sûr de lui. Okay. J'en ai peu comme ça. Pourtant, il a manqué pas mal ce soir. Il met la bonne passe au bon moment. Ouais. On est d'accord. Écoute, ça, c'est une qualité qui est quand même. Je suis d'accord. Qui est quand même, quand tu veux faire du jeu, qui est quand même importante. Voilà. Donc, je pensais que Jo, et je le pense toujours, je pensais que Jo, par son abattage, pouvait quand même soulager un petit peu notre milieu, qui a beaucoup, beaucoup couru, que ce soit Thiago, que ce soit Corentin, que ce soit Max. Ils ont beaucoup, beaucoup couru, comme le milieu de Marseille d'ailleurs. Hein. Donc voilà, je voulais soulager un petit peu et mettre un peu du sang neuf dans ce milieu. Je voulais assurer un petit peu ma défense côté droit avec Malo. Malo a la balle de match. C'est comme ça. Mais voilà, donc, et je voulais amener un petit peu de fantaisie avec, enfin, de fantaisie entre guillemets, mais de qualité offensive avec Jeffinho qui peut, à un contre un, créer des problèmes. Voilà. Non, l'idée était là. Je pense sincèrement que si le match il recommençait, on refaisait le match, je ferais les mêmes changements. Hein. Merci Laurent de cette transparence. Ouais. Allez, merci, au revoir, bonne soirée. Bah, merci à toi. Ciao. Merci à toi Laurent. Thank you.
Salut Alex. Tiens, merci. Bon, la traduction physique de ton arrivée à nos côtés, les mains dans, les mains dans le dos avec le pas un peu lourd. On était en échange avec, avec le coach à l'instant. Waouh! Oh, on grince des dents là quand même. Hein. Ouais, elle fait, on grince des elle dents, fait mal celle-ci, même si je pense qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Et sans, sans Anto Lopez, on. Ouais. Tu lui sers le poing d'ailleurs quand tu marques, ouais, ce que tu sais. Parce qu'il sait que, je sais que il a fait, c'est lui qui nous laisse dans le match. Et forcément, il y a de la déception parce que malgré tout, il fait de super parades, il nous laisse dans le match et on, ces petites erreurs à la fin qu'on paye cash. Ça doit être frustrant quand même parce que vous essayez de faire le même match que Marseille quelque part, autant techniquement que physiquement. Mmh. Mais vous avez, on a senti quand même une équipe de l'Olympique de Marseille physiquement nettement au-dessus. Oui, si, c'est vrai, je l'ai senti aussi. Et on sent qu'ils ont l'habitude d'être comme ça. Oui, c'est l'habitude, vrai. Que ce soit mental ou même ou physiquement. Après, malgré tout, je pense qu'il y avait quand même un petit truc à aller chercher. Au pire, ce point du match nul, ça aurait été bien pour nous, mais au final, ils ont gagné et c'est dommage pour nous. Rio. Ouais, justement, l'intensité que vous avez été capable de mettre et répondre à l'athlétique côté marseillais. Est-ce que maintenant, ce n'est pas ça l'axe de progression pour vous face aux équipes un peu plus faibles, on va dire, que l'OM sur ce point de vue-là? Est-ce qu'il va falloir être à ce niveau-là, justement? Oui, c'est possible. Après, moi, je sais qu'on peut toujours les faire courir, être malin sur le terrain pour, si on ne peut pas répondre physiquement, bah, au moins garder le ballon, les faire courir. Et c'est là où je pense notre axe de progression allait, c'est garder le ballon intelligemment et toujours trouver l'homme libre. Alex, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ta disponibilité. Merci infiniment. Merci. Ouais, même lui, il l'a senti. Voilà, comme ça le constat est clair et relaté par rapport à nos, aussi à notre, bah, notre analyse. Bon, en même temps, c'est assez flagrant. Le physique, c'était... Marseille est ressorti avec tous les ballons, chaque duel pendant 90 minutes. Et je peux te dire que quand tu es en face, c'est dur. C'est dur quand pendant tout le match, c'est ton adversaire qui ressort avec le ballon. Donc on l'a bien vu, il a une philosophie de jeu qui est différente de l'Olympique de Marseille. Pour lui, leur progression, elle doit passer par le ballon. Pour nous, enfin je pense que je parle en notre nom, pour nous non. Pour nous non, la progression elle est ailleurs. Mais bon. Et en s'améliorant physiquement, la qualité technique ils l'ont, donc ils seront encore plus à l'aise. Et c'est pour ça que je sens qu'il a l'esprit joueur lui, mais justement, moi je pense que c'est un match sur lequel Lyon peut s'appuyer, et qui peut se dire face à des équipes un peu plus faibles, Strasbourg, le prochain match, ils savent que Strasbourg, ça rentre aussi dedans, c'est physiquement, athlétiquement fort. Il va falloir aussi répondre présent là-dessus et ils ont la qualité technique en plus. On va refermer tranquillement ce live, les amis, cette nouvelle soirée Olympico qui a été énorme. Énorme, qui a été énorme avec la victoire de l'Olympique de Marseille ici à Lyon, 15 ans après, sur le même score qu'il y a 15 ans, après le doublé de Mamadou Niang il y a 15 ans, et bien voilà Marseille qui s'impose sur un CC à la toute dernière seconde. On vous l'avait dit, restez avec nous jusqu'aux dernières secondes, comme face à Nantes, comme le match de Nantes cet après-midi, il fallait rester jusqu'au bout. Semaine prochaine, Paris Saint-Germain, Lorient. Les garçons. Paris Saint-Germain, Lorient, avec la dernière ligne droite pour le titre de champion pour le Paris Saint-Germain. Merci les garçons. Merci à toi. Merci à toutes les équipes de Wall qui nous ont accompagnés une nouvelle fois, que ce soit ici au Groupama Stadium, toutes les équipes de la Fibre également, Free, les équipes à Paris, autour d'Aurore, Mathy Bolt, on t'embrasse très très fort. Douce nuit à vous. On vous embrasse très très fort avec votre petite liquette brodée. Et merci aux équipes Free qui étaient bien évidemment avec nous, avec Nico Noël et Mickaël Pereira. On vous embrasse de tout cœur. Merci de votre fidélité. Et on se dit à la semaine prochaine pour le Paris Saint-Germain face à Lorient. On se suit attentivement toute cette semaine sur l'ensemble des réseaux sociaux officiels de chacun. On vous embrasse.